Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue euh, pour ce nouveau live, une fois de plus, une semaine après l'autre, euh, votre petit rendez-vous hebdomadaire euh, sur notre chaîne ici. Là, vous êtes, vous êtes sur MacBooks euh, TV. Allez, allons-y maintenant. On a les moyens, on se la pète. Euh, je suis Jean-Charles, donc le community manager d'Omakebooks et, Books, et euh, même plus pour ceux qui me connaissent. Euh, on a plein, plein de trucs. Ce soir, voilà, le petit bandeau vient de se mettre. On a euh, des super invités. Euh, Bob Lennon, un petit gars qui débute sur, sur YouTube et, et Twitch. Euh, il commence à se faire un petit peu connaître. Il a fait quelques trucs, notamment avec nous. Et Brice, euh, qui va nous rejoindre aussi un petit peu plus tard. Euh, et avec moi, évidemment, comme d'habitude, on va débuter euh, en accueillant notre ami Florent Gorge, qui se joint à moi. Paf Le bon voilà. voilà Salut, La, salut direct. Salut, Flo, bon, comment bonsoir. tu vas bah ça va, je te remercie. Comme tout, ça va toujours bien quand on parle de, de jeux vidéo, toujours. Très bien. Ben bah ouais. Bah ouais, on est, on est bien. On est encore une fois au rendez-vous là pour à peu près une heure, un petit peu plus d'une heure, pour parler PlayStation. Avec Bob, Et... je, je doute que ça dure moins moins d'une heure. Ben bah, c'est pour ça. Hein. J'ai essayé de le prévenir, mais euh, le connaissant, il se peut qu'on déborde un petit peu. Mais on, on va, on va essayer de voir. Mais euh, voilà, donc ce soir, on se retrouve une fois de plus pour parler PlayStation avec euh, euh, voilà, ici Florent qui a affiché le, le, la campagne KissKissBankBank euh, oui. qui tente de financer, hein, qui a financé, on a réussi à financer pour l'instant, mais ça continue tant que les jours ne sont pas terminés. Le euh, projet qu'on a de bouquin anniversaire pour la marque PlayStation, parce que la première PlayStation qu'on aperçoit ici, euh, Faites, c'est 30 ans cette année. Voilà, ça fait 30 ans que la PlayStation 1 est sortie euh, au Japon, du moins. Et pour marquer le coup, on s'est dit voilà, on va faire un super projet, mais pas uniquement sur la PS1, puisque on passe euh, la PS2, la PS3, la PS4, la PS5, la PSP, la PS Vita et tout un tas d'accessoires, tout un tas de jeux euh, qui ont marqué ces, cette époque, cette, cette génération PlayStation. Euh, voilà, avec des, des ouvrages magnifiques, tout ça euh, éventuellement, si vous le voulez, euh, dans un magnifique coffret qui les réunit tous. Euh, voilà, on a fait un truc super super sympa. Et ouais. euh, -ce la, que particularité j du, la particularité de ces bouquins, c'est qu'ils sont tous fournis avec des fourreaux, mais surtout, ils ont la taille des consoles d'origine. Mais, oui. mais oui, ah, oui. Ça, ils sont tous au format des consoles. Donc euh, la PS2, elle, est, elle a cette petite forme un peu. Euh, plutôt en longueur, la PS3 elle va être un peu, plus, euh, un peu plus épatée comme ça, euh, mais euh, euh, ouais, tout au format et à la taille des, des machines, tout ça maintenu dans un fourreau euh, pour chacun des bouquins, et donc mmh. le coffret qui contient les cinq bouquins, leurs cinq fourreaux, paf, voilà, c'est ce qu'on voit là sur l'image sur au centre, euh, voilà, c'est vraiment les bouquins absolus pour les fans de, de PlayStation. Euh, et pour les, les amoureux du jeu vidéo en général, hein, de toute façon. Ouais. Mais euh, voilà, donc ça, il y a le, le, le lien, euh, on va pouvoir le balancer, tiens, je vais le balancer tout de suite dans les oui, commentaires, oui. ça permet aux gens de nous rejoindre gentiment et d'aller voir dessus pour ceux qui ont envie. Euh, voilà, ça se passe super, super bien, là, vous voyez qu'on a dépassé les 400 contributions, c'est un truc de zinzin. On approche des 2000 préventes. ventes euh, wow. enfin, Nous, on est, on est super, super étonnés de ce succès et on est plus que ravis. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc il reste encore 25 jours. Donc allons-y, faisons, faisons péter le, le score et puis, euh, et puis pourquoi pas battre Bob Lennon à son propre jeu sur le financement de cette campagne. Pourquoi pas? <laughs> oui, on est bien parti, on est bien parti. D'ailleurs, je te propose qu'on l'accueille tout de suite, Bob, et qu'on fasse aussi venir Brice. Mais oui Ok hey. Ok, let's go <laughs> On s'éclate <laughs> jusqu'au bout de bons présente bon défend est... oh, Attention, attention, la surprise pour les 30 ans de la PlayStation, est-ce que vous êtes prêts ouais. on est prêt. Incroyable, <laughs> incroyable, des effets spéciaux ici. des ah, effets spéciaux, il <laughs> y a un sacré encore. budget là. <laughs> et Brice, et... bonsoir à tous, bonsoir à toi Brice qui est juste en dessous. Bonsoir à toi Laurent qui est Salut juste... Bob. À est... Salut, allez, Bob. À il est encore, vais... tout en haut. Florent, tu peux, je, faire je, semblant, je... Voilà, tu peux faire semblant de taper vers le sol parce que je suis ton voisin du dessous qui fait trop de bruit à 4h du matin. <rire> <rire> je, suis, je, suis peu, je suis un peu déçu quand même parce que moi je m'attendais à des confettis ou quelque chose, ah oui. que c'est ça. Il voyait le, le, le fil qui pendouillait. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On est là pour parler de la PlayStation et plus exactement, on m'a amené pour parler de la PS3. Je ne sais pas pourquoi la PS3, mais ça tombe bien, j'y ai joué donc je ne vais, vais pas me plaindre. Euh, on est bah la PS3, pourquoi? C'est pas compliqué, c'est qu'on a fait déjà deux émissions auparavant, les semaines précédentes, qui sont d'ailleurs disponibles sur, sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent les revoir. Euh, la semaine dernière, on parlait PS2, la semaine d'avant, on a parlé PS1. Donc la logique euh, <laughs> veut qu'on parle de la PS3, mais on peut parler de n'importe quelle PlayStation évidemment. Alors, n'importe quelle PlayStation, sauf les bootlegs que tu peux trouver quelque part en Asie, euh, euh, qui s'appelle oui. les Joystation 2 et les 3. En vérité, je, je sais que c'est un stream officiel, donc on n'a pas le droit de parler de ce genre de trucs, mais je serais, curieux, je serais curieux un jour que quelqu'un mette la main sur une de ces fameuses consoles qui te promet, si tu sais, avec les couvertures, c'est marqué, il y a Homer Simpson et God of War dessus. En temps, <laughs> genre, tu sais, ça ne veut plus rien dire. Et je me suis toujours demandé euh, ce que valaient ces, ces espèces de, de, de fausses consoles. Euh, euh, qui ne veulent absolument euh... rien à dire, mais en tout cas voilà, 100 ans de PlayStation Non, 30 ans, sur mon stream j'ai mis 100 ans, ans elle ouais, m'exposer ouais. la question, euh, <laughs> ça me fait rire. On est vieux, on est vieux, on est vieux. Brice, ouais. toi de ton côté, tu es, euh, tu es sur la chaîne Jeux Vidéo euh, Magazine euh, depuis déjà plusieurs années. Et tu, ouais. tu, officies, tu officies dans le journalisme vidéoludique depuis longtemps, très longtemps. Et... Très longtemps, bah, depuis euh, 1996 exactement. Ah là, bah, et euh, euh, ouais. 1996. Et pour la petite anecdote, ma première PlayStation était une PlayStation Jap que j'avais gagnée à l'occasion d'un concours dans Console Plus. Ah, oh ah oui, ouais. donc d'accord. Donc, t'as gagné le concours et c'est ça qui était. Bon, donc... si je veux devenir journaliste, <laughs> on donne plein de jeux à plein de gens. Ah non, il, y avait, trop... il y avait, il y avait 10 PlayStation et 10 Saturn à gagner. Écoute, j'ai gagné la PlayStation et une console, euh, console Jap. C'est ça. Et t'as vu ton pote content. qui a gagné, qui a gagné le VTT à côté de toi, qui se mettait <laughs> à pleurer quand il était un les couilles du VTT, je voulais une play. <laughs> ouais. Donc, tu vois, j'ai commencé mon aventure PlayStation, euh, avec la console Jap euh, via, via un concours. Donc, j'étais bien content. Mmh, mmh. Parce que pour rappeler en tout cas, il y a, il y a sans doute beaucoup d'anciens sur le, sur le chat, mais à l'époque les consoles ne sortaient pas tout en même temps. Hein. Donc euh, ah, je oui. pense ouais. que j'ai dû la... bah, je l'ai eu neuf mois avant la sortie de euh, ouais, le décalage Japon-US était de peut-être un an euh, voire ouais. un peu plus, et le décalage US-France était de quoi six mois un an minimum, ouais, c un ça. grand minimum. Ouais, donc c'était, ouais. c'était. Mais une dinguerie. Euh, moi je vois quand même un scandale là-dedans parce que déjà qu'on se plaint que les journalistes ont tous les jeux gratos, mais même avant qu'ils deviennent journalistes, ils ont les. <rire> <rire> après il les mérite hein. vous n'avez pas vu le bureau de Brice mais il y a littéralement une étagère euh, remplie euh, de coupes d'Europe gagnées euh, euh, ah, ouais. je ne sais quel <laughs> le mec est compétitif de ouf voilà tout ce que je veux que vous sachiez sur le chat c'est qu'il insultait déjà les gens sur internet avec un petit casque et une manette avant même qu'on ait pensé à jouer aux jeux vidéo à finir le voir donc cet homme était présent et Florent j'étais là pour tout traduire de tous les gens, de tous les gens japonais chez Sony qui ont dû dire des choses sur la PlayStation, parce que c'est toi qui a en grande partie écrit bouquin aussi. Enfin, des bouquins ou pas du tout Alors pour le coup, non, Florent n'a pas écrit. Rien traduit, mais c'est son taf. Ça s'est pas d'autres mais euh, oh. mais effectivement alors est-ce qu'on a des dev kits des protos etc. dans les livres oui bien sûr oui. Bien. C est, c est, ah, on voit les prototypes produits. ah c'est dingue ça ouais, ouais. on ça, verra des dingue, choses ça, vraiment ça. très cool ouais, ouais, non, bref on a du on coup... des, des super données des super archives euh, qu'on qu a récupérées mmh. par des gens euh, bien placés disons laisse, laisse moi euh... faire la promo Et juste avant qu'on parte dans la suite de l'ordre du jour braves gens qui êtes sur le live sur Youtube ou qui êtes mmh. sur le live ailleurs je peux pas dire les autres sites parce que c'est en conflit si tu veux mais qui êtes là pour pour Sony il y a Plusieurs livres incroyables d'un coffret collector exceptionnel des 30 ans de la PlayStation. Si j'ai bien compris l'image que tu montres, ça veut dire que chaque recueil a la même tronche et la même dimension que les PlayStation, qu'il couvre, qu'il couvre, ENT, qu'il ouvre mmh. -E ouais, c'est ça voilà qui couvre ouais. et donc chaque bouquin a le même format euh, euh, alors c'est marrant qu'est-ce qui t'a poussé à choisir quel format de quelle console parce que spoiler la PS2 il y en a eu plusieurs la PS4 il y en a eu plusieurs la PS3 il y en a eu plusieurs hein. moi j'ai encore la PS3 euh, ouais. chunky euh, celle qui bah, était qui euh, était euh, énorme et la PS2 venir. chunky j'en ai encore une ouais Tu fais ah, bien hein. de le dire Bob euh, alors là ce qu'on voit là tout de suite là sur l'image c'est des mock up donc c'est des des visuels euh, préparatoires on va dire ah. provisoires en tout cas mais, euh, en théorie, on sera à chaque fois sur, la, sur, la, sur les consoles euh, originelles, tu vois Donc, mmh. la PS1, ça sera la PS1, pas la PS1. Euh, la PS3, je pense qu'on sera plus sur de la PS3 aussi, mais euh, ce qu faut... ouais, parce qu'elle était un peu trop, un peu trop grosse, je pense. Euh, ouais. La PS3 Fat, si vous deviez la. Ouais. Exactement. <laughs> le li le livre est bombé. tu sais. <rire> <rire> Un Inrangeable sur une étagère. Ouais, je tu à des exosports, tu sais, des trucs d'enfroidissement à l'arrière quand tu l'ouvres. Ouais, ouais. Après, <laughs> tu vois, on n'en est pas encore à cette, à cette étape-là. Ceci dit, euh, tu vois, par exemple, avec la PS5, il y a un réel problème de format euh, pour la maquette après. Oh putain, euh, oui. <laughs> un livre <laughs> en forme de manteau, tu veux, ça veut plus rien bah dire. Ah ouais, euh... ça va être un peu bizarroïde donc ah. euh, là pour l'instant ce qu'on voit c'est des mock up mais en théorie voilà ça va ça, on va reprendre plutôt les bases euh, mais, les avec de, de la drag. chance ils vont sortir une PS5 Slim bientôt euh, euh, ah, y qui y sera y une version euh, format PS4 de la PS5 et tu auras peut-être un format qui se qui se devinera à lui tout, tout ça mais je pense bien. que ouais. les gens qui achèteraient ce coffret ne feraient pas ça pour l'histoire de la PS5 qui est beaucoup trop récente pour être même ouais. sans offense hein, envers Sony être qualifié d'histoire on est là pour ouais. la PlayStation 1 on est là pour la PlayStation 2 qui est du rétro hein, euh, on, est, ouais, ouais. on est là pour la PlayStation 3 qui est du rétro hein, la preuve hein. en fait ouais. moi je un jeu de rétro ou une console de rétro à partir du moment où on en chie pour trouver les manettes pour le support. Mmh, c'est ça en ouais. fait. À partir du moment où as passion, plus de ouais. non mais à partir du moment où tu te balades dans un centre commercial dans un truc de jouet ou n'importe quoi ou autre et que tu ne trouves plus de manette pour la console que tu cherches, euh, c'est que c'est que elle a été euh, abandonnée par le marché et qu'elle est euh, désormais chez les gens. Si tu veux, donc c'est c'est pas une mmh. forme de rétro bien évidemment parce que les consoles avancent de plus en plus vite, mais pour la PlayStation ouais. c'est un assez bon indicateur je trouve. Ouais. Ouais, là, moi, je, moi ou... je, je je penserais plus, tu vois, un petit peu au côté Madeleine de Proust, tu vois. C'est-à-dire que mmh. tu vas penser à un jeu et je pense qu'on n'a pas le même rapport entre, j'en sais rien, un jeu que tu as fait l'année dernière et forcément un jeu que tu as fait il y a, il y a 15 ans. Mais vois, là, tu vois, sur euh... PlayStation 3, on, on en parle, je suis en train de jouer à Metal Gear Solid 4 parce que je me suis tapé tous les Metal Gear avec ma, ma copine. On a fait ça sur PS3, PS3, PS4 pour le 1 et, et PS3 pour Metal Gear Solid 4 qui est exclusive à la PS3. À ma connaissance. Voilà. Mmh. Et euh, euh, bah, j'ai une manette qui bug. De temps en temps, ma manette est à un faux contact et elle est possédée. Euh, et mon personnage se met à faire des roulades pour rien et je suis obligé ouais. de donner un pour avancer à l'ancienne, es obligé de donner un coup dans ton matériel pour qu'il marche, et qu'il continue à marcher et je sais que si je cherche une manette, une manette de PS3 aujourd'hui, faut absolument que j'aille voir sur des sites spécialisés, faut que j'aille voir ailleurs, faut que je commande enfin c'est ouais. chiant, je peux pas ouais. juste aller à une brocante au pif, euh, regarder les jeux ouais. en faisant brrr, et en tombant sur 19 000 NFL euh, <laughs> qui ont été vendus depuis, tu vois, voilà bien sûr et du coup voilà, donc c'est un c'est un, un, une logique, c'est une logique, mais bref voilà ouais. Mais t'as raison, hein. j'ai eu le même souci avec ma PS3, j'avais plus de manette. Euh, j'ai fait un, un truc de foufou un peu parce que euh, j'en avais marre de trouver des manettes, des copies chinoises qui duraient deux semaines. Ouais, c'est euh, ça, c'est chiant. Ouais. J'ai acheté un, un lot de manettes officielles sur eBay, HS. Euh, Soi-disant HS. Euh, Je suis pas forcément hyper techno. Je les ai ouverts, je les ai nettoyés, et repartent. J'ai cinq manettes que j'ai payées 15 balles. <laughs> D'accord. <laughs> moi, j'adore parce que racontez vos plus belles anecdotes PlayStation Sony. Alors, moi, j'ai bootleg des manettes euh, <laughs> que j'ai me... Moi, je l'ai fait pirater dans un truc à côté de la Fnac quand j'étais gosse. J'ai fait pucer <laughs> ma PS5, mon gars. <laughs> J'ai pas non, attends. un jeu. De... <laughs> si tu parles, si parles d'anecdotes, euh, tu vois, moi sur la PS3, alors c'est marrant ça parce que je vais pas vous parler de forcément de. Attends, le fait de, que tu l'aies de... gagné, une espèce de kermesse euh, incroyable. <laughs> Envoie ton timbre avec ta petite tête pour participer au grand concours Paris CEDEX 12 Le fait que tu aies gagné un truc comme ça. <laughs> Et déjà, une honte en T'es mi-corne. Voilà, ouais. Et sur la PS3, si, anecdote, parce que moi, il y a un truc qui m'avait marqué. C'est quand, à l'époque, euh, c'était sur PlayStation Magazine, on avait eu l'occasion de faire l'interview du, du designer euh, Teiyu Goto, donc de la, de la PS3. Et anecdote de fou, et je ne sais pas si vous le savez, mais la PS3 est transparente. Oui, la manette. Le plastique. Alors Aussi, la console, si tu démontes ta console, tu la mets ouais. comme ça à la lumière, et tu verras qu'en fait... Le plastique oui. est transparent. Tout à fait. Et euh... sorte, euh, avec la, ouais. la petite trappe que tu avais à l'avant pour mettre les cartes mémoire. Exactement. Et oh. donc ça, j'ai envie de dire peut-être 99,5% des gens l'ont jamais remarqué. Bah non parce que ouais. tu as ta ouais. euh... console sinon tu perds la garantie, t'enlèves oh. le petit stick. Ah bien sûr, mais en fait, même si tu la prends <laughs> en fait et tu la mets à la lumière, tu le verras en fait. C'est sûr que. Et pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça alors la PS3, ben, ça vous, vous souvenez de la PS, la PS3, la PS3 Fat Il euh, y avait cette, elle, est, elle était massive et oui, en fait il fallait, énorme, il fallait trouver un moyen, on va dire de la rendre, euh, comment dire, plus, euh, <laughs> c'est bizarre de dire ça, je vais dire plus discrète, mais mmh. en fait de, de, de faire en sorte qu'elle fonde un petit peu dans le décor. Donc il y avait déjà ce petit truc de, du côté transparent, mais surtout cette forme qu'on avait chez le designer, il y avait le côté vase qui cherchait, c'est-à-dire l'objet vraiment que tu euh, que tu, que tu déposes et euh, qui pourrait faire beau dans ton, dans ton salon, qui fait vraiment euh, vase. Vraiment, vraiment, il, il y a toujours et, une euh, phase pour les développeurs de consoles et Sony inclus, entre le moment où la console ressemble à un jouet et le moment où la console ressemble à un microscope. Ouais. Pour être le plus discret ouais. possible, si tu ouais, as toujours ce combat-là, mais je t'en prie, continue, pardon. Non, non, c'est ça. bon après, euh, après, il y a plein d'anecdotes euh, autour de, de la console. Il y a, si vous vous souvenez, le, le logo sur la console parce que vous vous souvenez du logo PS2 et quand on est passé sur, sur la 3 c'est PlayStation 3 c'était la, la police de Spider-Man à l'époque donc Spider-Man c'était bah, qui appartient à, à Sony et oui, Ken, ouais. Ken Kuteragi le créateur de la première PlayStation qui était on pourra en parler après qui était encore sur le, sur le projet à ce moment-là de la, de la oh ouais. PS3, a demandé à ce qu'on utilise euh, le, 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 le la police de Spider-Man pour le logo PlayStation 3 et parce que ça allait beaucoup mieux parce qu'on avait cette forme arrondie. Mmh. Et vous vous souvenez du logo PS2 qui était vraiment tout tout carré sur la PS2 oui, et, ouais. et sur la PS3 voilà, il aurait mis sur sur la console ça aurait pas ça aurait pas rendu euh, rendu mmh. pareil. Pas rendu aussi bien ouais. Ouais. Et donc tu as plein de, plein de plein de petites anecdotes pareil pour le nom de la le nom de la manette, je sais pas si vous avez remarqué, c'est Six un DualShock Ouais, non, six... non la... à ce moment-là, c'est la Six Axis, tu sais, où tu peux oui, bouger. Oui, arrêtes... D'ailleurs, il y avait voilà. un jeu de lancement où tu contrôlais un dragon et tout le but c'était justement de, ouais. de, de, de faire ça, je crois. C'était pas la... un Panzer Dragoon, mais je, je sais que c'est un autre jeu. Et la particularité, c'est que Six Axis, c'est un palindrome et que ça se lit dans les deux sens, en bon. fait. Ah, ah le terme. Oui, smart, oui. smart, 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 smart. Une particularité qu'avait la PS3 par rapport aux autres consoles et même les autres consoles de la génération ou de la génération future. À ce jour, j'ai pas retrouvé ça. Ça se trouve, que ça existe, mais je n'ai pas la culture pour. Euh, c'est que et c'est ça qui rend ça tellement chiant euh, avec euh, les remakes de Metal Gear 3 et du reste sur les autres consoles, c'est que les boutons étaient contexte sensitive C'est-à-dire si tu pressais plus fort, euh, tu avais des ouais. actions. Dans Metal Gear Solid, lorsque tu chopes quelqu'un au corps à corps, tu... Tu sais que si tu l'étrangles avec un couteau, si tu appuies trop fort, ça lui tranche la gorge automatiquement. Si tu laisses appuyer là, tu peux le manipuler, faire ce que tu veux. Et du ouais. coup, ça te donne vachement de contexte et ça demande une maîtrise et quelque part mmh. en plus, c'était vachement diégétique parce que tu maîtrises quelqu'un. Tu maîtrises quelqu'un et tu veux pas le tuer, tu veux l'étrangler juste ce qu'il faut pour pas qu'il meure. Donc il faut que tu maîtrises ton bouton. Faut pas que tu bourres comme un bourrin. Malheureusement, la version PS4 euh, fait que ce bouton sensitif disparaît. Donc, quoi que tu fasses, tu Vas égorger le mec <laughs> devant ouais. toute une famille de lapins qui te regardent comme ça, si tu veux, alors que tu avais besoin des infos. C'est voilà, pour ça. Ils ont, ils ont Il faut savoir que sur la version remaster collection là-haut, ils ont changé l'input dans le sens où tu peux saisir quelqu'un, mais ça ne l'égorge plus. Il y a un bouton spécifique pour le faire maintenant, tu vois, en, en même temps. Ils ont été obligés de remapper le jeu pour que ça corresponde. Mais ça offrait tellement de possibilités. Moi, j'ai toujours adoré les, les boutons qui étaient. Qui étaient qui était force sensitive. Ouais. Ça, ça, ça me fait penser, bon, là, du coup, je parle du Concorde, mais ça me fait penser à un Mario où tu joues à la Super Nintendo, selon ce que tu appuies, il saute une certaine hauteur. Mais ouais. là, c'est plus une question de durée de pression que de force de pression. Ouais. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout la même chose. et ça qui était, qui était intéressant. quoi. Et la 6 à 6 je trouve que malheureusement, ça a été qu'à moitié exploité, le fait de bouger sa manette comme une Wiimote et d'avancer et de, et, de, et de faire tout ceci. Mais c'est parce qu'à mon avis, à l'époque, la technologie était juste à ça à ça d'être d'être great tu vois on était on était à ça d'avoir une technologie euh, haptique qui fonctionne et ouais. ils ont tenté le coup sur certains jeux ça marche sur d'autres jeux c'est pas nécessaire et on s'en fout ouais. euh, sur des tiers ouais, vrai, ça t'inquiète parce qu'il qu y a eu la manette de PS3 que tu secoues parce qu'à un moment dans dans Heavy Rain ils te demandent de la secouer et entends à l'intérieur une espèce de petit clic 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 le boulon qui bouge tu sais le boulon <laughs> qui bouge dans ta manette et toi tu es là ouais ouais tout à fait ouais. <laughs> <peu. rire> Mais, euh... mais, 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 mais on oublie de dire un, un, un truc. Alors, excuse-moi, Florent, si ça se trouve, t'as oui. un script et t'as as, as toutes t'es parties. Non. Et nous, on est parti dans tous les sens. Mais il mais y a quand même un truc important, les gars. C'est que, quand même, cette console a été un flop à son lancement. Oui. Oui. Cette console a été un flop à son lancement. Et ce sera toujours une grande <laughs> tristesse pour moi qu'elle ait été un flop à son lancement. Parce que, regarde, j'ai même Platinum, les meilleurs jeux ou autres, parce que je l'ai acheté plus tard. Ah oui, Venise 11... <laughs> à, son ah ouais. à son lancement, il y avait Heavenly Sword. Sony avait tout misé là-dessus euh, euh, en, en essayant d'en faire le nouveau bah, God of War. entre guillemets ouais. si tu veux. Il y avait God of War 3, bien sûr, ça avait lancé à donf la console. Ça aussi, mais, mais, ouais, mais il y avait Heavenly Sword déjà. et ils avaient tout mis là-dessus. Et il y a tellement de, 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 de love dans ce jeu. c'est si Motor sens, Storm il... aussi. Oui, Motor Storm. Ah, et ouais, wet aussi, voilà. Ouais. Il y a tellement de love dans ce jeu et le fait qu'il est flop. j'aurais fait un playtrou sur la chaîne il y a quelques années. Euh, ça avait été aimé de fou parce que le jeu est tellement, c'est tellement kino et ça me, ça me, ça me, ça me rend fou que ouais. il y a parfois, voilà, ça lance et ça marche pas. Qu'est-ce que tu tiens à un petit truc pour illustrer ce que disait à l'instant euh, Brice. Euh, en 2007 est sorti ce bouquin en Japon, donc que j'ai acheté. Et le titre, c'est Pourquoi la PlayStation 3 s'est vautrée et le bandeau le bandeau, c'est marqué euh, pourquoi la PlayStation, la marque PlayStation que nous aimions tant, est morte. Voilà, le, ah ouais, d'accord. Le... Et le livre en noir en mode Death Note », en mode on annonce qu'un <laughs> proche est mort, tu vois. Ah oui, mais tout ressemble à un truc d'obsèque à l'intérieur ensemble. Ben, écoute... mais, mais, mais il faut quand même savoir qu'on euh, sort euh, quand, quand la PlayStation 3 euh, est, est, est lancée sur le marché. PlayStation euh, vient finalement, on, enfin, on le saura euh, quelques années plus tard parce que maintenant là, on a on a les chiffres, mais même à l'époque, on va dire qu'il se porte bien. La PlayStation 2 est la console PlayStation la plus vendue de tous les temps. oui Donc c'est à dire qu'ils sortent d'une machine qu'ils ont vendue à près de 100, 160 millions euh, d'unités et donc ils arrivent euh, un petit peu euh, conquérants sur euh, sur la PlayStation 3 avec et c'est ça en fait qui va faire qui va tout faire basculer. Bien sûr. Avec Sony qui met la pression. Parce qu'il faut ça faut se souvenir de la PS2 souvenez-vous de la PS2 à l'époque c'était le moment où les, les lecteurs le bluray le Blu le DVD arrivait et les lecteurs DVD arrivaient en masse et puis bah ça coûtait son prix et on était super content d'acheter une console de jeux vidéo qui faisait aussi le lecteur DVD oui, et tout à fait. donc du coup, il se retrouve avec le Blu-ray, qui est un format euh, propriétaire à, 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 à Sony. Et donc Sony, qui en gros dit, eh ben, on peut euh, on peut refaire le coup avec euh, avec le avec le Blu-ray. Et donc en fait, il force la main pour intégrer le Blu-ray dans la nouvelle PlayStation. Sauf que le lecteur Blu-ray coûte cher et qu'on se retrouve avec une machine à 600 euros à, à, à son lancement. Et, ouais, ouais. et ça, le, le lancement va très très mal se passer. Ken Kutaragi, qui est quand même le père de la PlayStation, qui a lancé, enfin qui est à l'origine du projet PlayStation, même à l'époque des discussions avec Nintendo, euh, qui a lancé la PlayStation 1, qui a lancé la PlayStation 2, et ben le gars, il est débarqué. On lui dit merci, oui. allez. Ciao, euh, merci, pour les, pour les, merci pour les travaux. Et, et, euh, et, et, et à au part aussi, c'était une forme de génie d'y mettre le Blu-ray parce que les DVD, bon, ce sont les DVD, mais les Blu-rays, ça a permis justement des jeux qui étaient sur PS3 et qui sur Xbox 3.6, je dis le coup hmm. en direct, hein, moi je parle mal, hein, on est un live Sony, <laughs> mais voilà, euh, 3.6, étaient en plusieurs CD. Enfin en plusieurs DVD, tu je veux dire. Bêtement, le fait de changer un DVD, quand, quand tu étais sur la X360, on était suffisamment technologiquement avancé pour que le fait de changer de DVD comme sur PS1 ou même PS2, c'était mal vu. Tu vois ce que je veux dire Tu étais en mode, what the fuck, mettez le deuxième CD pour continuer à jouer. Tu le fais, mais tu rigoles un petit peu sous cap parce que tu ouais. savais qu'en face, tu mets le Blu-ray et ils avaient encore de la place hein, parce qu'un Blu-ray, je sais combien, je sais pas combien, ouais, 7 gigas, ouais. mais, euh, mais voilà, tu as, 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 as marge à Ouais, c'est pété. pété. Mais le... Moi, je crois qu'ils qu ont aussi quand même pêché par orgueil. C'est-à-dire que c'est oui. le même syndrome que Nintendo. Nintendo sort la Wii, ils se disent « On est le roi du monde, on a tout cassé, tout le monde nous adore. » Allez hop, on peut se permettre de sortir une console 50 euros de plus cher que ce qu'on pourrait la vendre en réalité. Ouais, Et ils sûr. vendent un truc très cher en se disant « Tout le monde va suivre. Bah, » Pareil pour la ben, PlayStation 3, je pense. C'est est surtout qu'elle elle était beaucoup plus chère que la, la X360 à l'époque. Ben il y avait ouais. aussi ça, mais, mais il se disait c'est pas grave, comme tu dis, comme à l'époque de, de Nintendo, quand il disait Bon c'est pas grave, la Mega Drive elle est sortie, on s'en fout. On sortira mmh. euh, beaucoup plus tard on en vendra plus. Ouais. Mais euh, c'est vrai que là, c'était beaucoup trop cher. C'était 600 euros. Absolument. Même. 100, absolument, 600€. absolument. Avec, et... avec Il faut l'avouer aussi, une ergonomie de menu et autres et de menu Word était moins top par rapport à une 360 Un Microsoft qui était très agressif et qui a pris aussi tous les jeux de sport. Et ça, on va, on va le dire, on va l'avouer quand même, cinq minutes. Parce que PS2, la plus grande console jamais vendue de tous les 100. D'accord, je ne remets pas du tout en cause le fait que son titre est présent et qu'effectivement, euh, c'est Freezer avec 50% de son, 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 son énergie, elle domine le marché, si tu veux. Mais <laughs> les autres 50% qui lui permettaient de réellement dominer, c'était les jeux de sport, euh, les FIFA sur PS2 et tout ce qu'on suivit derrière, les jeux de sport, les jeux de bagnole, euh, ça, ça, les GTA, ah, là, enfin, ça ah, a mis oui. vraiment une mix. Et à partir du moment où Microsoft sur sa X360 a réussi à s'insinuer sur le marché, offrant en plus une ergonomie qui fonctionnait de ouf ou furieux, des titres exclusifs à l'époque, les suites des Halo, enfin, ils ont réussi à récupérer toute cette part du marché américain, ce qui a bah, faut utilisé, pas... euh, pour aller dans le, sens de, dans, le, dans le sens de ce que tu dis, Bob, c'est qu'il faut pas euh, oublier qu'à cette époque-là, et c'est la seule fois pour l'instant que c'est arrivé, euh, il s'est vendu autant de PlayStation 3 que de Xbox 360. Oui, oui. c'était le marché était à 50-50. Oui, oui. En apportant une nuance, c'est que la 360, c'est méga viandé au Japon. Alors oui. que la PS3, la a cartonné. Enfin, la... absolument. La Gini, absolument, absolument. Ouais, ouais. Mais, 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 même, quand bien même, c'est une égalité et que tu me dis que, ouais, la remontada, euh, euh, ouais. la descente, voilà, le, le, le chiffre. Je pense pas que les mecs chez Sony étaient contents de voir, tu sais, le petit graphique. Oui, <laughs> le... ouais, non, ça, c'est. Ouais, évidemment, évidemment. C'est juste incroyable. Mais, mais au final, elle s'est vendue deux fois moins que la, PS, la, la PS2. Quand même. Oui, Donc il y, y a quand même un truc qui, oui, oui, qui a été qui a, entre guillemets raté, euh, de la, aussi, on peut dire raté de la part de, de la part de PlayStation, parce que quand tu vends deux fois moins de consoles que que la, la précédente, c'est que tu t'es raté euh, quelque part. Après, ça nous a pas empêché d'avoir des, 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 des super jeux dessus, mais euh, bon, je pense que la concurrence de, de Xbox aussi était était assez assez féroce quoi, et qui n'ont pas sûr. forcément bien, la, 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 la PlayStation 3 reste une console absolument formidable, certes j'ai mis Bien. la liste, j'ai beaucoup plus de jeux que ça en vrai, hein, ça monte jusqu'au plafond sur PS3, mais là c'est ceux que j'ose exposer, <laughs> c'est ceux que j'ose exposer, et dans le tas il y a quand même Atelier Meruru, euh, The Apprentice of Arkland, et ça tu ne le trouves nulle part ailleurs, Ça, attention, hein. voilà, Atelier Meruru c'est imbloquable, vous foutez pas de la gueule des Hyper Neptunia ou des Ateliers, euh, c'est une mais série. Il y a, y a, y a sur... qui est en France, celui-là, non mais, mais attends, mais c'est comme 10 Gaïa. Tu vois, on en rigole, mais ils en sont à 10 Gaïa 14. Euh, c'est Petit Pied à la Vallée des Merveilles. tu vois. Les mecs, ils en enchaînent, ils en enchaînent. Il y a toujours quelqu'un pour en acheter. Mais il y a aussi des jeux qui sont absolument fantastiques. Il y a des remakes. Il y a aussi des jeux qui sont tellement niche que ça ne veut absolument rien dire. Qui a joué Il y a des fans. Hein. Il y a beaucoup question, de fans. Hein. Qui a joué ah. à Senseiya Muzu <laughs> 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 oui, il, il, il est bon. Il est incroyable. Il, merci d'en bah, merci, ouais. merci parler. Voilà. J'aime aussi les deux cannes de survivance, si tu veux. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais bon. Voilà, Alors justement, quels sont vos, avec sur PS3 vos jeux préférés, les gars On va commencer par toi, Brice. Dis-moi tout. Moi, euh, le truc, c'est que j'ai une saga de prédilection qui est, qui est Metal Gear. Donc euh, forcément, euh, MGS4, même si le, le meilleur des MGS est MGS3, mais. Euh, Bien sûr non non, non euh... le 4 est très très bien hein, Brice le 4 est très bien il faut avoir non, joué aux 3 oui, on, on a le... Le, le meilleur le meilleur Metal Gear c'est MGS3 à point barre je suis, je, suis, je suis en grande partie d'accord avec de, Brice il n'y a pas de discussion mais, mais voilà quand on est fan de, de MGS avoir on va dire le, le point final à cette histoire avec MGS4 c'est euh, euh, satisfaisant C'était voilà exactement MGS4 qui à l'époque je me souviens a causé beaucoup de moqueries parce que c'était un jeu qui nécessitait d'être installé sur la Playstation genre il t'offrait l'option sinon il y avait des temps de charge qui était trop excessif. Donc fallait installer un jeu. Et l'idée d'installer un jeu à l'époque, c'était novateur et tout. Ouais. Oh, 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 et ça, ça durait ouais, euh, je je euh, console. Je crois <laughs> que ça durait un quart d'heure euh, ou un peu plus d'un oui, quart d'heure. je sais. Ça, plus ça, plus ça durait 20 plus minutes, plus à plus minutes à plus plus peu hein. près. C'est ça et qui ouais. était super ouais, cool, ça. Bien. Ouais, tout à fait. C'est kino, c'est kino, c'est Non mais il est sorti sur Xbox ou pas Je suis pas sûr lequel tu dis Bob Azuras Brass mais c'était une, une ah oui non, de... il est sorti oui il est sorti sur Xbox aussi mais c'est un imblocable de la PS3 ça, voilà, un absolument, absolument je l'ai directement mis dans ma liste aussi hein. bien sûr il y a alors ça c'est un euh... crime que Sony euh, ne nous, euh, ne, nous... que je ne pardonnerai jamais voilà je dis les termes regarde j'enlève les lunettes là ça c'est les lunettes les lunettes de, de quelqu'un qui s'apprête à faire une exécution publique euh, c'est qu'ils ont fait tous les remakes de Kingdom Hearts 1,5 2,5 même 2,8 pour aller jusqu'à l'humiliation, tu vois, dans Kingdom Hearts 3. Et que dans aucun de ces remakes PlayStation 3, ou PlayStation 4, selon ce que tu vois ou PlayStation 5, je ne sais même pas s'ils si y sont, mais voilà. Dans aucun de ces remakes, il y a les voix françaises qu'il y avait dans Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. Voilà, sur PlayStation 2. On a un doublage français qui était aux petits oignons, qui était imbloquable. Et ils nous ont coqués de ouf sur les remakes. Et ça, je... Tu leur pardonneras jamais, Je peux pas, je peux pas considérer ça que c'est sérieux. Je ne peux pas parler sérieusement. Non, par contre, il y a deux, autres jeux quand même, les gars. Il y en a un, autre qui me vient à l'esprit. C'est évidemment Red Dead. Ah bah voilà, mais aussi, je l'ai là. Quand même, quand même, Red Dead. Si on parle de Red Dead Redemption, bien sûr. Red Dead, bien sûr. Qui était, si je m'abuse, en deux CD sur la Xbox 360 ou non Peut-être que je me trompe. Ah, non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Je sais qu'il y avait des jeux. Je sais en fait que sur 3.6, il y avait des jeux qui étaient en plusieurs CD et qu'il y avait des jeux qui étaient en un seul blu sur sur, sur sur PS3. Et ça, j'ai toujours été jaloux de cette espèce de confort. J'étais. J'ai été pendant le début de ma période YouTube entre guillemets, j'étais sur X36 parce que j'avais pas les moyens d'acheter une PS3. Mais quand j'avais fait mon déménagement en 2014, ça commençait réellement à, à prendre étoile. J'avais acheté justement une, une une PlayStation 3. et Je m'étais ouvert enfin à tous ces jeux. Je m'étais enfin bouffé les God of War. Je m'étais enfin bouffé mmh. euh, Castlevania, Harmony of, euh, of Despair, euh, qui est juste ouais. incroyable aussi. Euh, euh, voilà, c'est multijoueur. Mais voilà, GTA 5, il est sur plusieurs CD sur Xbox 360. <laughs> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, la PlayStation 3 a toujours eu les avantages des GTA aussi. Hein. Euh, Et, pour bon, ça. Ouais. Et puis il y a eu le, le meilleur GTA quand même, c'est GTA 4. Hein. Bien sûr. Bien sûr, je, je, je défini, lance je un pavé dans la mare, tu vois. On pourrait dire, oui, oui, oui. Ah, son Andreas, tout ça. En fait, euh, c'est très difficile peut... de dire quel est le meilleur GTA parce qu'ils t'offrent tous vraiment une expérience qui ouais. est assez différente. Et en fait, comme ils valent tous la peine d'être joués individuellement, même sans Andreas, hein, tu vois ce que je veux dire Il n'y eh, a pas de meilleur. en non. fait. Meilleur, c'est quand tu peux les comparer directement. Et tu vois, est Factor 3, Factor 4. Je trouve est que, est... que d'un point de vue narratif, je trouve que GTA 4, il est largement au-dessus. Et pourtant, moi j'ai été, été narrativement très très touché par GTA V et l'histoire de Michael. Mais que son histoire à lui, Franck ouais. hein, et Trevor, je m'en foutais. Tu vois, c'est pour ça, mais c'est vrai que l'histoire de Nico, elle est là. Elle est là, elle, ouais. là, elle est, est présente. Mais eh en fait, pour moi, c'est une question de, de, de goût et de couleur, mais honnêtement, ils nous ont donné du kiddo Rockstar. C'est sûr qu'ils mm. ont, ils ont pas ils n'ont pas les sur le budget. Il y avait des jeux complètement inexistants sur PS3 comme Wet, qui se souvient de Wet. Ah, ouais, oui. C'est C'est un jeu de prophète. Et quelque part dans une étagère, là, chez moi. C'est pour Ouais. Euh, <laughs> Attends. C'est je, je parle. Là, ouais, ouais, c'est l'anglais humide. Oui, oui. Ah, d'accord. De quoi euh, c'est le Ah, ouais, non, ouais, ou joueurs, joueurs, ouais, ou ouais, je vois. Non, je ne l'ai pas Attention, Alors, attention. Et tu me disais, donc, ça, c'était la série de jeux. Bien sûr, toi, tu étais Metal Gear, pourquoi pas. Moi, j'ai une préférence. Voilà, et c'est les Dynasty Warriors. <laughs> Attendez, oh, connais. Ouais, 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 Senseiya Dynasty Warriors, du miel. Les jeux qu'on suivit étaient non. moins bien. Parce attends, que attends, attends, bien Bob, bien. Bob, 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 Dynasty, je peux entendre, mais ton Senseiya, c'était bien là Ton Senseiya Attends. Mais oui, tu, oui il, il est bien. bien. Ah, oh. tu, tu non, non, arrête. Moi, arrête. Je arrête. Me, arrête. Me, arrête. me lève. Bien je sûr, je me fous de toi. Non, mais attends, il est fou lui. Attends. Non, 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 il Non, non, Senseiya, franchement, il ch... n'est pas si nul que ça. Il est bien mieux que les épisodes PS2. Ouais, ouais, c est, c est Je l'ai fait c il y a pas longtemps. Euh, enfin, il y a pas longtemps, il y a deux ans peut-être. La bataille du sanctuaire, hein, C'est. Ouais, mais non, mais c'est ça, <laughs> et ça, Brice, et ça, c'est de la soupe, hein C'est de la soupe. C'est le coffret collector, <laughs> mon gars. Collector de Senseiya Senki. Alors, ouais, alors, on a vu, on a vu le ticket euh, d'occasion Et quand de donc, et euh... quand tu l'ouvres, ça c'est pour faire plaisir à Benzaï. Quand tu l'ouvres, le jeu est dedans, voilà. Merci. <laughs> voilà ça Et livré avec ça, tu as un Seyar qui est euh, ouais, dans ouais, de ouais. de base, en or. C'est ce qu'a pu réussir sur le jeu. la suite d'un ouais. des meilleurs jeux <laughs> Musou que la Xbox ait connu. Je l'avais eu sur Xbox le premier, mais le deuxième. voilà PlayStation 3, Ken Le Survivant. Oh merde. Euh, le, 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 le Musou. Ne censure pas. Le Musou, le musou de Ken Le Survivant, il est incroyable. Euh, C'est débile à souhaiter. Un des meilleurs Musou. Dynasty Warriors Gundam 3. Ouais. Pas de discussion possible. Et enfin. Et ça... Oui, il après... y a le Unicorn Gundam dedans. et Bien sûr Il y a non, non, un Gundam qui s'appelle Unicorn tout court. Oui, mais il y a eu des suites. Mais là, je parle PS3. Euh... Mais bon, non, non ça, mais il est sur PS3. Dynasty Warriors, t'as dû te régaler. Euh... Et enfin, bien sûr. Et enfin, et enfin, et enfin. Alors là, c'est du miel. Ça, c'est mon petit péché mignon. Dynasty Warriors. Strike Force, <laughs> voilà. Ah, le dans lequel tu peux jouer ouais. tous les persos de Dynasty Warriors et ils ont tous une forme de Super Saiyan et c'est exceptionnel. Par contre, malheureusement, c'est le remake d'un jeu PSP. donc ah, euh, C'est sûr, de... sûr, <laughs> <'enfant> <laughs> sûr que quand tu lances, ça fait mal. C'est sûr que quand tu lances, celui-là, il fait mal. Hein, quoi Mais oui, je t'ai dit, dit que j'ai acheté la, 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 la PlayStation 3 euh, tardivement. Et donc, tardivement, hmm. j'ai eu l'occasion de me jeter sur ces jeux de merde qu'il n'y a que moi qui apprécie. Euh, j'ai acheté on... un Gamecash. J'ai acheté savoir... un Gamecash, perdant. à savoir que mais... j'ai eu de la chance. De la ch oui, parce que moi, je parcours encore les magasins de jeux vidéo. À chaque fois que j'en vois un, je oui. rentre et je fouille. Parce que tu tombes sur des merveilles. C'est bien euh, le, 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 le dématérialiser. Mais pour les vieilles consoles, je pourrais faire du vrai. C'est plus drôle pour les gamins. Oui. Et j'avoue que ce Sanséa, j'ai eu de la chance parce que j'étais littéralement allé au, au truc du Game Store. Et je leur ai demandé est-ce que vous n'avez pas, euh, je sais que vous avez accès à des codes de prévente, les trucs associations Micromania. Il y a toujours des conneries comme ça ou autre. vous avez fait ah. ben bah non, on a la boîte en acier, si vous la voulez, avec le jeu de oui, et on a euh, tous les codes pour débloquer les persos japonais exclusifs de précommande uniquement disponibles à Osaka des trucs de fou furieux et j'ai tout débloqué dessus ce qui m'a permis d'être un des seuls à platiner ce jeu sur internet puisque euh, je suis le seul à avoir littéralement tous les personnages et je suis le seul à être investi pour ça et là tu montes Dead Space mais qui s'en fout qui s'en fout <laughs> c'est très, ah, très bien, bien Dead Space écran. Ouais. Par contre, tu montes non, Star oui, Ocean oui. The Last Hope, t'as aucune honte. Voilà, Rayman merci. On en rediscute là. Bon ça. Ouais, c'est très très bien. Euh. Bien ouais, sûr. Ouais, Mass Effect, ouais. ils étaient sur PS3 Mais excuse. Euh, à ouais. partir du de 2 ah. euh, okay, Pour, pour le moi, euh, ça a ouais. toujours été une, une série PC. Mais c'est un, c'est un, c'est un ouais. choix. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, comme. Par contre, le 2 était buggé de ouf sur PS3, c'était hallucinant lui sinon. Dis Gaïa, tu vois On en parle, hein voilà, tu essaies de me faire passer pour un gros weeb avec mes ateliers, mes rurus, absolument imbloquables. Attends, Walking euh... Dead, c'était euh... PS3 Il y avait ça. J'ai l'impression d'avoir joué, euh... enfin, je ne vais pas dire bien, hier, mais. mais euh... bah, même là, tu vois, il des multi. C'était bien. pas uniquement des exclus, tu vois. Une exclue PS3, par contre. Ah, je ne suis pas sûr que c'est une exclue. Heavy Rain Ouais, Heavy Rain, Ah, Par contre, là, on se prend. C'est le, le meilleur de, c'est le meilleur de Dream, hein, Heavy Rain. De David Cage, enfin de, de David Cage. Moi, j'aimais beaucoup Fahrenheit, même si ça part en ah, hein. à la fin. Ah ouais. euh, mais la fin, c'est débile. Oui, oui, mais même, même, c'est pas grave, c'est kino de toute façon, ça fait plus de sens. Je, on trouve, avance, enfin. euh, je trouve que, je trouve que Eviren c'était vraiment le meilleur. Enfin, de, tout ce qu'ils aient pu faire, c'est, je veux dire, même des derrière euh... C'est vrai Heavy que Heavy Rain, beaucoup, on est d'accord ouais, que ouais. Eviren est sorti avant Metal Gear Solid 4, j'ai un doute. Euh... attends. après. après peut-être. Euh, mais en les cas pour moi, moi c est, c est, c est, en fait ce sont j'avoue que Comparé à l'Xbox ouais, 36. Après. Voilà, Comparé à l'Xbox 36, les jeux sur PS3 quand c'était des jeux qui sont bien faits, The Last of Us comme ça, c'est des jeux qui te mettent un waouh, tu prends ouais, la max ouais. dans la gueule, tu vois. C'est pas sur Xbox 36 tu peux lancer des jeux, il y a des jeux beaux, OK, mais j'ai pas le souvenir sur 36 d'avoir lancé un jeu et de me faire gifler euh, littéralement par les personnages, les machins. Alors, c'est marrant parce qu'on regarde les images, tu vois, et maintenant, ça nous paraît. Euh ça me paraît vieillot. C'est un jeu Switch. Tu vois ouais, enfin, mais, mais je pense que ça se joue encore, tu vois. Euh, ouais. Évidemment, de par son côté narratif, parce qu'après, je pense que tu, tu peux passer sur l'aspect graphique en étant. qu'il est, qui est daté. On, mais... on refait Metal Gear Solid ouais. 4 avec, avec, avec ma chérie et, et je te jure qu'il il met 1000 zéro. Enfin, tu, tu ouais. vois les graphismes et tout ouais. t'es es époustouflé. Es mais ça, ça a toujours été un staple de la PlayStation qui avait déjà fait ça avec Final Fantasy X, je crois. Tu sais, il y avait deux modèles pour les personnages les modèles cinématiques où ils étaient à, ha, 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 à rigoler <laughs> et les modèles où tu te balades avec qui sont tout moches. Mais ils utilisaient astucieusement, je trouve, le fait qu'à l'époque toutes les télés étaient en 480p ouais. euh, et du coup, comme tout était flou, bah, tu pouvais voilà. Ça, ça m'était ça mettait, euh, 1000. Les graphismes, c'est de loin le moins important, dit les Gnerifs. ah À l'époque, non. Et ouais, pourquoi ouais. Parce qu'on n'était pas dans un excès de graphisme. En fait, je pense qu'à partir de la PS3, effectivement, à partir des très beaux jeux de la PS3, les graphismes sont devenus de moins en moins importants parce qu'il était plus facile, de plus en plus facile d'en faire des très beaux de manière constante. Donc maintenant, qu'on nous met des gros graphismes ouais, dans je suis la assez, gueule, je suis, je suis assez avec toi. ça nous fait ouais. plus rien. Alors ouais, que quand tu passes de la PlayStation 2 à la PlayStation mmh. 3, pouf, euh, oh là là, ouais, la boum. balayette que tu te prends quand tu as 20 piges Enfin, tu. tu, tu, ouais. tu, tu, bah, tu C'est-à-dire que tu passes paliette. la PS2, euh, oublions pas, tu vois, PS3, on a quand même du Uncharted, tu vois. Tu arrives sur Uncharted, tu prends la claque, même, même sur les autres consoles moins puissantes, tu prends même la X360. Je me souviens, moi, de collègues qui étaient tous euh, choqués par Dead Rising, le premier. Simplement parce que le jeu était en 60 FPS. Le simple fait de faire du 60 FPS, c'était déjà un prétexte à l'époque pour se dire, What the fuck, qu'est-ce qui se passe à la télé pour qu'on télé fluide On ne comprend pas, tu vois. Donc euh, évidemment, le choc était, était total. Mais, bon, on mais... a été élevés avec des Amiga et des Super NES, mais quand tu te prends des... Ouais, goûts, exactement, as as exactement. Voilà. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, nous, comme tu dis, on, 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 on parle comme des, comme, comme des vieux, c'est-à-dire qu'on est passé de la 2D à la 3D, donc euh, déjà on a eu ce, tu vois, cette, cette évolution pour nous qui était énorme. C'est vrai qu'après, qu'est-ce qui restait bah, On reste en 3D, il faut juste avoir des graphismes qui sont meilleurs. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la extasier. mâchoire qui tombe. En, voilà, extasier, on, est, on est obligé ouais. de s'extasier quand il y a une bonne idée de direction voilà. artistique. Oui, exactement. Voilà. Et un moi choix, je... Comme... Allez, je, non, je, dire, je pense qu'à mon avis, on va s'extasier et je pense que ce sera forcément un lien avec l'IA. C'est-à-dire quand tu vas avoir des relations avec des PNJ. Avec bah, tout ce monde qui t'entoure et qui fait que c'est de plus en plus réel et euh, où t'as euh, voilà t'as 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 une vraie relation euh, avec les PNJ parce que ça va être géré avec de l'IA et que ça va être hyper réaliste et tu vas dire ah ouais je m'attendais pas à ce qu'ils me sortent un truc comme ça et là euh, je pense qu'on passera dans un tu vois dans une autre euh, mmh. dans une autre dimension parce mmh. que oui on va aller jusqu'où tu vois au niveau graphique est et ça, graphiquement énuit ouais, regarde ils sont en train de montrer Arkham City Arkham City, par rapport à ce que ça fait, ses graphismes sont. Ou Dread de Dead Redemption. Ouais. On est en 2010, c'était il y a 14 ouais. ans, les enfants. Marty, ouais. il y a 14 ans. Dans 4 ans, il y a le droit de vote. Tu vois, voilà. Et ça met déjà 1000 zéros. Et on a, pour l'imagination, pour l'action, pour ce qu'on voit, on n'en a pas besoin de plus. Même, comme j'ai dit, quand j'avais refait Metal Gear Solid 1, rien que les échanges codec ou les cinématiques PS1, même si ça ouais. pique un peu les yeux, ça suffit amplement. C'est une question, question d'œuvre narrative et machin. Un jeu comme Okami sortirait aujourd'hui sur Switch en disant un petit jeu fait par un studio indé Capcom Okami machin ça nous baiseraient tous la tête parce que ouais, une ouais, direction artistique il y a une patte qui fait que dans 130 ans on y joue encore pareil Street Fighter 4 j'ai aucune honte à y faire jouer mes gosses tu vois il... voilà ça aussi c'est intemporel parce bon c'est c'est du... mais il triche ça c'est de la 2D donc ouais. <laughs> la 2D t'en fais vraiment ce que tu veux je trouve ça en O.P c'est pour ça par contre Ratchet and Clank Collection c'était un bon vieux jeu PS2 bien dégueulasse ça on y était pas là frère euh... <laughs> il y a quand même une... il y a quand même une limite hein. t'es censé quand même suivre une une, une suite d'évolution ah ouais mais Shadow of the Colossus HD mais là tu sors des jeux PS2 frère euh tu triches tu triches tu triches, tu triches. <laughs> ça triche ça triche ah, oui, Just Cause ouais. Ouais, y a Just Cause aussi, aussi non mais et euh, tu vois la, la, la PS3 un peu comme la PS2 je trouve que ça a amené euh, toute une, une nouvelle génération de licences on va dire bah, tu vois les Dead Space les, les Just Cause évidemment on voyait mais il euh, y, y a des tonnes de jeux euh, qui sont arrivés à ce moment là et dont mmh. tu entend pour certains ont encore parler aujourd'hui, La ouais, naissance non, entre sais, guillemets, la naissance de l'open world n'a pu être possible qu'à partir de la génération ps 3, de 3. Oh, On peut ouais. me parler de GTA San Andreas sur PS2 Oui, mais ouais, ouais. Euh, graphique. Enfin, c'est pour moi c'est les balbutiements. C'est comme si je vous parlais de bugsby sur Super NES. Euh, oui, c'est de la 3D, frère, mais. Euh... <laughs> On n'y est pas, tu vois, on n'y est clairement pas. Et il y avait de la 3D sur amiga aussi, mais bon, clairement, on n'y était pas, tu vois. Mais à partir du moment où tu arrives dans un concept et qu'il est bien, qu'il est bien, qu'il est bien rodé et que ça balance des, des, des mines, bon bah là, tu t'éclates, et en plein la gueule quoi. C'est pour ça. Le PS3 aussi, c'était c'était l'occasion et ça par contre, c'était dinguerie pour l'époque, pour moi. La PS3, c'était l'occasion, c'était la saga avec les Xbox 360, c'était la, la guerre des consoles de l'époque. Tu pouvais brancher ta console à Internet. Oui. Et là, les parties ouais. multijoueurs, elles étaient offertes. Là, accès au store, ouais. c'est une dinguerie. Ça, ça, ça pour la sur la PS3, le, le jeu en ligne. C'était la nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté. Moi, j'ai passé, passé des heures sur War Rock. War Rock, mais je le l'aurais ah, y y des, dans tous les sens. des gens qui jouent à ça. Oh j'ai fait des parties multijoueurs sur euh, Ken le Survivant 2, euh, Dynasty Warrior. <laughs> Qu'est-ce qui se passe Mais... Et on va me dire, ouais, mais ça existait avant aussi à la Xbox 1 ou même la Dreamcast. Euh, oui, mais c'était anecdotique. Pas été, mais Metal Gear Online. Ouais. Bien sûr. Metal Gear Online euh, avec Bien le sûr. MGS4. Euh, pour... Absolument. C'était en fait le mode de MGS3, je crois, sur, sur PS2 à la base. Absolument. Mais euh, online, c'était. C'était euh... anecdotique parce que euh, les, les consoles précédentes étaient anecdotiques sur le sujet parce qu'en fait, tout le monde n'avait pas encore un ADSL ni de son. Beaucoup de gens, ouais. au niveau de la Xbox, avaient encore un. Voilà, ils avaient encore <laughs> ça en termes de connexion Je Internet et tu ne pouvais pas faire des parties. C'était aux USA, surtout que c'était vachement prisé parce que les USA avaient une avance technologique sur nous. Ils avaient tous pas la fibre, mais ils avaient tous une connexion câblée. Ouais. Euh, et donc, eux pouvaient se permettre de faire des parties de, 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 de Halo 1 tu vois, ou même de Halo 2. Mm -hmm. euh, mais mm -hmm. quand Halo 3 est sorti sur Xbox 36 ou quand les autres jeux PS3, les FIFA, les machins et tout, et que là, ils étaient disponibles en online, mais il y a eu une explosion de jeux vidéo et la ps 3 Et on rappelle, et PS3, on rappelle, euh, on rappelle Bob qu'on jouait euh, sur PlayStation ont joué en ligne gratos. Ouais, ouais c'est ça. C'était ce le, ou... c'était le gros. Ah, truc je me qu est... souviens quand ils l'ont annoncé le gros... sur PS4 que, <laughs> que c'était payant ça. J'espère que tu vas le mettre dans le bouquin ton truc parce que ça avait gueulé, ça avait gueulé mon gars. Ah ça avait cligné hein, Ah couché, ouais ça. Des... Euh... Ah, mais c'est comme ça qu'on a eu les jeux gratos euh, au bout d'un ben, Oui, et... en fait c'est euh... comme ça que le, le PlayStation Plus est né en disant bon euh, <laughs> on va vous faire passer le truc là, vous allez avoir des petits jeux gratos tous les mois et et puis vous paierez. Voilà après je, je ne sais pas <laughs> si vous en parlez dans votre bouquin mais le piratage et l'émulation des jeux Playstation c'est pas une nouveauté les enfants hein. oui, <laughs> alors celui-là celui-là c'est pas une nouveauté et j'ose même à dire que c'était un peu plus accessible encore que les, le, celui de Super NES et pourtant, il est assez gratuit, si je puis me permettre. Donc, c'est vraiment pour ça. Hein. Oh là là, Lord of Shadow aussi. Présent Lord sur un seul question. CD. Pas besoin de deux CD pour Lord of Shadow. Un seul CD. Enfin... Ah oui, Resident aussi. Ouais, 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 ouais. Bon. Tout à fait... Ah, attends, non. Resident Evil 5 sur PlayStation 3, je ne peux pas laisser en parler en bien parce que je crois me souvenir que le, 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 le split screen… Quand tu jouais à deux, c'était ah, dégueulasse. Avec le... ouais, était avec deux, les deux, ouais, les les deux euh, ouais tout à fait. Ouais, je, je... Et je sais pas si c'était le cas sur x 36 Je pense pas que c'était le cas ouais. sur x 36 Mais je sais que sur PlayStation, il mais... y avait ça. Et, euh, et là, pour le coup, je suis désolé, Play, mais c'était un... la version inférieure. C'était la version inférieure. Pour le reste, par contre, voilà, Yakuza. Euh qui était exclusif, qui mettait la max, Little Big Planet, ils avaient mis tellement de budget pour Little Big Planet, c'était tellement ouais. une grosse IP pour eux, ça, allait tellement nulle part, ça. Alors c'est marrant le commentaire, <laughs> le, le commentaire là, joli jolie de, de Beacon qui dit la PS3 est clairement pas la meilleure PlayStation en termes de ludothèque, c'est intéressant, suis... intéressant. Je suis... Ça euh... intéressant. Je suis un d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Euh, pour, bah, alors, euh... argumenter, argumenter. Quelle est, pour ah, bah, quel vous, la console avec la meilleure ludothèque alors la PS2, il de... de... y a aucune discussion, si tu veux. Ne serait-ce que par la simple masse qu'elle te met dans la gueule. Ce n'est pas une question de, de, de pouvoir oui. le C'est juste une question de disponibilité pour le reste. Quand je dis je suis un d'accord, c'est pas dire que je suis pas d'accord. C'est juste que euh, je comprends son argument, je comprends la logique, parce que c'est vrai que beaucoup de titres étaient euh, accessibles aussi sur X, Xbox ou même PC à l'époque. Hein, oui. il, il y avait du multiplateforme, beaucoup de multiplateformes. Mais le peu de jeux PS3 qui étaient exclusifs à la PS3, pour moi, sont suffisamment uniques. C'est comme une Dreamcast, c'est ouais, ouais, suffisamment ce que tu veux dire. unique ouais. pour valoir le fait que tu la possèdes et que tu l'es dans un coin parce qu'il y a deux trois trucs qui sont quand même en. C'est quand même du miel, tu vois. Ça valait la peine, ça la peine. Ouais. Alors tout le monde a l'air de dire que c'est la PS2. Maintenant, le souci c'est que la PS2 il a quand même plus énormément de jeux très jouables quand même. Hein. Ça, quand même, c'est quand même très rigide hein, les jeux PS2 aujourd'hui. Hein. Tu, tu racontes. J'ai refait un Devil May Cry. Non, mais Devil... t'as ouvert un GTA 3, t'as ouvert un Kingdom Hearts. Non mais il y a fils. certainement des jeux qui sont jouables. Mais tu prends un Devil May Cry. Moi par exemple, j'avais adoré. J'ai adoré Onimusha. Je les ai refait il n'y a pas longtemps. Ouais. Wow, c'est dur quoi. C'est lent, c'est mou, c'est euh, ouais. Je trouve euh, pas que ça ait signifié à la PS2. On parle, on, la PS2. Je pense que, que tu bon as juste joué à des jeux qui étaient pas bons, frère. Tu joues à oui, Battlefield bah sur PS2, c'est miel. Hein. De, de, de toute façon, de toute façon, j'ai envie de dire c'est pas <laughs> trop la, 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 la question de savoir si on peut, tu vois, si on peut en, en, rejouer aujourd'hui au, au jeu. Moi, oui. comme ça. C'est vrai que j'ai quand même une grosse sympathie pour la ludothèque PlayStation 1 parce que ce que je disais tout à l'heure. On est mmh. passé comme de la Super Nintendo avec la 2D ouais. et pour moi, ouais. on est passé dans un autre ouais. monde. Ouais. Et, ouais, et ça, vrai. moi, pour moi, bah voilà, ça, ça, ça va me marquer, ça marquera à vie. Donc j'aurais tendance à dire la, la PS1, mais parce que ça, voilà, pour moi ça changeait, ça changeait quelque chose. Après, par rapport à ce que tu dis, ah ben c'est pas forcément le cas parce que ces jeux sont jouable aujourd'hui. Oui, je suis assez... tu sais, moi j'ai joué à Mario Kart euh, il y a, a quelque temps, le tout premier sur Nintendo. J'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé mais ça mais horrible. J'ai trouvé, trouvé ça rigide sur Nintendo. Mais oh, laisse couler. ça se compte. Laisse de Oh non, ça se compte, rien as de ouf. T'as ah, craqué non. Ah non, non, non j'ai pas craqué du tout. T'as pas la tout, mémoire musculaire. <laughs> ah non mais laisse tomber ah oh là là ça tourne pas ça... ah non c'est c'est sorry mais après aussi. ça après ça change ça ça change rien euh, oui, oui euh, au, au, au fait que bah voilà c'était euh, c'était mythique à l'époque et, et que dans, nos, dans notre esprit, ça restera. En fait, je pense ah, que c'est ça quand on pose que la moi, question truc, par rapport à la lignée C'est un truc qui m'amuse beaucoup qui quand je vois des remakes des Tomb Raider, par exemple. Récemment, il y a eu le fameux remake Tomb Raider collection 1, 2, 3 euh, ouais. avec des refonds, oui. refonds de machin et tout. Et dedans, ils mettent les contrôles tank à l'ancienne et ils mettent les ouais. contrôles où tu sais, avec ton, ton stick, tu peux faire tourner Lara sur elle-même à la vitesse du son. Et, et mm. quand, quand tu manipules Lara comme un vrai perso 3D... Le, le jeu est. C'est une partie de plaisir! Il n'y a plus rien qui te touche, tu esquives tout, enfin, tu es intouchable! Alors euh... que quand tu es en mode tank, c'était un jouable, mais c'était ce que l'époque existait. Que parler des Tenchu aussi. Les Tenchu 1. Hein, ten ah, Tenchu, qu'est-ce que j'avais aimé ce jeu! Ils oh là forts, là tout. là là voilà, C'est pour ça! mais... Mais, mais maintenant tu rejoues, là c'est injouable avec les temps de contrôle, il ouais. faut s'y remettre, il faut s'y refaire. Ouais. Mais honnêtement, il y a des je, je trouve que ouais, c'est vraiment une question d'ergonomie de, 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 pensée par le jeu. et C'est vrai que les jeux qui commencent sur le, la console, généralement les débuts de console, début de PlayStation 1, mmh. début de PlayStation 2, mmh. e, euh, pardon, c'est les jeux qui ont l'ergonomie la plus dégueulasse. Mais quand tu commences à être un peu plus loin dans, le, dans la console, au moins un an, un an et demi, là tu as Metal Gear 3 qui sort, le jeu aux petits oignons jouable mmh. de ouf, frame perfect, je veux rien savoir. T'as les Kingdom Hearts, jouable de ouf, frame perfect, je veux rien savoir. Des jeux de PlayStation 1 qui sont ultra maniables. Je suis persuadé qu'il y en a, je ne les ai pas en tête, mais je sais que le premier Spiro n'était pas dégueulasse. Euh J'essaie de me souvenir hein, parce que là, je parle des Tenchu et moi j'ai vraiment que le temps de contrôle en tête et puis je jouais à des jeux de je à des jeux de ADRPG à l'époque euh, grand. Diable, euh, à le... je, je, je... Les gars, je vous lance, c'était un... un peu un peu euh, un peu particulier dans sa... dans son gameplay, mais il me semble qu'il était plutôt agréable à jouer. Euh... Je, je, vous un un sujet, pièce, hein. je vous lance un sujet. Je lance un parce que ça m'inspire votre discussion sur les jeux et si on parlait des éditeurs. Est-ce que ah. la PS3 ça n'a pas été le basculement? on va dire, entre une domination euh, 8, 16, euh, allez, 32 bits des Japonais vers oui. les studios européens et américains. Et qu'on a eu vrai. cette bascule à ce moment-là. Oui, et je calme. pense très sincèrement… Est-ce que, que vous partagez Jap... ce point de vue ou pas du tout euh... Oui, et je pense que parce que les Japonais ont pris peur, pour deux... enfin les Japonais de Sony ont pris peur pour deux raisons. Primo, ils commençaient à avoir Sony America qui commençait à prendre un peu d'ampleur, si tu veux. Et vous voyez bien que Microsoft était en train de tout bouffer aux US et c'est quand même une grosse partie du pognon qui touche. Donc, il commençait à danser un peu menu. Donc, forcément, il y a eu plus d'influence après du côté américain sur les Japs parce qu'ils, pas ils bah, il contrôlaient une partie du marché, mais il y avait un potentiel ouais. de marché qui était beaucoup plus important Après, de je, te parle de, de, au Japon. je te parle de tous les éditeurs, Bob. Hein. C'est pense ah à Capcom, bon, on... Konami, je parle de tout le monde, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, parce que la bascule, notamment, je pense à PES, c'était PES 2008, c'était oui, oui. PS3, si je me trompe pas. Et c'est le moment où, où PES a sombré. Euh, parce que. Oui. Euh, ouais. Ouais, ça, je peux vérifier quand même, étant que je vous lise pas une ouais, Tu as, as, euh, as raison sur ce que tu dis. Ceci dit, euh, tu vois, je réfléchis aussi à plein de trucs, notamment Capcom. Il y a énormément de jeux dont la direction a été gérée depuis les États-Unis. Je pense à ouais, Street Fighter 4, qui est ouais. en réalité un jeu américain. Euh, Resident Evil 5, je crois que c'est le cas aussi. Ouais. Mais qui, ouais, mais, mais qui encore, tu vois, ça, ça reste des, ça reste des titres où je veux dire ça va, tu vois, c'est pas, je me dis ouais. pas, ils, les gars, ils ont ouais. complètement basculé, c'est mort. Mais, mais non, mais non, tu marques un point mais... parce qu'en fait, en fait, on voit très clairement la différence entre les deux jeux que je tiens dans la main. Voilà, ouais. c'est très facile de déterminer de quel studio ça sort, si tu veux. Et pourtant, mm -hmm. rigole, ceux-là, ils sont très peu nombreux. ceux-là mon gars, il y a des magasins entiers au Japon qui sont dédiés aux visual novels. Ça ne finit jamais. Euh, je rigole. Cela, Atelier Miruru, je crois, je crois que c'était le troisième jeu de la série Atelier. Euh, on en est peut-être au onzième. Ces petits mmh. pieds, la vallée des merveilles. Euh, enfin, tu, tu te rends pas compte. C est, c est, les films continuent de sortir. Et c'est en plus, mmh. ces trucs font 60 heures. Il y a de la mécanique. Enfin, les mecs se font chier. C'est juste que. Ouais. Et concernant le gap, le gap américain-japonais, enfin du, on va dire occidental-japonais, euh, il est flagrant à cette époque. Et effectivement, Brice, tu soulèves un point super important. J'ai une anecdote assez, assez emblématique, mais c'est une période où les Japonais ont, ont été victimes du syndrome de Galapagos. Ce syndrome de Galapagos, c'est un terme qu'utilisent beaucoup les Japonais. Les Japonais, comme vous le savez, ils vivent sur une île, donc ce sont des gens vous prenez insulaires. connaissez sont des tortues Ouais, non, mais disons qu'ils qu sont très bien entre eux. Ils ne s'occupent oui. pas trop de ce qui se passe ailleurs, ils développent leur propre culture, ils s'en foutent de ce qui se passe ailleurs. Et euh, ils sont très fiers d'eux. Voilà. Ils, mmh. ils sont persuadés que l'extérieur, le, c'est moins bien. Bon. Mais ça, 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 ça ils, ils font ça depuis... Enfin, les Japonais font ça depuis qu'ils existent. À un moment, ils ont oui, fait une sortie, ils ont fait une de machine puis question. ils sont revenus, tu vois. Enfin, c'est tout. Ils, <laughs> ils ont des remises en question aussi régulières. Et en fait, la période PS3, euh, ils sortaient de la période PS2 qui était là hégémonique de la part okay. des Japonais. Vraiment, les Japonais ont, ont tout écrasé, ils ont plié le game. Et au passage de la PS3, si tu veux, moi j'ai une, une anecdote assez, euh, assez symptomatique. Je me suis retrouvé, je ne dirais pas le nom, mais à, à, à faire de la traduction pour un très gros développeur de jeux vidéo. Donc je, je suis là en tant qu'interprète. Et il y a un journaliste qui pose la question, euh, qu'est-ce que vous pensez d'Assassin's Creed Le jeu, il était déjà sorti, une dizaine de millions d'exemplaires. Et premier... le gars, sincèrement, il dit Quoi je ne connais pas. il ne connaissaient pas, assez, il n'avaient même pas entendu parler. Et ça montrait la déconnexion des développeurs japonais. Mmh. C'était vraiment la période où on commençait à se dire, mais ce n'est pas un peu de la merde techniquement ce que font les japonais en ce moment-là. Euh, cool. Où ils étaient totalement largués. Ils, ouais, ils ont du mal à suivre. Et, et c'est à mmh. partir de là que Capcom, etc., Konami ont commencé à se dire Ah ouais, on est en train de prendre du retard là on n'a pas fait gaffe, mais les Américains, les Occidentaux, là, sont en train de passer devant. Là. On a, on a une, succursale et... aux USA. Oui, monsieur, monsieur ça très bien. Euh, appelez Michael. Allô, Michael. <laughs> vous et, travaillez et je... depuis 10 ans ou pas <laughs> Il y a un truc aussi, je pense, c'est que le, le marketing est intervenu de plus en plus à ce moment-là. Oui. Euh, alors vous allez oui. comprendre où je vais en venir. Moi, pour moi, je pars du principe que à l'époque, euh, on va dire, tu vois des consoles 8, 16 bits, allez peut-être en dos, mais surtout 8-16 bits, on jouait à tout. C'est-à-dire ouais. que les Japonais, c'était eux qui dominaient, ils ouais. pouvaient faire euh, entre guillemets n'importe quoi de toute façon nous on n'avait pas le choix donc on jouait ouais. à tout, quand je disais on jouait à tout on pouvait jouer à un jeu d'action, on pouvait jouer à un jeu d'arcade oui, on pouvait mais, jouer mais, à, à n'importe que, quel style de jeu parce et que toute, toute l'information était bloquée derrière un paywall c'était déjà un investissement de s'informer en achetant un magazine pour savoir ce qui allait sortir ou même d'essayer un jeu au pif que tu ne pouvais pas tester dans le magasin il y avait même des magasins qui louaient ouais. des jeux donc tu étais non, obligé de je... tout goûter pour savoir ce, ce que, que tu aimais manger que, ce que je veux dire c'est qu'on était prêts nous en tant que joueurs et la, et la plupart des joueurs à cette époque là jouaient à tout aujourd'hui tu as tes on va dire, tu as des styles de prédilection, il, il y a des. Pour beaucoup de joueurs, ça ne reviendrait pas à, à l'idée de dire, tiens, je vais jouer, euh, je ne sais pas, à, à FIFA, enfin à IEFC, oui, par exemple. Alors qu'à l'époque tu peux, on, un même joueur il, il allait jouer à Mario Kart il allait jouer à ISS il allait jouer à, à Mario il allait jouer à Zelda enfin tu vois ce que je veux dire à tout ouais, tu bouges bou le, le jeu parce que tu l'as vu ton tout. pote te l'avait prêté voilà et, et en plus tu le rinçais le jeu et à la fin tu disais ah oh, quand même c'était bien de la merde mais tu l'as ouais. rinçé quand même hein. et, et aujourd'hui t'as plus ça aujourd'hui t'as des gens qui vont dire non moi c'est les FPS et je ne joue qu'à ça et je veux faire que du FPS donc forcément ah, mais... c est, c est, ça, ça a créé quelque chose sur le sur sur le marché qui était tellement différent parce que c'est à dire que les japonais qui sont qui ont Réussi pendant des années à imposer leur jeu, et ben en ouais. fait il y avait des gens qui arrivaient avec autre chose. Et ouais. l'époque où tu disais, ah bah vas-y, je vais jouer à tout, non, et à un moment où les gens ont dit, non, et, bah je vais et pas comme jouer tu à dis, tout. ça. A switché entre la fin de la PS2 et le début de la PS3 parce que pile poil, on tombe pile poil dans les dates. Du changement de paradigme entre euh, avant l'iPhone et après l'iPhone. Mmh. Quand je dis avant l'iPhone et après l'iPhone, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avant l'accès à Internet de manière simplifiée pour Mamie Michu et le pégu moyen, un ou deux ans, le temps qu'ils apprennent à servir de, de la technologie et qu'ils arrivent à trouver le site sonic.org, euh, sur lequel il y a tous les scans des derniers Sonic et qu'on parle des prochains jeux Sonic et que ouais. euh, le menu, c'est des Chaos Emerald, tu vois, le début de l'Internet. Et en fait, avec cette plébiscitation de, 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 de l'Internet et de l'accès à l'information, Paradoxalement, on a pensé bêtement que ça allait permettre l'ouverture des, des, des gens, que tout le monde maintenant, que tout le monde allait avoir accès à la bibliothèque, eh ben que tout le monde serait cultivé dans toutes les arts et matières et ouvrirait et lirait tous les livres disponibles à la bibliothèque. Et eh bien non, finalement, les geeks se retrouvent uniquement au rayon BD, les cuisiniers se retrouvent uniquement au rayon cuisine et les footneurs se retrouvent uniquement au rayon FC Barça. Et ils y créent leur groupe, leur communauté, en ah sorte ouais. encore moins. C'est marrant parce que cet effet de Galapado, Galapagos que décrivait Flo précédemment, je sais même pas si je l'ai dit correctement. Ce syndrome du Galapagos est quelque chose qui a infecté le monde entier et a créé cette espèce de micro-communauté. Sauf qu'au lieu d'avoir des communautés qui sont socioculturelles, comme le Japon, qui est fermé à tout, on a des communautés qui sont ludéo-culturelles, qui sont fermées à tout, sauf les Assassin's Creed, qui sont fermées à tout, sauf les NFL, qui sont fermées à tout, sauf les FIFA, qui sont fermées à tout, sauf les Red Dead. Avec quelques jeux seulement et quelques jeux seulement qui arrivent à percer cette couche et à plébisciter l'attention de tout le monde, comme ce fut pour GTA V. GTA V. Euh, voilà. c'est rare mais quand il y en a qui percent euh, ça fait du bruit ça fait du bruit euh, de, ouais, voilà. ça perce très 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 fort donc du coup toutes les techniques marketing ont vachement évolué parce qu'avant les techniques marketing ça n'était que de toute façon d'intéresser les gens qui avaient déjà payé pour avoir de l'information donc les jeux vidéo magazine les affiches de Lara Croft à moitié à poil devant une Twingo euh, euh, <laughs> les, les, les une trucs comme ça voilà. <laughs> maintenant maintenant tu es obligé d'aller agresser la communauté qui est Occupé par ton jeu et qui, qui, a, qui a cœur, le, le, ton, ton cœur de cible, entre guillemets, pour qu'elle achète ton jeu. Et si tu as de la chance, essayer de percer à gauche et à droite. Mais ça, il y a encore quelques entreprises de com, je trouve, qui ne l'ont pas compris et qui font des, des budgets de pub gigantesques pour des jeux qui finalement sont très niches, en essayant de faire croire que ça prend de l'ampleur. Au final, ça floppe de ouf parce que ça n'a jamais intéressé que les nicheux. Et en plus, les nicheux sont vexés. Euh, qu'on ait porté de l'attention à autre chose que les nicheux on tourne en rond donc malheureusement l'accès c'est bizarre, hein, l'accès à l'information nous a habitué à ne plus faire face à l'inconnu c'est ça, parce qu'en fait on sait d'avance à quoi on veut jouer, ce qu'on aime et ce qu'on veut jouer ouais. et qu'on a toutes les infos sur un jeu bah, on ne met plus le CD euh, comme un enfant de 7 ans innocent à qui son oncle lui a filé euh, 14 jeux euh, achetés au marché tu sais l'oncle il pige rien, il fait j'ai vu ça c'était à 30 francs, je les ai achetés, je te les ai offerts le gamin, il prend ça. Le, le truc, il, il y a peut-être Larry 7 dedans, tu vois. Il y a peut-être les ursuites Larry, euh, Mania comme Loadé, euh, <laughs> dedans. Le gamin, il a 6 ans. Mais on s'en bat les couilles. On lui balance tout ce que tu veux dedans. Euh, il y a God of War 3. Ouais. Le gamin devant Aphrodite, il est comme ça. Il fait le QTE il ne réfléchit pas. Ouais, ouais, mais je voilà, trouve c'est un, euh, un truc euh, qui a changé hein. je trouve qu'on voilà avant on... de... de... on, on, j'en argumente, dit... argumente en plus parce que depuis que le marché s'est ouvert et notamment le marché des whips s'est ouvert parce qu'il y a les japonais mais maintenant il y a les gens qui se prennent pour des japonais et dieu sait que les américains sont en haut de la liste voilà, Florent qui a levé un, un sourcil en mode ouais ouais ouais, ouais, ouais les bâtards ouais, moi j'y <laughs> étais avant s'il vous plaît <laughs> c'est pour ça c'est que dans mon chat on m'a révélé que le nombre de jeux ateliers qui sont sortis depuis 1997 c'est 24 jeux Mainstream et 15 spin-off. Voilà, ça fait ça euh, ça fait ça fait 39 jeux ateliers euh, depuis oui. le début de la création de la série. Euh, pour l'amour du Christ, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, et ça n'aurait jamais oui. pu avoir autant d'impact si on était resté qu'au Japon, quoique si ça aurait pu, mais ils n'auraient pas osé s'expandre autant. autant, tu vois? Ils n'auraient pas osé autant, euh, euh, c'est pour ça. Et bien sûr, ça rallie évidemment toute une génération de joueurs qui ne jouaient pas aux jeux vidéo avant, au contraire, qui se moquaient des geeks qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. Puis un jour, on leur a montré un NFL, un NFL voilà. ou, un, ou, un, ou un jeu de, de basketball, ou un jeu de baseball, même si ça a moins marché, ou un jeu de foot. Et à partir de là, ouais. c'était terminé. La culture euh, des jokes euh, se mettait à jouer aux jeux de foot. Et à partir de là, c'est à partir de là que la culture geek ouais. a commencé à être acceptée. Surtout que tout le monde avait accès à Internet. Ils étaient obligés de s'intégrer euh, dans, le, dans le système geek. Et donc, tu étais obligé de streamliner les publicités, la manière de publicité que tu avais. C'est pour ça que quand tu montes les vieilles pubs pour PlayStation, il y a des trucs osés avec un mec qui était en, en soutien-gorge Moi, je me souviens de la pub avec une meuf qui a moitié à poil attachée sur le lit. Les mecs, il, il s'en bat les couilles, il a une game boy. tu vois, un truc comme... Genre la pub, elle dit ça, tu vois. Ça. Mais tu as été obligé de réaxer ça parce que tu ne pouvais plus nicher les gens euh, qui, autrefois, allaient acheter des jeux euh, comme s'ils entraient dans un magasin euh... C'est ben, comme s'ils entraient dans un magasin porno dans les années 80 avec un impair et un chapeau pour oui. se cacher, tu vois. Sauf là, on avait 10 ans, euh, nous on y allait parce que nous on voulait savoir les secrets dans Castlevania, euh, Symphony oui. of the Night sur PlayStation 1 euh, pour trouver la Valley la, 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 Way. La, 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 Mais c'est l'époque qui veut ça et la PlayStation 3 est tombée en plein centre de oui. ça. Ouais. Et après, il ouais. y a eu la Wii. <laughs> qui est arrivé, qui a changé tout le paradigme. La Wii, quand la Wii est arrivée, les mecs chez Sony et les gars chez Microsoft, ils ont fait des loopings, ils ont paniqué, mon gars. Ouais. J'ai jamais vu une panique, une, une si grosse panique structurelle des deux Goliaths sur le terrain par un tel David. Tu vois, enfin, ça ouais, en fait même, ça même temps, on en, on en rigole, mais derrière, ils nous sortent chez Sony les, les PlayStation Move. Hein, ouais. Qui sont une débat, copie. Euh, Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça Oui ah... D'où l'humour de la chose. C'est pour ça. Pour moi, la PlayStation Move, c'est la plus grosse panique chez, chez Sony. Oui, c'est ça. C'était vraiment un moment de panique, quoi. <laughs> ouais, ils étaient un peu en. Enfin, ils étaient pas un peu. Ils étaient complètement. Et encore, sliver, et encore le, Play... le PlayStation Move, ça marche et il y a des bons jeux dessus. Tu veux qu'on parle Bien de sûr, la Kinect mais... <rire> <rire> Ah, Brice qui pouvait pas jouer à la Kinect, si tu veux. Là il est bien éclairé, ça passe. Mais sinon c'est interdit. Tu vois. <laughs> la Xbox est là non, non je, vous, je vous laisse pas lancer le jeu, monsieur. <laughs> Alexa lance xbox non, monsieur. Il faut apparaître à l'écran. Mais c'est terrible. C'est terrible. On aurait, on aurait oublié pas. Oubliez pas, oubliez pas. quand même euh, à cette époque une con... dans cette parce qu'on parle de la PS3, mais on a quand même eu une console portable qui était la quand PSD. même. Euh, qui PSP, était, quand même, oui. euh, était quand même pas mal la PSP. La PSP, bon. ça faisait rêver. Hein, parce qu'à l'époque, en, 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 en simultané, il y avait au collège, moi j'étais au collège à l'époque, hein, au, au collège et au lycée, il y avait des gens qui avaient la PSP et les gens qui avaient la Game Boy Color, tu vois, ou la Game Boy Advance. Mais t'avais la DS, et, non La ouais, DS, est arrivée à ce moment-là. Et même la DS, frère, la DS, c'est quoi C'est un espèce de flip phone dégueulasse qui excitait personne. Le mec, il arrive avec PSP, il a la chine Budokai <laughs> Euh, il a Shin Budokai 2 dessus, il a Star Wars. Euh, euh, il regarde Battle un film, Front. il regarde il a un film Star Wars sur UMD. Il, <laughs> ah, voilà, il a piraté sa console dans tous les sens, il a tout ce qu'il veut. Elle sert de caméra, il peut appeler. Enfin, <rire> <rire> oh là là, la, la PSP, PSP. Une, une machine de luxe, c'était un, euh, ah ouais. un truc assez dur ouais, par rapport au reste. La ouais. PSP. Hein, la... Mais, euh, euh, fois, et pourtant, s'est fait démonter par la DS. Pardon, la toute première fois qu'on voit tourner un Ridge Racer sur la PSP, mais l'écran de Maboul que c'était. Ouais, 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 Aujourd'hui, ouais. c'est sûr, ça, ça, ça pique un peu les yeux, mais à l'époque, la qualité de l'écran, la largeur de l'écran, la taille oui, de l'écran. Battlefront de PSP avec deux sticks analogiques, what the même fuck, le, ça Même l'objet, hein, l'objet, c'était un, un bel objet. Hein. Ah, et, 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 c était, c était, tu c était c était vois, un ça, un objet. Rejoint, ça rejoint ce que tu disais, Brice, tout à l'heure, avec la PS3 qui était très... Le côté laqué, transparent, hyper high-tech, machin. La PSP, ils ont fait la même chose, mais tu l'as dans ta poche. c'était un coup de maître. Euh, ouais. Rien que sur les photos, c'était un coup de maître. Et, euh, et Nintendo, avec sa DS derrière, qui était à l'époque, c'était ce qu'on appelle la mais... DS Tank, qui ressemblait à un gaufrier. Enfin, C'est ça, mais je... la, la, tout le monde est là. La DS, c'était trop bien et tout. Mais tu te rends compte, frère, qu'avec une PSP dans la poche, tu pouvais séduire n'importe quel homme sur le campus. Dommage <laughs> qu'on était hétéro, les mecs, parce que sinon, ça aurait roulé. Ça aurait roulé, ça aurait roulé. En Après, fait, la PSP quand même super. Sony, Sony l'avait vendu, la vendu comme <laughs> le Walkman du 20 20e siècle. C'est ouais. ça qui est drôle, c'est qu'il vendaient ça comme le Walkman du 21 21e siècle. Euh, Souvenez-vous des, des UMD Il y a yeah. eu des ouais. tonnes de films UMD. Euh, ouais, bah, qui, a, qui a déjà oui, regardé oui, 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 oui. un film sur PSP Pas moi. Hein. Qui, a déjà vu, qui a déjà vu un concert de jeux vidéo sur PSP avec tu sais l'image vraiment les mecs qui font mmh. le violon les groupes moi j'en je, je, ai un, <laughs> mmh. un. c'est débile ils ont vraiment fait absolument il y avait les films aussi il ouais, les les films, films, ouais, surtout en Bien plus le, le format en plus le format je trouve que le format est absolument inviolable heureusement qu'on pouvait je suis désolé hein, heureusement qu'on pouvait les, les flasher et les, les, les pirater et télécharger les choses sur internet et qu'on était on était dans une époque où il y avait assez de connexions pour que pendant la nuit en obtiennes la moitié le sur le lendemain as le jeu tu vois c'est une dinguerie mmh. parce que euh, les formats UFC, c'est comme les formats GameCube, tu vois, c'est des CD, tu peux pas les graver, ça ne veut rien dire. C'est des microfilms de James Bond, enfin. <laughs> Ça ne veut rien dire. Ça ne rien dire, ça veut rien dire. Non, il y a eu de super jeux en plus sur PSP, là. Il y a des gens qui c'est qui, qui ah, ouais, loco loco. loco, loco, ouais, loco, loco, loco on on parle de Patapon sur PSP, mais bien sûr qu'on en parle. Et montre, est-ce que vous avez la PSP dans vos livres prévus pour le 30e adversaire PlayStation, ou est-ce que vous êtes des fraudes internationales de proposer aux gens de donner de l'argent pour un travail incomplet Montrez-moi l'image. <laughs> les, PSP... les, PSP... ah, les PSP. Il y a eu la PSP2, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Est et il de... y a eu la PSP Go, si vous vous souvenez, échec euh, cuisant. Échec total. Échec, euh, ah, putain, alors tu me l'apprends, j'ignore euh... totalement de quoi il s'agit. Ah si, alors la PSP Go, c'était <laughs> une machine justement qui était full des maths, c'est-à-dire qu'on avait euh, abandonné complètement euh, l'UMD. Ah oui et oh, donc, la vache et, et donc qu'est-ce qui se passe? Euh, ce PlayStation doit lancer euh, la PSP Go et donc pour euh, vendre une console et eh ben, il faut des magasins. Sauf que le problème, c'est que quand tu es full des maths et que tu commences à mettre dans un magasin une console qui est full des maths, eh ben, ce qui s'est passé, c'est ce que je prends l'exemple notamment le, 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 le plus probant c'est Micromania qui a dit, moi, ta console, je ne la prends pas. Ouais. Donc la PSP Go, s'est retrouvée en vente. Euh, PlayStation à l'époque a fait un partenariat avec, les boutiques, okay, ouais. euh, avec les boutiques SFR. C'est te dire comment l'histoire s'est terminée. <laughs> toi. <laughs> Dans les boutiques SFR qu'on pouvait s'acheter une PSP Go, mais quand cette console. Est euh... Quand ta console se vend moins que la Nokia N-Gage <laughs> tu sais qu'il s'est passé un truc. Tu, tu sais s'est passé un truc, c'est pour ça. Et les gens, quand ils disent, n'oubliez pas la Vita. Oui, moi, quand je parlais de la PSP 2, euh, je parlais bien évidemment de la PSP Vita. Enfin voilà. Ouais. Ah oui, oui, la Vita. La, la Vita. Personne, la Vita de mémoire, moi, de mémoire de dans le lycée, lit. personne ne parlait de PSP Vita. Tout le monde parlait ouais. de PSP 2. Il y a que les journalistes qui parlaient de Vita. Il ouais. faut que je vous montre, parce que là, je, suis, je, je, vous pro, je vous montre un truc un peu en exclu, les mecs. C'est n'est pas du tout en rapport avec la campagne, parce qu'on on, on parle quand même un peu de la campagne, bien sûr. Oui, hein, la lame de H, H, Nintendo 2DS, moi j'adore, tu y rajoutes un manche, ouais. ça fait une H. Là, là en fait, je suis en train de travailler sur l'encyclopédie le, des consoles de jeux vidéo. Donc, pour les 1100 personnes qui nous regardent, voilà ce qui va sortir prochainement. Et donc, là, j'ai terminé hier les pages sur la, la PSP et toute la gamme PSP. Et il euh, y, y a eu aussi pas mal de, de jeux un peu sexy, hein, au Japon notamment. Ça a permis de vendre pas mal de PSP, croyez-moi. Et oui, ouais, on voit les, les, PSP, PSP. les PSP avaient des visuels à nouvelles énormément, je crois je me souvenir ouais. de ça. Hein. D'ailleurs, dans tous les mangas de l'époque, genre 5 ans plus tard, dès que tu regardais un anime où tu avais un mec, c'était un peu un geek, il avait une peu-ce-peu, peu et euh, dessus, il avait et automatiquement un machin qui lui disait oni -chan en texte, tu vois. Euh... Et tu vois, <laughs> tu, vois, tu, vois, tu vois, Bob, à droite, là la PSP Go, en plus, la elle La PSP classe, Go, pour ça, oui hein. Tu vois, c'est terminal. Moi, je ne suis pas hypé par les systèmes coulissants comme ça ou ouais. flip. C'est forcément plus fragile de ouf. Bah, sur euh, la, ouais, du, sur la durée, c'est un peu relou. Ouais, sur la euh... en fait, si tu la, dois jouer longtemps, PSP ça compte... Go, La PSP Go, ils l'ont lancé à 250 balles et trois mois plus tard, ils la font à 150 avec 10 jeux offerts. Oh ouais. ouais. <laughs> la vache Oh ouais. ah, la vache elle s'est fait fusiller par la, 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 ouais, c la grande c dis assassinat. distribution. Hein. C'est ouais, ouais, un dit, assassinat euh... grave. Et puis même les gamers l'ont boycotté aussi, hein. il ne faut pas l'oublier, mais ils l'ont boycotté. Sinon, petite chose qui est assez rigolote, là je le montre vite fait, mais il y a une pub aussi qui a fait scandale, je ne sais pas si vous en souvenez. À l'arrivée de la PSP euh, Blanche, ils ont fait une pub, je ne sais pas si vous voyez bien. Où tu as une, une dame là qui agresse une dame d'une autre couleur là en disant euh, Attention, la PSP blanche ah. arrive. Et, et dans une autre pub, c'est la noire qui, qui prend sa revanche. Enfin, C'était complètement barré. On était avant, on était avant Occupal, Occupy Wall Street, donc il euh, n'y avait pas de problème euh, subséquent. Enfin, euh, il y en si, avait, si, mais ça pas. Ça a quand même fait un gros, gros Bien scandale. Bien sûr, ça a, fait, ça a fait un gros scandale parce que les gens étaient de bon cœur en mode Mais arrêtez, euh, ça ne se fait pas. Tu vois. De nos jours, ça ferait ouais. un gros scandale de manière clivante. Mais là, là tout le monde ah était bon. d'accord pour dire que c'était de mauvais goût tu vois c'est la différence ah oui, en fait vrai. avec l'époque euh, c'est pour bon, ça mais bon il ouais. y avait la Xperia oh, là, 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 là. Ouais, Xperia ouais. c'est vrai c'est vrai il y a eu de très bons jeux quand même sur PSP un hein. MotorStorm était fantastique en termes Chain, visuels Chain of Olympus hein, qui était qui était une exclue ah oui. il y avait très ouais. peu enfin j'ai très peu de souvenirs des exclus mais moi je me souviens surtout des Shinbu Bu, Bu, Butoden c'est-à-dire les, 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 les espèces de Budokai 3,1 euh, 3, et 3,2 euh, qui étaient sortis sur la console, qui faisaient ah. envie de fou. Il y avait les déplacements à l'aura, il y C'était dinguerie, c'était tellement fluide. Par contre, euh, c'était fluide, mais je me souviens que sur la, PlayStation, euh, la, la PSP, et même la Vita, euh, l'anti-aliasing n'était pas là. Ah, le, le, le pixel, ah, euh, le pixel pas faisait pas mal. Ah, c'était l'escalier. Hein. <laughs> et pour ça. Ouais. Ah, c'est des, des, belles, des belles machines quand même, les portables. Mmh. J'ai très bons souvenirs avec les GTA euh, GTA en version portable. Euh. Ouais. Chinatown Wars. Mais ça, c'était des choses. Ouais. Non, c'était les DS, ouais. euh, Liberty City Story euh, mmh, et, et l'autre, je ne sais plus comment ils s'appelle Ouais. C'est ouais. ça, c'est ça. Alors, messieurs, peut-être encore euh, un dernier jeu que vous souhaiteriez euh, mettre en avant avant que l'on se quitte. Est-ce qu'il y a des ah, jeux qui, on qui vous ont marqué que ce soit ah, sur ah, PSP ah, ouais, Moi, moi ce n'est pas un jeu, mais on a quand même, a quand même oublié de parler d'un truc qui, est, qui était quand même rigolo sur ce lancement de, de PlayStation 3, et notamment en France, euh, si vous vous souvenez. C'est euh, la péniche Xbox. La péniche. Oh, on n'a pas, pas parlé de, oui. <laughs> <laughs> <On a plus rire> <parler> de la <rire> péniche Xbox. Putain, oui On n'a plus à La ah, péniche, j'y étais, j'y étais, les amis. Oh la vache, c'est vrai, t'étais journaliste J'ai vu de mes yeux vus. Alors, je vous raconte. Ah. Le mec, il était là à Lidenburg. Raconte ah comment il, il a pris feu. <laughs> Raconte euh, qui genre. est mort. En, 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 pour, 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 pour redonner un petit peu de contexte, euh, ouais. moi j'étais au lancement également de la PS2 au Virgin Gaster sur les champs. C'est l'émeute. C'est-à-dire il y a un gros dôme argenté ouais. qui se lève il y a des consoles en dessous. Et les gens se jettent dessus. Oui, C'est les meutes. C'était y a, y a, même y a, y a, passé aux infos à l'époque. C'est passé ça aux servait, infos. Et ça, ah ça servait ouais. à démoniser les jeux vidéo, je me souviens. Philippe voilà, de avait parlé à l'époque. Il avait parlé mal. Un par exemple, truc voilà, euh, incroyable. Euh, voilà, bref. Donc, on, ça, c'était l'ensemble de la PS2. L'ensemble de la PS3, on dit, on, on sait Alors se tenir après, maintenant. Cool. On va mettre des barrières. Euh, voilà, on va bien encadrer le truc. On va armer donc. les hôtesses. <coughs> voilà. Donc, moi… Ce soir-là, hein, euh, journaliste, hein, donc, euh, je, je, passe, je me dis, tiens, je vais passer devant la Fnac des Champs. Je passe devant la Fnac des Champs, je vois toutes les barrières et je, sans mentir, hein, je crois qu'il y a deux mecs qui faisaient la queue. Oh, il y avait, il y beaucoup de barrières. Bref, et, donc et là, je me dis, ah, ça c'est la. la queue, deux mecs qui s'étaient trompés. Euh, soirées, et <laughs> donc, donc ça c'est la Fnac. Où tu dis, le lancement c'est demain, les mecs sont là pour planter. Ouais, c'est un peu place, ça. <laughs> ça c'est la, la Fnac des Champs. Et donc il faut savoir que le lancement en grande pompe était au pied de la Tour Eiffel. Sur, euh, sur une péniche. Donc, euh, PlayStation a vraiment fait les, les choses en grand. Il y a la péniche, belle image, la tour Eiffel derrière. Euh, à l'intérieur, il y a même Game One qui fait un live et tout ça. Il, il me semble même, et, si je ne me trompe pas, qu'il y avait un bâtiment en forme de PS3. Hein. Je ne dis pas une connerie. Ils il avaient monté une espèce de grosse devanture, en fait. C'est tu sais, comme un ça, truc de carnaval. Je ne me souviens plus, mais on avait également devant cette péniche on retrouve les fameuses barrières, vous savez, hein, que vous connaissez tous, hein, un petit peu comme à la Japan Expo, vous devez faire la, ou à Disney, vous devez faire la queue. Bref, et là, pareil, il y a pas grand monde. Et puis, bah, voilà, le truc qui commence à, il faut lancer hein, entre guillemets la, la, la soirée. Et à ce moment-là, il y a une péniche avec un gros logo Xbox <laughs> oui. qui passe devant. Et donc, je reviens à notre chère chaîne Game One qui fait le live. À ce moment-là, et, et évidemment les caméras qui se tournent et tout, et là tu vois ah la péniche Xbox qui, qui passe devant, et là tout le monde, et, et, et là Xbox, voilà ils avaient, ils avaient réussi leur soirée dans, dans le chat de cette conversation, quelqu'un a trouvé l'image de cet événement. Je t'invite ouais. à la mettre en full screen. Et Attends, sur cette tu... image, je tiens à confirmer auprès de Brice. Que je n'avais pas halluciné, il y avait bien un bâtiment en ah ouais. forme de le PS3. Ouais. <laughs> Ce qui rend la chose que encore tu veux plus évidente. La ou... Je l'ai mis sur le chat privé, regarde. Ah oui, je, je, ok, regarde, bah je, alors attends, je, je la vais la, la copier, regarde, ouais, là, 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 je te spam. la Je t'ai spamé voilà. 30 fois, là. Attends, elle est où attends, je, 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 je me je... suis fait bannir du, du chat privé, c'est pas Ah vrai. oui, il oui, 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 y a l'image. En <laughs> en <fait. rire> non, c'est énorme. Est voilà. Et, et, et est-ce que tu vois est-ce que tu peux l'afficher Jean-Charles est-ce que tu as les moyens de l'afficher ouais, euh, sur on va ce faire stream ça, on va faire pas. voilà ça mais tu vois et Brice regarde tout à gauche c'est bien ce que je pensais hein. c'est sure bien alors, ce que je pensais ah oui, oui, oui tout à fait ouais. tu vois, ouais, vois il y avait ouais. ça ils avaient mis ça en place et c'était ouais. nul parce qu'il y avait il n'y avait, y avait, y avait, y avait pas tant de gens que ça en fait c était, c était, ah non non je te confirme j'y étais il n'y avait pas tant de gens que ça et tout le monde vrai. a parlé de la péniche Xbox qui passe pour, pour narguer, pour narguer oh, PlayStation, putain. quoi. Ah ouais. C'est euh, euh, extraordinaire. Un truc de je, je, ouais, pense ouais. Sincèrement, je pense sincèrement que honnêtement, les marques de l'époque, qui étaient agressifs, tu sais, à l'époque, il y avait des pubs qui étaient. C'était peut-être moins aussi parce que je crois qu'il y avait une législation sur les pubs qui était passée qui t'empêchait de tacler directement les autres marques. Qui date de genre je crois, c'est 97, 98. Il y avait une loi comme ça, parce qu'avant, dans les pubs d'avant, années 80, années 90, les mecs citaient les autres marques et leur ouais. mettaient des balayettes <laughs> direct. Il euh, y a des pubs Sega qui faisaient ça déjà. Tu vois en mode, ouais. en mode, en mode, mode c'était même pas caché. Ouais, Donc, bien une, sûr. ouais, une loi est passée pour, ouais, c'est ça. Et regarde à gauche, fais un zoom sur le, sur le, sur ce magnifique, sur ce magnifique bâtiment PlayStation au pied de la tour Eiffel. Voilà, PS3. Ça <Ouais>. Regarde ah, donc, ça, tu le vois. Tu vois qu'il y a 30 personnes à tout péter devant et ah, c'est bah, tous des journalistes. C'était compliqué. Hein. C'était ah, compliqué alors, pour, ouais. pour PlayStation le lendemain parce que non seulement il n'y avait pas l'émeute bah, qu'il y a eu sur le lancement de la PS2. Et puis la console, elle est chère. Et puis tu as Xbox qui est passé. et Enfin bref, ouais. tu ne tu, tu retenais et pas grand génie, chose. Ouais. C'est que... ah, ouais. ça. Et honnêtement, le, le, le coût de la péniche Xbox 360 Love View, putain, Microsoft avait les thunes à mettre parce que ouais. ça, c'est c'est pas des projecteurs. c'est des Si c'est un projecteur, tu crois non, c'était pas des écrans analogiques. Je suis persuadé que c'était un et, Là, ils ont mis une bâche et, euh, ouais, un une bâche et puis c'est éclairé, quoi. C'est un rétropro, ouais, voilà. Non, un rétropro, c'est mais... Non, c'est juste une bâche imprimée. C'est une bâche, qui un ah, est ouais. des spots au-dessus, c'est tout. Ah, ouais, ah d'accord oh, ah, oui, Et t'as la... la péniche Donc, qui au, est passée devant. Au, euh... au final, budget de l'opération, euh, moins de 50 000 euros, si tu veux. Ah bah. c'est sûr. Moins, ouais, Pour tanker le lancement de la PlayStation 3, moins de 50 000 euros. Bill Gates, il a regardé et fait. Go. Non, mais en fait, moi je pense que c'est même moins cher que ça, parce que la, la, la bâche, à mon avis, il y en a pour 400 balles. Après, tu vas sur les, tu vois, tu, tu vas sur les bords de Seine, tu vas voir un, un mec en péniche, tu lui dis, je vous file 2000 euros pour... Tu vas voir le roumain qui conduit sa péniche tous les jours, tu sais, pour faire traverser les gens. Voilà 2000 balles. Je vous file 2000 balles pour une demi-heure de demain soir, ou est-ce que vous êtes OK Il faut juste passer devant. Putain. Ah, non. Ah non mais vraiment ah voilà excusez-moi voilà on n'avait pas parlé de ça il fallait quand même qu'on en parle non mais c'était important c'était important après 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 il y avait eu la guerre avec le lancement des nouvelles consoles entre je ne sais plus est-ce que c'était la Xbox Series X et la PS4 je ne sais plus non c'était pas la Xbox X c'était la Xbox One la Xbox One et la PS4 où il y avait une véritable guerre au lancement notamment sur les prix et Après que la PS4 coup. avait complètement gagné parce qu'elle était vendue 100 balles de moins, je ne sais pas une bêtise. Fait. Hein. Oui, ouais, voilà, fait ça. Et qu'ils ont fait, ouais. en fait... Ils ont juste attendu, bêtement. Ouais. Euh, que Xbox fasse son annonce et suicide un son des jeux à 400, enfin une console à 500 balles euh, absurde avec des features que personne voulait parce que la moitié c'était des features home pour la télé dont tout, tout le monde sauf les américains se battait les couilles. Et je te même rappelle l'E3 le quand les mecs ils faisaient des, ils faisaient des montages sur le, le 3 avec TV, 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 <laughs> oui TV. TV. Te est rappelle ça. Ça. Et, et qu'après PlayStation et Sony est arrivé juste en tweet en, en, en disant PTDR nous on la met en, en vente 100 balles de moins, un jeu offert. Euh, 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 ils, ont, ils ont annoncé le prix, ils sont partis et tout le monde sur internet là, ils ont gagné. Voilà, retour de la PlayStation, au revoir la X36. Ouais. Bon, ouais. ça. Et j'étais dégoûté parce que, mais quelque part, c'était une victoire bien méritée parce que je vais être sincère, je vais parler mal. La Xbox 360 a pour moi la meilleure interface qui n'ait jamais existé sur une console de jeux vidéo de salon. Voilà. PS2 ça compte pas et tout ce qu'il y a en dessous ça compte pas parce que c'était pas des interfaces nécessaires tu mets le jeu, tu joues, il y avait pas besoin de c'était des, des Super NES en fait, tu mets ta cartouche tu joues, il y a pas besoin d'interface, mais ce que je veux dire c'est quoi la, la meilleure interface possible qui ait jamais existé rapide, fluide, ergonomique efficace, instantanée, machin PS3 à côté c'était rien du tout, mais mérité PS4 arrive, ils ont la même interface que la PS, euh, PS3, un, un peu mieux en plus fluide, pourquoi pas, mais la Xbox One avec son interface qui te forçait des pubs en gros plan euh, ça m'était des plombes, c'était impossible à setup, c'était un cauchemar à gérer cette console à son lancement. C'était mmh. une dinguerie. La PlayStation 4 était tellement la solution de facilité la plus simple. Je me souviens qu'à l'époque j'avais pris une Xbox One pour faire les exclus sur la chaîne avec Fanta mais j'ai joué genre à deux jeux dessus un euh, Rise Son of Rome qui était une exclue, euh, Xbox et ah, un euh, Rise 3. je l'avais fait, je l'avais fait. Voilà, parce qu'il qu mettait une sacrée claque graphique. Ouais. Euh, <laughs> c'est sûr que déglinguer Obélix à longueur de journée avec ton Romain, c'était stylé. Mais une fois passé ça, tu vois, une fois passé ça, euh, comme on en parlait tout à l'heure, les graphismes c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Une fois que tu as passé l'expérience des 10 heures de jeu où c'était beau, t'avances et s'il n'y a rien derrière, si c'est trop répétitif, si t'es pas investi. Tu Construis rien alors que comparativement, tu prends un Uncharted qui lui est très beau graphiquement. Le 1, 2, 3, 4, ils en mettent plein la poire, mais tu es quand même investi dans l'histoire. Tu suis ça comme une série Netflix. Tu veux savoir ce qui arrive à ton héros. Si tu veux, c'est sûr que c'est formulaïque. J'ai pas, pas le terme euh, formulatif. C'est classique. Tu arrives dans une jaune, tu suis les, 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 les trous dans le mur, tu suis la peinture jaune, <laughs> comme le dit, tu suis ça, la, le, le bord de peinture jaune arrive une phase où de toute façon Nathan Drake qui peut rien lui arriver de bien ça va s'écrouler sur sa gueule et toutes les solutions qu'il va trouver vont s'écrouler sur sa gueule aussi jusqu'à ce que le scénario se calme il y a une meuf qui arrive elle frappe Nathan Nathan la baise il repart il y, a un, il, y a, il y a un processus comme ça tu vois c'est toujours le, le... A... voilà c'est <laughs> toujours une logique mais c'est comme une série c'est comme Friends tu vois c est, c est... tu regardes un épisode tu les as tous vus entre guillemets mais mmh. t'étais investi, t'étais investi. Alors que ce qu'ils avaient testé avec la Xbox One, c'était zéro. Si tu me souviens que la PS4 lui mettait 1000 zéro C'était le retour de la PS4 après la défaite cuisante que la PS3 avait subie face à Xbox 360. Mmh. Et comme d'habitude avec mmh. PlayStation, pareil pour la PlayStation 5. Hein, je, je soupçonne ça. C'est que ils sont très tardifs. La PlayStation 3 a mis genre deux ans avant de se réveiller et commencer à proposer euh, vraiment bah, des ouais, jeux qui sortaient et qui étaient là. Tu à vois. partir du moment où ils ont sorti la PS3 Slim, finalement qui était entre guillemets presque Le leur, leur dernier… Le et... refouillage des, des campagnes marketing et tout ça ils ont tout refait à ce moment-là. Voilà c'est mmh. ça. On me donne une autre image qui est juste exceptionnelle je, je la partage avec vous. <laughs> Quel oui, de, est de... De... Ah oui d'accord. Attends j'ai cliqué. Euh, moi si ça charge. Ouais. Bon. C'est un peu long. Ah oui l'image oui, met oui. du temps à arriver l'image met du temps à arriver mais c'est une image encore plus précise. Mais alors euh, oui, pour revenir à ce que tu disais tout de suite, Bob. Euh, ouais, effectivement. Donc il y a eu, est-ce que tu disais tout à l'heure aussi, Brice, il y a eu un, un changement de paradigme au moment de la sortie de la PS3. On va dire toute l'ère de la PS3 a été un petit peu un, un, un changement, une transformation entre euh, euh, le jeu qui, qui, qui était euh, made in Japan finalement, mmh. qui s'est retrouvé made in USA et euh, la PS4 a été en grande partie euh, fait avec le cerveau d'un certain Mark Cerny, qui est un Mark américain, ouais. euh, euh, peut-être pas américain de, de, de naissance, mais en tout cas qui vit aux États-Unis, euh, qui est un, un ingénieur de génie, et, et clairement, euh, les, les consoles actuelles sont américaines, même si elles Oui, c'est euh, oui, mais... le moment où c'est passé euh, sous la coupe euh, américaine. Hein, tout à fait, Totalement, hein. ouais, ouais. Alors, ce un ça, jour, se ça, se ça se sent les, un jeu, jeu. les jeux de conception purement japonaises, même dans l'esprit ou dans la mentalité disparaissent de ouais. plus en plus je trouve ah ah ben bien, un, sûr. Un. bien sûr il ouais. y a toujours les niches parce que les niches, tu, tu, tu ouais. dénicheras jamais des otakus de leurs visual novel, ça n'existe pas ça. Ouais. ça, bonne chance hein. tu as plus de chance de prendre toutes les armes au peuple américain, voilà, dans la paix que de dénicher les otaku jap dans leur sous-sol de magasins juste en dessous des mails de café et de leur arracher ouais. les visual novel des mains c'est même assez dangereux. Je pense que tu peux réveiller leur nippon banzai euh, très très vite <laughs> si tu leur arraches leur waifu ou leur euh, je sais pas comment on appelle ça, tu sais les coussins <laughs> en forme de gonzesse. Euh, je, dis, bonjour, je pense que ça. Si ouais, tu ouais. leur enlèves ça, c'est terminé. Même les au tapis, karcher ça part pas, ouais. Les tapis de souris avec les boobs. Les, hein. ouais. les dakimura, voilà. <laughs> euh, les, les dakimakure D'accord, ouais, c'est ça. dakimakura Dakimakura, voilà, tu ne peux pas leur enlever ça. Voilà, je, je pense que tu peux plus... C'est fini, il faut attendre qu'ils meurent avec. Tu vois, c'est comme les fourmis, tu ne peux pas les délo déloger. Il faut, faut attendre que la colonie meure toute seule. Mais du coup, voilà, je, je, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve là-dedans. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'au niveau du domaine du jeu vidéo, il y a un essoufflement visible qui semble se faire et qui n'arrive qu'à percer de temps en temps avec des brefs raies de lumière lorsqu'il y a vraiment un degré de créativité et de je sais que c'est un mot qui est un peu un peu élusif parce qu'il veut rien dire mais et de saoul. quand tu sens que les mecs ont vraiment une vision artistique ligne fixe avec un but fixe et un objectif simple c'est pour ça que Nintendo domine encore largement le marché parce que quand as Nintendo qui arrive avec un Mario Kart 8 le mec qui arrive et fait ok je veux des jeux avec du Mario des jeux de voiture et des DLC et je veux et ça C est, c est ligne droite, tu vois, les mecs réfléchissent pas, il n'y a pas, pas d'influence externe ou, ou multiple, il y a vraiment un capitaine à la barre en fait. C'est un capitaine oui. à la barre du bateau et du coup, il heurte pas le Titanic. De nos jours, malheureusement, avec l'inflation de tout, je parle pas de l'inflation économique, je parle de l'inflation humaine, morale, physique, technologique, avec le fait qu'il est impossible de sortir un jeu. On aurait. Je, enfin, tu prends, tu prends un Suicoden qui était sur PlayStation, c'était une dinguerie, euh, euh, tu prends ce que tu veux, c'est. Ce pas que c'est impossible de sortir ça de nos jours, c'est que c'est impossible de sortir ça en l'état de nos jours. Ou alors tu es obligé de ouais. le marquer comme un jeu rétro ou la fameuse Suisse de Hopopopat Parleur. Tu es obligé de marcher sur quelque chose d'autre qui marche. Tu ne peux plus ouais. juste t'arriver avec un jeu en 3D mal fait et dire que c'est trop bien. Ou alors tu passes sous le coup d'un jeu indé et donc tu deviens inexistant du point de vue des investisseurs, des publishers et tout le reste. Donc tu es obligé de faire des supra-giga, ultra-méga, supra production qui ne veulent rien dire. Je suis impatient de voir comment GTA 6 va tourner sur PlayStation 5. Euh... <laughs> tu vois ouais, je, je... mais, mais tu... pour qu'on arrive à un point où il faut un Red Dead Redemption 2 ou un GTA 6 pour commencer réellement à aller à l'extrême ouais. de ce que peut nous offrir euh, l'industrie de nos jours comparativement à un GTA San Andreas qui de, selon les standards d'aujourd'hui devrait être normalement codé en 3 mois Tiens, enfin en 3 en mois San Andreas c'est plié tu vois une équipe de 30 personnes c'est plié de nos jours donc c'est pour ça pour moi c'est une dinguerie qui est, qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est incompréhensible. Et j'ignore si cette espèce de bulle technologique, cette espèce de de, 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 de course au réalisme, de course euh, au pygmalion, hein, de course à la Galatée, si tu veux, euh, continuellement, euh, va pas s'auto-écrouler sur elle-même. Et qu'au final, le grand gagnant de tout ça, je suis désolé pour les 30 ans de la PlayStation, mais c'est Nintendo, parce que Nintendo, ils sentent encore le moustachu avec Bing Bing Wahoo, ils s'en battent les couilles. <laughs> ils s'en jeu, C'est comme leur dernier jeu, là, c'était pas Princess Peach. Mais c'est pareil, le, le, le fameux Legend of Zelda qu'ils ont montré au, ouais. au, au dernier machin et tout. Le jeu, il est monté avec les assets du Link, du, 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 Link du remake aussi. du Link précédent. Ouais. Euh, il est fait en, en, en six mois avec trois stagiaires euh, euh, mmh. et deux coloristes maquettis. Je suis sûr, il y a de l'IA. Enfin, je suis désolé, <laughs> budget total du jeu. 10 000 euros et es parce que t'es obligé t'es obligé de payer les trois personnes qui ont bossé dessus au smic voilà, tu vois es obligé de les payer au smic si en vrai le budget oh, total c'est 50, 50, 50 yens tu vois mais mais c'est pas grave ça marche si ça, ça marche et que, que ça explose ça rentabilité maximum rentabilité non, mais, pas, pas mais loin après, après après on a besoin d'avoir un nintendo comme on a besoin d'avoir un, un PlayStation sûr, et, et xbox bien tu, bien tu vois sûr. ça c'est il ne faut surtout pas enlever que ça termine avec ça. C'est vrai qu'on pourrait se demander où est-ce que ça va aller. Euh, à un moment. Moi, je, je, je pense depuis un, un petit moment, depuis la sortie de la PS5, qu'on euh, arrive à peu près à la fin des, des, <laughs> des consoles de salon telles qu'on l'entend. Euh, je pense qu'on va ça. partir sur du... du sens, à mon avis, et, là, et les, mais les mais grandes questions, vois, elles, sont, elles sont surtout par rapport, par rapport à ce que Bob vient, vient, vient de dire. Je pense que les grandes questions sont surtout aussi par rapport aux jeux. C'est vraiment par rapport au jeu. Où est-ce qu'on va avec euh, avec les jeux On n'arrête pas, pas de licencier. Ça, ça, ça n'arrête pas. Il y, y a un vrai souci. Par Absolument. À, il y a une espèce de purge de jeu. morale et mentale et euh... justement de cette super bulle d'inflation euh, jeu vidéo ludique qui est en train de se faire. Parce que mmh. déjà il y a une crise de compétences globale, mais ça c'est grave, c'est normal. Mais en dessous, euh, euh, c'est une crise de soule presque, c'est une crise d'âme, une crise de de purement volonté créative, c'est la différence entre les premiers mecs qu'on fait la statue de David, c'est tu sais, la super statue du disco ball et tout, et qu'après à la fin tout le monde fait la passion du Christ. Ça va cinq minutes, mais tout le monde pas ouais. la même chose. On, il faut il faut autre chose. Même si c'est de plus en plus beau, que tu vois les les, les gouttes de sueur sur le corps de Jésus-Christ, c'est incroyable, mais on s'en fout. Tu vois, à un moment, on a envie de voir autre chose ou autre. Et de ce que j'en ai dit, tu vois, même si j'ai rigolé sur le budget qui était fait à la va-vite et que n'en avez rien à péter, deux commentaires immédiats, c'est moi, j'en ai rien à foutre. Je veux jouer à The Legend of Zelda. Et moi, je m'en bois les couilles. Je veux quand même dépenser. Tu vois, il y a vraiment cette volonté de recherche de quelque chose qui touche les gens. Et je trouve que la PlayStation 2 et la PlayStation 3 étaient pour moi le pic jeu vidéoludique. Je sais que je passe pour un vieux con en disant ça, mais le pic jeu vidéoludique parce qu'on était dans une période où il était assez difficile de faire un jeu. C'était assez difficile de faire un jeu. Pour forcer les gens à avoir un concept de base solide, de se dire là j'ai une idée, là je la tiens, là je l'ai pitché, là je m'investis. Et c'était encore suffisamment accessible pour les grosses entreprises d'investir ce pognon-là pour montrer un truc qui pouvait pousser la technologie plus loin et nous montrer quelque chose qui était, qui était, qui était beau. Là pour pousser la technologie qu'on a aujourd'hui, ils font un rockstar. Et euh, merde, pff, le budget GTA 6 on l'a pas tous, tu vois. Enfin, PTDR, ce n'est pas, pas accessible, tu vois. Et ça nous a donné des merveilles comme Metal Gear Solid 3 qui poussaient quand même pour l'époque et derrière ça a tellement marché qu'ils sont encore plus poussés avec Metal Gear Solid 4 où là même on a envie de dire qu'ils ont trop poussé ce que ouais. dire, c est, c est, tu ressens presque cette espèce d'overflow de, de soul que les mecs ont mis dans, dans, dans le jeu euh, simplement parce que ils commençaient à voilà les nouvelles licences pouvaient fleurir entre guillemets. on pouvait tout balancer dedans tu voyais la différence mmh. entre Halo 1, Halo 2, Halo 3 et pourtant l'objectif était très clair à partir du moment où ça a commencé à être facilement accessible de faire des Halo 19 bah ça se, ça se fragmente et on, ouais. on vit dans une dans une ère de remake constant et, et oui mais parce que c'est au même titre que le cinéma vous voyez bien j'allais en parler bah oui c'est pareil tu prends un Star Wars parlé, ouais. euh, je veux dire le move de Disney allez on va racheter Star Wars et puis bah, on va t'en <laughs> faire mais mais dans <laughs> tous les sens je veux dire du j'ai animé, l'animation J'espère sincèrement que dans 30 ans, ce sera dans tous les livres d'histoire des cinématologues ou je sais pas quoi, genre en cours de cinéma, on t'apprend Star Wars que sest il passé. Tu vois genre <laughs> les doux et d'autres. mais, voilà, genre... mais, euh... mais c'est le truc de ça rassure. Ouais. Les gens sont rassurés, ils savent euh... ils savent ce qu'ils vont avoir comme Fast and Furious euh, 14, tu sais ce que c'est. Euh, donc tu vas, donc il y, a... y a zéro prise de risque, donc on se retrouve un avec des séries bah, qui perdurent et puis bah quand j'ai pas trop d'argent, je fais quoi Je fais un remake euh, donc oui. euh, je me dis, ah bah il y a des gars qui ont euh, qui ont 20 ans, il euh, y a mon jeu là qui est sorti il y a dix ans, allez, petit remake HD. Finalement, vie, les vie, gens vie, que nous euh... étions Et encore je dis remake, parfois tu as un remaster. Absolument, un... les Pierre. gens que nous étions. Un... Et, et Metal Gear est bien, est bien coupable de ça aussi. Mais bon, les gens que nous étions étions habitués à jouer à tous les jeux qu'on nous donnait, parce que nous on nous donnait et on y jouait, on réfléchissait pas. Littéralement, on ne réfléchissait pas. Et on, a eu des, on est devenu des gens qui essayions un peu tout pour essayer de tout créer, de tout tester, de tout essayer en long, en large et en travers, même si nous aussi, on a été pris par l'époque et on est tombé dans une forme de, de conformisme. Tu vois, regarde, je regarde derrière Florent Gorge. Alors, bien sûr, il est là pour vendre un truc PlayStation, mais je ne vois que du Nintendo derrière. Hein. Je t'accuse, je t'accuse, je <rire> <rire> du coup, voilà. non, je déconne. Et il y a cette logique-là, mais. Les enfants qui sont venus derrière, eux, étaient informés déjà sur ce qu'ils allaient jouer et se sont eux-mêmes mis dans cette niche. et pas forcément ce « tiens, bouffe des jeux au pif sans savoir de quoi il s'agit, ouais, finis-le, tape-toi 60 heures parce que tu ça à foutre de ton week-end de toute façon. » Et tu n'as pas les médias sociaux, tu n'as pas TikTok, si tu veux. Et derrière, oui. ces gens-là ont grandi et sont maintenant les développeurs. Ce sont maintenant oui. eux les graphistes, ce sont eux les scénaristes. Et ces gens-là sont dans le safe et ils sont dans leur propre boucle, dans la même boucle des gens qui jouent encore à 10 ou qui se, qui se, qui se bou bloquent sur Petit Pied, la Vallée des Merveilles, 19. C'est ça. Oui. Cette après, après y a et, ma et malheureusement, ça se transpose très mal. Ça crée une espèce de boucle et ça se transpose très mal sur les oui. gens qui veulent pas forcément du neuf, mais qui ont envie de goûter à quelque chose, ouais, de bien ouais. penser. Et de, 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 mais tu as vois. un autre truc aussi qui, euh, je pense, quelque part fait un peu mal aux jeux vidéo, mais. En fait, aujourd'hui, ce que tous les éditeurs, absolument tous, éditeurs, constructeurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est euh, du temps d'attention pour pouvoir te vendre euh, du DLC pour les microtransactions derrière. Et ça, par contre, ça a perturbé complètement tout ouais. l'écosystème. C'est-à-dire que quand, là, tu parlais des, euh, voilà, de, de jeunes qui, euh, qui, vont, qui vont être sur leur jeu. Mais à, à quel point Fortnite a perturbé tout l'écosystème? C'est-à-dire, si tu oh, là, passes oui, mais... ta vie tu passes ta vie sur Fortnite, bon. euh, tu vas, tu as pas le temps pour euh, ah, pour jouer semi, à semi 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 argument choses. semi argument frère ah, c est, c est. Fortnite ok, mais avant ça il y avait League of Legends et encore avant ça il y avait Counter Strike. Euh, oui non non attends Donc, attends. Les le, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que non, Fortnite le, a été un élément de société qui a le, été le, truc, le iPhone de tout le monde. Ce si que, que ça, je veux dire euh, Bob, c'est que je prends Fortnite comme exemple. Mais aujourd'hui, ce que les éditeurs ils veulent, ils veulent tous leur Fortnite. veux oui, si le... leur World of Warcraft. Exactement. Ah. Donc, <laughs> quand tu mets tous les moyens, tous les moyens sur des jeux pour faire en sorte que ces jeux, ce soit des multi, ce soient des jeux où il y a de la transaction, et ben, quand tout le monde fait ça, bah ben, oui, donc tu fais quoi Tu te retrouves avec Fortnite, iefc, Call of, et puis tu vois. Après, tu... tout n'est pas triste. Les tout n'est pas triste, et vous savez pourquoi Parce qu'on arrive dans une ère. Ou, mon certes, on va peut-être se taper des guerres terribles et. Oublie pas qu'il y a des studios. T'as de oui. des, euh, des studios qui, qui gagnent plus de thunes en, en, en te mettant un, un nouveau on skin. On arrive. Tu vois on que. Un skin, un skin de League of Legends ou de Genshin Impact, ou une waifu de Genshin Impact fait plus d'argent que Aye. la totalité de. de, 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 de voilà, c'est débile. Mais, 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 mais j'ai quand même un espoir, moi, pour le futur du gaming parce qu'on en arrive à une phase où ils sont juste avant leur soul. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est la phase où ils sont juste avant leur soul, juste avant que, ça y est, ils sont dans cette espèce de pic PS2, PS3, mais ils maîtrisent la technologie actuelle. C'est la Chine. La Chine mmh. est en train, pour de vrai, pour de vrai. Et c'est la Chine. Il y a 20 ans, ils n'avaient pas de chaussures, les mecs. Il les <laughs> est vrai. C'est simple. Non, mais moquez-vous. Moquez-vous. Moquez Il y a 20 ans, le CCP pouvait détruire un barrage sans prévenir les trois villages qui étaient en contrebas. Parce qu'ils s'en battaient les couilles, il fallait construire une autre rizière. C'était une dinguerie. Là, maintenant, on est encore dans cette logique, mais contrairement à ce qu'on pense, une grande partie de la population chez eux ont maintenant accès à l'eau chaude, ce qui si a tout changé. Et le truc, c'est qu'ils sont en train de créer des jeux qui ne sont pas des 0A. Ils sont en train de créer des jeux qui sont des triple A. Ah, ils ouais. ont encore cette espèce de. Waouh, cet endroit. Tu vois, ils ont la, la nouveauté. Du... Mais... L'enfant qui est entré dans la bijouterie, qui est entré dans le, dans, dans le ouais, magasin ouais. de bonbons, ils ont ça dans les yeux. Donc, ils vont nous sortir des projets de cœur qui seront certes extrêmement. Je ne vais pas dire simpliste dans leur culture, mais presque aussi simpliste que nous, on les a eus. Aussi simpliste que Chrono, Chrono Trigger. Chrono Trigger, c'est beau comme histoire, c'est bien chiadé, les le mec a pensé au scénario, il Mais c'était simpliste. C'est un héros, il sauve la princesse, et le but du jeu, c'est d'avoir une belle fin à la ouais. fin face à, une, à une, une, une destruction de la planète. C'est tout, tout simple. Ce n'est pas The Last mais, of Us, tu vois. Mais, mais, mais en moi, ils vont petit, sortir des trucs. Petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de studios chinois. Enfin, ce pas petit bémol, pour moi, c'est un gros bémol. C'est que. Euh, tu as raison et je pense que le futur de jeux vidéo peut s'inscrire euh, euh, du côté des Chinois. Le, seul, le gros bémol, c'est que le gouvernement chinois n'aime pas les jeux vidéo. Et ça, oui. c'est un gros problème parce que quand tu as un studio chinois que tu as du talent et ils sont nombreux, hein, les studios euh, chinois euh, talentueux, c'est quand même dommage de te dire que bah, je vais pas réussir à vendre des jeux chez moi vu le je, marché je pense, que c'est. Je, je pense. Et que, que ça je, ça je, va et je suis obligé, obligé d'aller, tu vois, vers l'Occident. Ça vers va grandement changer années. pour deux raisons. Euh, sans vouloir entrer dans de la politique bah, parce ou quoi que Le gouvernement chinois n'aime pas les jeux vidéo. Faire. Mais ils n'avaient pas de jeux vidéo. Tous les jeux vidéo qui se tapaient étaient des, des jeux vidéo d'étrangers avec des idées d'étrangers qui rentraient dans leur pays. Ils n'aiment pas quand c'est la culture des autres de World of Warcraft qui vient de leur pays et qui bouffe les temps de travail de leurs propres jeunes. Là, je suis d'accord, ils vont évoluer, ils vont avoir leurs visio vidéo à eux, qui vont devenir leurs triple A mondiaux, parce qu'il y en a forcément un qui va péter. Il y a déjà Genshin Impact, qui est Impact, argumentativement, ouais. argumentativement leur World of Warcraft. Ah oui, mais c'est ça le truc, c'est leur World of Warcraft à eux. Et le truc, c'est que là, le CCP va gueuler et va forcément dire à tous leurs citoyens, vous n'avez pas le droit de jouer plus de trois heures par semaine, certes, parce que c'est le CCP, hein, on ne peut pas les empêcher, mais l'idée que eux exportent leur culture et donc entament cette espèce d'hégémonie culturelle un peu comme les USA ou l'Ouest, ça, ça va plaire au CCP. Donc, qu'un Chinois joue à des jeux vidéo, pas bien. Qu'un Chinois fasse des jeux vidéo chinois pour les vendre à des gros Américains qui vont se toucher devant ah Mona ouais, de, de, de Genshin Impact contre de l'argent qui en plus ensuite sera taxé par le CCP parce que, spoiler, les Chinois peuvent échapper à toutes les taxes du monde sauf les leurs pour la bonne ouais. simple raison qu'ils sont énervés, si tu veux. Et là, soudainement, Li, Li Jinping, il va se dire, bien. Enfin, au début, il va dire, pas bien les jeux vidéo. Puis il va regarder les chiffres et voir que les gros Américains donnent un tiers de ses taxes, que les Whales payent un tiers des taxes et payent la moitié de ses centrales électriques. Il va dire, bien. Tu vois, il y a une logique, en fait. Donc, pour moi, cette idée de soft power va complètement chambouler le truc parce qu'en plus, et c'est ça qui est fantastique, entre guillemets, pour nous, gros cochons qui nous faisons euh, euh, farcir comme des oies avant de nous faire abattre, euh, c'est que dans cette logique-là, ils ne vont pas créer des jeux pour eux. Ils vont créer des ah oui bien sûr, bien sûr. Oui, oui, et là oui, oui, oui. nous bien ça sûr, va être la sûr. gloire parce qu'on va se prendre des trucs ouais. certes simpliste mais fait avec le cœur avec une volonté sous-jacente euh... de mettre à la gloire euh, du CCP en avant bien sûr mais est-ce qu'on peut parler d'hégémonie américaine quand ils nous mettaient un Call of Duty Tu vois ce que je veux dire mmh, Est-ce que, ouais. est-ce que, est-ce que c'est ah pas Je pense bon que, que je je survivre. C'est que tu vas aussi surtout te retrouver avec des titres qui seront très bons, mais qui auront, qui auront des budgets peut-être deux, trois, quatre fois moins importants que les budgets sur les studios Et américains pourtant, parce que de leur point de vue, le budget sera équivalent à celui de Rockstar. C'est juste que ouais. du point de vue de notre dollar, euh, effectivement, c'est ouais. pour trois clous et si et si et si et, 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 et même si nous, on se dit, ah ouais, mais du coup, les chaussures qu'ils ont imprimées ou leurs jeux vidéo, ça a coûté même pas 5 centimes. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que les chaussures qu'ils ont imprimées à 5 centimes chez eux dans leur usine. Euh, C'est celle que tu portes à tes pieds que tu as payé 90 balles. Ah, ouais, ouais, C'est ça, ça le gag. Donc, Li Jinping, il va comprendre ça. Il y a forcément ce, cette espèce de paradigme qui va se faire. Et donc, moi, je sens que dans les dix années qui viennent, il n'y a plus rien à attendre des studios américains. Les studios japonais s'essoufflent clairement parce qu'ils sont en train de, de, de perdre leur, 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 leur ah, momentum oui, bah, et cette là, espèce ouais, de ça. ça. Ils sont peut-être dans une phase de doute que Florent euh, a évoqué euh, ultérieurement. Mais les Chinois. Ils vont arriver avec leur Chrono Trigger. Et alors C'est l'histoire d'un héros avec les cheveux rouges et une grosse épée qui se bat, comme dans les, euh, comme dans les trucs euh, de chinois où les mecs <laughs> volent et sont sur des normal, épaules à Goku. Et il va sauver une meuf à gros seins. Et quand il l'a <laughs> sauvée, eh ben, elle va dans la cuisine à la fin, ils mangent un M ensemble et ils ont cinq enfants. Genre, bam, fin du jeu. Et tu t'es battu contre le Evil Lord. Et le gameplay, il est Devil May Cratia. Tu te mets 1000-0. Tu dépenché tous les DLC dans Genshin Impact pour avoir tous les costumes de waifu. Et, on, et nous, on le verra mais nos enfants, ils n'y verront que du feu. C'est ça, le truc, en fait. Voilà. Euh, ouais. Ouais, C'est ainsi que, que nous terminons ce live sur l'hégémonie. Euh, <laughs> euh, J'ai regardé, pas plus tard que tout à l'heure, une, un, une vidéo de, de notre ami Louis-San, qu'on qu connaît bien qu'on aime bien ici, euh, qui est infiltré justement... par le CCP chinois <laughs> <laughs> Plus il est charme, je dis n'importe de... quoi, c'est dire. Non, 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 il parle des, des otakus au Japon et euh, d'où ça vient et comment, comment tout ça, ça a évolué Et il parle du gouvernement justement, du gouvernement japonais de l'époque, euh, pour qui les otakus. Enfin euh, voilà, c'était devenu des bêtes noires, c'était devenu. Des euh, il parle de, de chasse sorcière dans son dans son document et je crois que c'était vraiment le cas. Et quand le gouvernement japonais s'est rendu compte que, ah bon, les trucs avec les animés et les jeux vidéo, ça plaît à l'étranger, ça nous fait du, du fric, ah bon, bah ok, bah en fait, on va en faire un peu plus. Et euh, voilà, on a été complètement inondés. Après, merci le Club d'eau, merci... Euh, ouais, comme ça les macros, Pour Combien de génial, gens les présents dans cette pièce n'ont pas eu le cerveau baisé dans le débat asuka Rey, si tu veux on tous été... ouais. Alors que la vraie réponse était Misato depuis le début, je suis désolé. Euh... <laughs> Mais bon, les gens bon. ne veulent pas voir la lumière on, on, on s'est carrément carrément éloigné de notre sujet de, de base pour cela on parlait on parlait de l'hégémonie des gens et des jeux vidéo et leur évolution en général mais là on est aussi là pour parler des 100 ans non pas vraiment des 30 ans de la PlayStation et des voilà. fameux packs euh, de euh, livres en forme de console qui relient toutes les informations. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas les gens qui sont à l'écran, ils sont là où ouais, on arrive avec des credentials ou ce que tu veux, mais ce sont des pontes totales dans la recherche d'informations, la compilation d'informations, de faits et, et de gestes obscurs. C'est tellement obscur que Brice était là pour le lancement de la PS3. Il a vu <laughs> la péniche en vrai. Il a vu <laughs> la péniche en vrai. C'est pour vous dire à quel point c'est obscur. <laughs> L'une un, de ces trois personnes a rencontré Cyril Grevet. Tu peux pas. Ouais. Quelqu'un a parlé à Miyamoto sur ce plateau. Voilà, c'est C'est obscur de ouf. Donc, voilà, euh, techniquement, tu es sûr que ce sont des excellents. <laughs> tu mets ça sous les yeux. Ce sont des excellents euh, <laughs> registres. En plus, vous le montrez en dépliant comme ça, vous faites envie. Tu as envie de faire des dioramas dans ton bouquin ou c'est de la pub mensongère, ça Ah non, 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 c'est vraiment oh. prévu comme ça. On va oh, faire de... un ouais. Tu vois, ça reprend une frise de, de des prototypes, en fait, même carrément des prototypes de la première PlayStation, euh, PlayStation même. Euh, et oh euh, bon. des, des dates clés, des choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas, ça, ça vous pouvez plus avoir, plus. avoir le coffret collector avec la totale de tout ceci pour 150 ouais. balles, j'ai vu. C'est quoi le plus gros Monte, monte, monte. Et chaque livre euh, est, est à 30. Ça. Donc, tu peux avoir la console qui, toi, te plaît. Moi, je sais que je me chopperai sans doute celui de la PS1 peut-être celui de la PS3, je suis curieux, ça m'a rendu curieux. PS4, je ne suis pas encore, je suis désolé, je le dis. Hein. Tiens, je je, 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 je tank je tes ventes. Je, <laughs> je tank <tanque s độ> tes <Star> ventes. Voilà, dans ça. <laughs> non, 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 Et regarde, PS2, je m'en fous, moi j'ai des Team Xbox. Non, mais, regarde, mais même très bien. Euh, on ne force pas en, les gens à prendre le pack complet avec les cinq bouquins. Si vous avez un affect particulier uniquement avec la PS1 ou uniquement avec la PS4, vous pouvez. Voilà, c'est accessible aussi. Pour moi, en fait, c'est bien parce que j'aime avoir ce genre de recueil d'histoires. Dans ton, dans ton truc, parce qu'on oublie, on oublie malheureusement, on oublie ce genre de choses, on oublie ce genre de création. Ouais. Et même si pour nous, pour vous qui êtes la plupart sur le, sur le chat, vous êtes plus, plus jeune, vous êtes né, il y avait déjà de la 3D dans les jeux vidéo. C'est pour ça. Nous, on a été homme des cavernes, on a commencé avec les gars. Marcus a commencé avec les gravures au mur, si c'est l'homme de Totavelle. Non, mais c'est l'homme de Totavelle, Marcus, tu vois, il a commencé avec ça. Et, et, et pourtant, il nous met 1000 zéro, si tu veux. Il fera plaisir. De culture, dit, non, mais avec, avec tout l'amour, et lui-même lui le reconnaît. Est, il est, est le César, ça. si tu veux de notre astérix. C'est juste que dans l'absolu, euh, dans nous on a vu cette évolution ou autre, et bah que veux-tu On se fait vieux, vous êtes jeune encore, et voir l'évolution d'un art, c'est le meilleur moyen de s'inspirer de cet art, de voir ce que ça donne, et surtout de voir il y a de le les comprendre. influences culturelles. Ouais. Et surtout, ouais. c'est peut-être le seul art que de notre vie ou même de notre centenaire, enfin de notre, de notre siècle, qu'on ouais. sera capable d'évaluer de sa naissance jusqu'à son actualité parce mmh. que putain l'art de la peinture bonne chance frère ça fait euh, combien 150 000 ans que ça existe l'art de la musique euh, alors on peut remonter à moins 6000 ans avant Jésus-Christ hein, mais tu, 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 tu montes tu veux. et même si tu prends à 1500 jusqu'à contemporain maintenant je pense même pas que si tu prends juste l'époque contemporaine tu prends l'art de la musique aujourd'hui avec YouTube bon il y a Gangnam Style c'est sûr mais mais tu vois c'est c'est compliqué tu vois enfin damn. alors que là on peut vraiment avoir quelque chose d'un peu exhaustif au moins sur un pan de cette de cette culture-là et de comprendre d'où on vient, pourquoi on en vient et où on va. Et quand je dis des, des trucs aussi émouvants, montre pas cette image <laughs> <laughs> voilà, dans là où Voilà, on... c'est de là où on vient, c'est là où on va. Voilà, ah, c'est très clair. On nous a mis au défi on nous a le défi on, a eu défis. <laughs> Putain, on avait des Moraliste depuis Dibon qui nous a mis au défi, Voilà, c'est ça. T'as pas, pas celle avec Lara Croft qui se fait soutenir les nichons par Duc Nukem, s'il te plaît euh, pour on, vendre, on je ne sais plus quelle console. Voilà, mais Et let's go. A... Les, les pubs de Lara Croft, c'est pas pour une Twingo. C'était quoi sa bagnole C'était la Seat Ibiza. Oh, ah oui, c'est bizarre, ouais, tout à fait. C'est ça, où elle se venait. Se... Mais... sur le bord pour choper des, pour choper des, 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 des body surfers, si tu ouais. veux. Elle se mais, les tapait mais... tous en dual Wii. Mais week, tu te rappelles, euh, enfin vous, vous vous rappelez forcément tous la première euh, campagne euh, de pub PlayStation pour la, la PlayStation 1. Pour Il les... faut quand même avec se souvenir les... avec le comité anti-PlayStation. Anti ouais. La pub pour vendre la PlayStation 1, c'était un mec qui disait, cette console est dangereuse. C'est ouais. enfin, oui. juste, juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Cette console, elle est dangereuse. Euh, ah ouais, on ne pas jamais hein, euh... Non, c'est génial. J'ai eu la chance. Ils jeux, eu la... Chance, ils, avaient quoi, quoi, avoir la... De... ils avaient des bureaux marketing qui étaient complètement barrés chez PlayStation 1. Hein. Ils allaient loin. Ouais. Hein. Ouais. On l'a vu, on vu tout à l'heure avec l'exemple qu'on a donné sur la PSP, mais ils allaient loin. J'ai eu la chance d'avoir la PlayStation 1 pour un Noël en Noël 97. Donc j'ai fait toute l'année 98 avec. Je me suis tapé FF7 FF8 euh, Metal Gear Solid 1 genre tu prends quand tu sors d'un jeu super nes tu as beau dire tu as, as beau dire tout le monde dit, ouais FF 6 si, si, il est bien mais oui c'est bien c'est très bien c'est joue avec tes pixels va va jouer avec ouais, tes ouais. Un, voilà ça <laughs> tu te prends un truc dans la gueule comme ça mais ça révolutionnaire révolutionne tout et même les jeux vidéo ont révolutionné pas mal de choses moi j'ai le souvenir mmh. tendre de ma mère qui faisait le repassage devant Halo 1 pourquoi Halo 1 Parce que de temps en temps, genre toutes les dix minutes euh, entre les machins où je tirais sur les trucs, il y avait une cinématique. Il y avait le dialogue. Elle était investie dans l'histoire. Elle voulait savoir euh, si, euh, avec Master Chief, on arriverait à fuir le l'anneau avec Cortana. Euh, elle était triste quand il y a le capitaine Keys à la fin qui s'est fait flouder et que tu lui perces le crâne pour récupérer sa biopuce. C'est même elle qui me l'avait expliqué, ça à l'époque. Mais euh, <laughs> parce que moi, je n'avais pas compris ce qui s'était passé, si tu veux. J'étais occupé à tirer sur des machins, en fait. Tu ne réfléchis pas. Donc. C'est une dinguerie. Je sais que ma copine, elle, elle a des tendres souvenirs de sa daronne qui bourrait euh, euh, tous les, les, les tombés d'or à l'infini. Donc, on a la chance d'avoir cette génération qui était un peu fusionnée à ça. Moi, j'ai eu ouais. la chance d'avoir au début l'oncle le, 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 qui était intéressé par l'Amiga. Donc, j'ai pu connaître les balbutiements de, de cette console-là, tu vois, les, les bases. Mais tu peux pas comparer à les mix avec un jeu sur Super NES, un jeu sur PlayStation, un jeu sur PS2. Le, le, le... Vraiment, en fait, diffé... c'est marrant parce que le différentiel Power me fait beaucoup penser à Dragon Ball Z. Hein. As le super C1, PlayStation, voilà. Tu as le super C1, 2, PlayStation 2, tu as le super C1, 3, PlayStation 3. C'était un mmh. peu absent et on l'a pas vu gagner beaucoup de combats, mais finalement, c'est une forme qui intéresse. Tu as le PlayStation 4 euh, qui met tout, euh, tout le monde à balle, si tu veux. Bon, là, tu as la PS5, euh, c'est Goku God, c'est sympathique, mais clairement, c'est là pour prendre ton argent. Donc, <laughs> tu vois, les, les, comparatifs, sont... Non, mais les comparatifs sont <laughs> les mêmes, si tu veux. On y est, on y est. Donc, moi, je suis, je suis, euh, je, suis je suis, je suis, je suis dubitatif et j'attends désespérément, entre guillemets, que. Le marché chinois se réveille, non pas parce que tu dis le CCP n'aime pas les, les, les jeux ou quoi que ce soit, mais ils vont s'intéresser à la PlayStation, c'est certain. Ils vont s'intéresser. Je suis même pas sûr qu'ils sortent pas leur propre console parce qu'ils ont déjà les usines là-bas pour les construire, tu vois. C'est une mais certitude. Tencent pourrait faire ça, tu vois, ça faire ça, ils auraient ça. Et, et le truc, c'est que moi, ça m'intéresse de voir cet avenir-là. -ce ils auront que... un peu de mal à avoir les puces, hein, mais bon. Bien sûr, mais parce que même si tu dis que le CCP est contre, <laughs> rapport à, le à Taïwan fait, euh, <laughs> Le fait, ouais, bien sûr, mais le fait que le niveau de vie augmente chez les Chinois en général, même s'ils restent dans leur, dans leur, dans leur, dans leur... Dans leur, dans leur état d'esprit eux-mêmes, tu vois, euh, ça augmente aussi leur mentalité et peut-être qu'eux aussi vont avoir leur espèce de renaissance euh, euh, artistique, jeu vidéo ludique, ouais. tu vois ce que je veux dire. Tout ne va pas pouvoir être interdit, tu comprends Donc nous, on va se prendre ça dans la gueule et moi, ça m'intéresse parce que bah, j'ai passé les 30 dernières années à regarder ce que les Américains et les Japes pouvaient me balancer au visage. C'est bon, j'ai eu mon sandwich et mon, et mon bol de Udon, tu vois, c'est sympathique. Mais là, j'ai besoin de, de, de voir des gens qui font les, les jeux avec des paillettes dans les yeux, c'est ça en fait. Euh, c'est ce oui. pour ça que cette, cette piste marche. C'est pour ça que Nintendo fonctionne encore. Et c'est pour ça qu'on voit quelques rares titres sur Sony euh, ou Microsoft qui sortent. Et, et quand tu les vois à cette espèce de Summer Game Fest qui est un E3 masqué euh, juste par excuse pour amener les Boost Babes. Euh... <laughs> Clairement. Mais je dis les termes Je dis les termes Je dis les termes, dis les termes elles, ont dis elles ont disparu. Et moi, je suis désolé, c'est des femmes au chômage. Ça me rend triste. Bref. <laughs> tu sais qu'il tu sais qu y a eu des manifestations hein, à l'époque, hein, les 3 hein. Oui, je sais, ça a eu Oui, des, hein. des vraies manifs. Elles n'étaient pas contentes, quoi. Mais voilà, elles n'avaient plus de taf. En même temps, euh, temps euh, c'est difficile. Tu, tu vois, les boost-base qui manif, tu n'arrives pas à les prendre au sérieux. En fait, c'est terrible. Les pauvres c est, c est, sont enfermés là-dedans. Mais en tous les cas, voilà. Mais c'était la vraie question, si tu veux. Donc maintenant, je vois cette espèce de recrudescence de fun, parce qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre et qui va mettre. Je ne vais pas dire 1000 zéro à tout le monde, mais peut-être 1 milliard à 200 millions, 1 milliard à 60 millions, tu vois. C'est ça le, 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 mmh. le rapport euh, en termes de population, c'est ça le gag en fait. Donc, à voir, à voir ce que ça donne, euh, c'est pour ça. Mais du coup, pour vous préparer à ce futur brave gens, à ce futur euh, terrible digne de Ken le survivant 2, mais en chinois. Euh, <laughs> donc, Ken le survivant, c'est le même, mais il aura les cheveux très très longs. Voilà, et il sera sans doute habillé dans une espèce de super kimono, tu sais, comme les trucs de... Comment on appelle ça C'est le wuxia c'est ça, tu sais, les, 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 le Wushia où les mecs qui se battent avec des épées, mais elles sont molles, ils font des mouvements improbables. Tidre, tigre et Dragon, tu vois, ou, ou, mmh, euh, ah oui. ou Taichi ah oui. Master. Voilà, tu vois, Taichi Master, va... <laughs> c'est ça qu'on va voir. Euh, on va s'en prendre plein la gueule. Mais pour vous préparer, bien sûr, à ce futur absolument incroyable, armez-vous avec la connaissance du passé pour votre Madeleine de Proust. Chopez-vous le bouquin PlayStation 1 à 30 balles. Chopez-vous le bouquin PlayStation 2 à 30 balles. Et enfin, si vous vous en voulez pour votre achat choppez vous le bouquin PlayStation 3 à 30 balles parce que c'est forcément le plus gros vu que la console était la plus grosse euh, <laughs> les images seront en meilleur HD oui d'ailleurs forcément c'est pour ça ça c'est une vraie question remarque tu me diras As de la chance que pour le PlayStation 1 le livre soit plus petit parce que, comme les images étaient en 240p de toute façon dessus à l'époque, euh, même en les Mais agrandissant en A4, euh, voilà, c'est bien pensé. C'est exactement pensé. ça. Et on s'est dit, on va on va utiliser euh, le Mega HD 4K euh, sur le bouquin PlayStation 5 et il sera gros, ce sera parfait. Mmh. Il voilà. et voilà. et y a le coffret, il manière... y a le coffret. Est-ce que vous offrez d'autres trucs avec coffret anniversaire ouais. Alors, dans le coffret, pour l'instant, il y a une euh, on fait faire une lithographie par un artiste euh, qui s'appelle Alexis Briclot qui est euh, un type qui bosse déjà dans le jeu vidéo, qui a bossé chez node et chez, dans, dans plein de trucs. Hein, il y a son petit, euh, son petit résumé là, a, et il nous fait une, une, une illustration exclusive qui sera disponible nulle part ailleurs d'autre. Et euh, bah, en fonction de, de comment la, la campagne se poursuit, là, si, si on pète les 150%, les, les, les 200%, les 4 millions de%, pourcents, euh, évidemment, on ajoutera des petits goodies, des trucs en plus. Euh, on, on est en train de réfléchir à tout ça en ce moment Je, même. J'ai pas eu le temps de dire tout son palmarès, mais le mec a l'air d'être un joueur de foot qui fait 30 ans de métier, c'est chaud, il a toutes les listes euh, <laughs> dans son truc. Le mec fait des euh, illustrations ouais. depuis le début, c'est... Vous avez joué à un jeu, c'est lui <laughs> ouais. Mais ouais, c'est un, un type qui a bossé euh, chez Magic aussi, il a fait pas mal de trucs. Ouais. Mmh. Un bloc Exactement. Mais voilà, un, un beau un gros projet, un, un 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 projet. projet ouais. très, très D'ailleurs, Il commence un déjà à parler projet. de la fin de vie de la PS5. Ce qui, moi, me fait beaucoup rire parce qu'on a été habitué à, à des fins de vie, euh, euh, enfin, à des, des consoles qui duraient huit ans. Mais c'est vrai que plus on avance dans le temps et moins elles durent parce que c'est le l'apogée le, le, et l'évolution. Et encore, le jour où on découvrira les superconducteurs, <laughs> imagine une console boostée au superconducteurs. On va voir flou, les enfants. On va pas comprendre. En fait, on aura une console, mais personne pourra designer un jeu dessus. Il faudra que ce soit les IA en charge, comme tu disais, Brice. Mais bon, ça va, mais, mais, ça, on va voir flou. On va avoir flou. Mais, euh, euh, à votre avis, quelle gueule aura la PS6 Parce enfin, que c'est vrai que la PS5, ils sont partis loin quand même, les mecs. Je sais pas si bah, étant donné que la 5, ça ressemblait à une huître, euh, je sais pas. Euh... <laughs> non, bah, à mon avis, ils n'ont plus de designer, là, c'est plus possible. Mais, je, ça, je moi, ça. pour moi, il y, y aura plus de console après. C'est euh, quoi euh, l'évolution Pokémon de l'huître avoir... euh... <laughs> Alors, il aura, non, je pense qu'il y aura, encore une, il y aura encore, encore une console, ou il y aura peut-être toujours même des consoles. Après, c'est sûr que la solution euh, la plus simple, c'est d'embarquer, bah, comme ça existe déjà, hein, le, le oui. Game Pass est embarqué sur les télés Samsung notamment. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais il y a encore mais euh, bon, il y a encore du lag et tout ça. J'ai la joie euh, de savoir qu'avant qu la fin de ma vie, euh, euh, il y aura une console qui sera vendue avec un frigo. Euh, c'est obligatoire. <laughs> obligatoire, et ça me fait beaucoup rire. Pour les Américains, c'est forcément pour eux, tu vois, il n'y a que pour eux que ça existe, des trucs comme ça, mais ça me fera beaucoup rire, euh, c'est pour ça. Euh, au niveau de la rétrocompatibilité, je sais que la PS3 était ré rétrocompatible PS2 et PS1, mais oui. seulement la FAT. Ah, oui, c'est ça, voilà. c'était sur, sur, la la fa ouais. sur la FAT. Ouais. Est-ce oui. que les livres parlent de, de, de la décision qu'ils ont faite avec la version Slim de, 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 de jarter cette rétrocompatibilité bien sûr pour plus d'argent les, les questions ne se posent même pas c'est la même raison pour laquelle Nintendo euh, sort des, 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 des ROM packs téléchargés de sites illégaux puis remis que... euh, actuels pour les revendre à 50 balles derrière je <laughs> demande Bob je crois même qu'il y avait euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs comment s'appelle euh, plusieurs séries de Fat et que les toutes premières FAT avaient la rétrocompatibilité, et tu as des FAT qui sont sortis après, il n'y avait plus la rétro. Mais moi, pour moi, enfin, je vais te, ré te répondre un petit peu, moi j'ai toujours trouvé que ce débat euh, n'avait pas lieu d'être, que c'était bien d'un point de vue marketing, mais qu'au ouais. final, quand tu proposes euh, la rétrocompatibilité, personne n'utilise. Exactement, tout, exactement. tout le monde dit ah c'est scandaleux c'est scandaleux il faut la rétro et puis quand t'as la rétro mais tout le monde parce fout. que toi t'as toutes les consoles non, parce que mais... t'es journaliste respecte-toi t'as tu sais. une mentalité de vainqueur t'as 300 non. titres de grand tu sais. champion en non, coupe attends. de FIFA League dans ton bureau mais non mais attends moi j'avais la, la PS3 euh, fat euh, <laughs> à, rétro avec rétro et j'ai dû jouer MGS1 c'est tout c'est tout ce que j'ai fait avec la rétrocompatibilité c'est jouer à MGS1, oui. avec, euh, jouer à MGS1. Oui, mais après est-ce que ça valait ouais, pas la peine non, mais honnêtement, je suis, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit non, Brice. Mais... Alors, il y a une minorité de gens qui, effectivement, on le voit dans le chat, qui disent « Ouais, mais j'ai quand même utilisé… » Alors, c'est sûr, quand tu achètes la console et qu'il y a encore très peu de jeux qui t'intéressent, tu fais les quelques jeux au moment de la sortie, puis après, tu termines ceux que tu avais commencé ou tu achètes ceux d'occasion qui ne valent plus rien euh, et tu y joues sur ta nouvelle console. Mais objectivement, un an et demi plus tard, deux ans et demi plus tard, plus personne ne joue aux jeux de la génération d'avant. Donc, ils aient supprimé la rétrocompatibilité sur la mise à jour de la console deux ans après c'est pas choquant surtout, ça, leur empêche, ça leur empêche de revendre un remaster 60 balles euh, <laughs> quand ils <laughs> ont juste mis un, pisa... voilà, un texture pack <laughs> non mais bien mais sûr c'est ce dégueulasse oui. il y a aussi ça c'est ça parce que attends tu pas vas pas me dire que ça augmente le coût de production de la console vu que c'est juste même pas un... c'est un software euh, de... c'est un software d'émulation oui, mais... <laughs> mais, par, mais, par, mais parce que je pense que les gens ne l'utilisent pas et comme euh, ouais, ouais. Un, un jour et même sur jeux vidéo magazine ça fait un moment qu'on en parle mais on avait déjà fait un, un article il y a longtemps comme les gens ne finissent pas les jeux j'ai à un moment donné à ouais. qu'on en parle quand même du pourcentage de gens qui achètent ouais. un jeu et qu'ils finissent ou le pourcentage de gens qui dépassent le euh, le premier. La moitié. Le avec les PlayStation avec 3, je suis pas je suis pas coupable de beaucoup euh, ah, de ces crimes-là. Je ah, crois ah, que Meruru, je l'ai pas fini, mais non après, mais le jeu, tu heures, vois donc, avec mais. les aujourd'hui avec les trophées, on peut le savoir. C'est des datas que tu peux récupérer mmh. et c'est toujours assez effarant de voir Ça le nombre de, le nombre de jeux qui ne sont pas terminés et en même temps des gens qui vont gueuler en te disant ah les jeux ils se terminent trop vite. Mais les je gars, si sais vous sais. saviez que les trois quarts bah, des gens ne les finissent pas… Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes, C'est pas les mêmes. Et j'ai je, je, envie de dire, et je pars même sur une tangente, si vous saviez le nombre de gens qui achètent mes bouquins, mais qui ne les ont pas encore lus. <rire> <rire> on en connaît, on en connaît. Ah, c'est bon, ça. Après tout, après tout, et après tout, et après tout, ne vous sentez pas mal dans le chat des gens qui sont intéressés par cette OP incroyable pour Play, Enfin, pas pour PlayStation, mais pour les, les, les 30 ans de Magazine PlayStation, c'est que vous-même… Et dites-vous ça, dites-vous ça, c'est que vous-même, là… Même si vous prenez ces bouquins et qu'ils sont dans votre étageur, que vous êtes fier des avoir, vous allez peut-être les entrouvrir cinq minutes sur les chiottes. Mais d'un autre côté, un jour, si vous avez un gosse, vous avez quelqu'un qui s'y intéresse, obligatoirement, il va regarder votre, votre collection. Obligatoirement, il va tirer le bouquin. Parce qu'il y a une force chez les enfants, justement, de cette découverte de la nouveauté, pour peu que tu n'aurais pas mis une tablette avec Fortnite sur les yeux, sinon c'est mort, hein. c'est oui. finito. Mais ça, où en fait, tu les laisses dans un environnement, ils se font chier, ils vont forcément commencer à tirer des trucs. Alors, ils vont tirer oui. des trucs de l'étagère, ils vont tirer la forteresse Chaudron Noir, les 30 ans de la PlayStation et du Mino Manara, tu vois. Ils vont pas réfléchir. Donc ils vont... Ils vont, ils vont... <laughs> Il y a Claude qui a eu la ref. Mais, moi, ils, moi, vont... Ça, ça oui. mais ils, ils vont tout tirer, tu vois, dans cette logique. Donc moi, je pense honnêtement, les objets de collection et de décoration, c'est pas forcément... Oui, tu peux les lire, évidemment. Et évidemment, ce très intéressant de les lire. Ils sont très bien faits là-dessus parce qu'il y a quand même une qualité. Mais c'est important aussi de les avoir parce que c'est aussi le reflet d'une culture et aussi le reflet de ce que toi... Tu désires t'entourer ou tu désires avoir comme info ou comme ou comme chose voilà. Et de toute manière, euh, lorsque la guerre nucléaire chinoise arrivera, on se prendra un EMP, on aura tous l'électricité coupée, donc euh, des livres on sera content d'en avoir. Sois du mal bon. <laughs> Ok, bah alors sur ces paroles ultra positives. Euh, on raconte... <laughs> Alors, dans Un le chat, il y a quelqu'un qui Moi, mes filles, elles les ont lues, par contre. » Oui, mais les livres de la PlayStation <laughs> ou du Milo Manara enfin, De quoi tu parles <laughs> Je ne peux pas préciser. Non, mais pour moi, voilà, ça me… Dans de... En dehors de ça, c'est l'occasion de reprocher dans une nostalgie totale d'Illumineco. Elle a entièrement raison. Parce que je, je... moi, tu vois, je suis intéressé, comme je disais, le bouquin PlayStation 1, le bouquin PlayStation 3, PlayStation 2, je suis sûr. D'ailleurs, je pense Bob. que PlayStation 2 sera plus épais que le 3. Bo Bob, tu l'as déjà dit, ça, je crois. Oui, mais enfin... c'est parce que j'essaie de commercialement ah, je, vendre. Je ne veux pas… Je ne veux pas paraître désobligeant, mais... Je fais ton taf Tu te répètes là-bas, tu C'est pour les gens qui sont venus en cours de route C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Sponsorisé par Mountain et Doritos, ils sont où C'est vrai. Eh bien, allons-y. Alors, quels sont vos jeux préférés sur PS3 Revenons un petit peu à la genèse de cette console. Comment tu t'es Wars. Non, ça fait ça fait deux heures qu'on parle. On avait prévu une heure, mais franchement, c'était un peu. Ah, deux heures qu'on parle et qu'une heure cinquante, c'est le même mec qui parle. Moi, je, je trouve ça inadmissible. Parle pas, parle dire, euh, voilà. On, parle mal. Euh... On a tous échangé, je trouve. <laughs> non, c'était très instructif. Il y a eu beaucoup d'anecdotes. Honnêtement, c'était vraiment. Très intéressant <laughs> Avez-vous parlé d'atelier Meru <rire> <rire> Non, mais ça me fait rire parce que voilà, c'est vraiment les jeux niche PS3. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je suis sûr que si tu vas au Japon, tu peux trouver des jeux ouais, niche bah oui, de qui aussi. ont jamais été traduits. Je crois que était ouais. tombé en Japon sur PS3 et je l'ai mais il est quelque part dans une étagère un Kamen Rider euh, genre c'est un jeu où tu peux jouer n'importe quel Kamen Rider Kamen Rider ah, mais pas commence pas à parler sur... des jeux niche ce sera un autre sujet tu te rappelles Bob attends, attends désolé on va repartir mais tu te rappelles de, de Mosquito sur PS2 c'est un ah, jeu la un, un jeu où tu joues un moustique et tu dois piquer ouais, les ouais, gens ouais, on a eu euh, on a eu ah. Conkerax la semaine dernière il nous ah, en a ouais. parlé aussi et oui attends Mosquito non mais c'est impossible c'est impossible. Est mais tu sais, sur PS2, tu avais un jeu qui s'appelait aussi euh, Dog's Life. Et je crois ouais, que un ouais, jeu, tout à fait. De chez DMA, d'ailleurs, ouais. mecs de, de GTA, je crois. Et tu incarnais un chien et tu voyais les, tu voyais les odeurs. Oui, le ouais, ouais, tout à fait, tout à euh, fait. Ah tu as, 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 as aussi as un, gens, as. Un, un, un jeu que absolument personne ne connaît, je me souviens pas du nom, mais c'était un jeu qui était sorti au Japon avec un personnage avec euh, une coupe afro, euh, sans doute peut-être même les cheveux roses, et qui devait tuer les gens avec ses poils de nez. Il avait des longs poils de nez. Doro et Doro. génial. C'est pas Doro et tu vois. Et là, on est sur un niveau créatif. voilà je veux dire C'est le jeu japonais comme on l'aime. Doro et Doro, c'est l'homme lézard. Je crois que c'est pas Bobo Bobo Bobo. Ah, Bobo Attends, Bobo Attends, attends, Si, si, c'est ça. Si, c'est ça. Et un shonen manga de Yoshio Sawaii. C'est ça. C'est ça, c'est un shonen. Et il est blond, il n'a pas les cheveux roses, mais ouais. C'est ça. Ah, bah, écoute, euh, bah, Je suis content. Je vois que dans le chat, il y a des connaisseurs. Voilà. C'était plaisir. On va faire un bouquin spécial. <laughs> non, mais déjà, pour qu'ils te disent qu'ils se sortent cinq Dynasty Warriors différents, euh, ça ne veut rien ouais. dire, rien hein, que cette console-là. Voilà. C est, c est... On ne parle, ouais. parle même pas des Orochi Warriors. Des... Ouais. On ne parle même pas de tout ce que. De tout ce que... Parce que Toei, euh, pas Toei, comment ça s'appelle euh, Koei. K-O-E-I-I je ne sais pas s'ils se sont fait racheter ailleurs, mais KOEI, c'est des, des trucs qui ne sortaient que sur PlayStation. Strega, c'était que sur PlayStation. Enfin, ils ont fait des euh, jeux... Il y, y a eu des Dynasty Warriors sur Xbox. Hein. Oui, oui, mais c'est tardif. Tu vois ce que je veux dire C'est tardif. Tardif, tardif. Tardif, tardif. Et, et sur PS2, y a, ouais. et sur les premières Xbox aussi, il y avait les Dynasty Warriors, mais ouais, c'était ouais, PS2, tu vois. Pas un... ouais. pour ça, les jeux KOEI, voilà. Les jeux KOEI, c'était incroyable. ils ont toujours porté Martin Warriors. Ouais. Et ça, ça. Il n'y avait pas eu le jeu Shonen Jump aussi euh, euh, qui était sorti un espèce de, un espèce de, de, de Arena Battle à la Naruto, Team Battle Shonen Jump Il y en a eu, en a eu deux, je crois. Euh, il y en a un qui s'appelait Machin Star Plus quelque chose. Jump Force. Jump, Star Plus, ouais, Jump Force. J ouais. Star Victory et Jump Force. Ouais, okay. C'est ça. Et apparemment, on me, on me dit effectivement PS3. PS3, PS3, PS3. PS3. Donc voilà c'était ouais. une dinguerie c'est une... enfin non pour moi les jeux étaient mid hein, je vais être sincère mais le, le fait que leur concept existe euh, c'est cool ouais. c'est cool, cool pareil pour oui. les jeux de bizarre aventure voilà si vous voulez All ouais. Stars Battle voilà il est là c'est clean et c'est propre d'ailleurs attention il y a All Stars Battle R euh, c'est-à-dire la version euh, entre la version DLC du jeu mais en jeu, ça c'est marrant ça. Ça pour moi c'est pas une tactique commerciale qui est, qui est, qui est, qui est immonde. C'est les espèces de DLC ou les trucs où tu peux acheter des costumes en plus, et ça, ça te ruine, c'est chiant et surtout ça pourrit un jeu les micro transactions. Personne n'aime mm -hmm. ça en vérité. Le truc c'est par contre à l'époque il y avait Ninja Gaiden sur, euh, sur Xbox bien sûr. Mm -hmm. Ils avaient sorti Ninja Gaiden Black. Et pour moi dans ma tête ça m'avait pas choqué parce que je m'étais dit. Ah, c'est le jeu, mais avec une extension en plus, ouais. euh, mais c'est encore vendu dans d'autres jeu Donc, quelque part, c'est un peu plus la baisse, mais quelque part, au moins, ils ont l'honnêteté de dire, bon, on n'a pas les moyens d'intégrer ça. Alors en vrai, s'ils avaient pu, ils auraient fait un DLC, euh, tu sais, ils auraient fait un patch. Enfin, y il aurait, y, aurait, y aurait eu mille manières, même à l'époque, quand tu lançais des jeux sur PC. Immédiatement, tu pouvais télécharger le patch 1.1 qui était disponible dans les CD euh, de, de, de jeux vidéo magazine ou de tests. Si tu veux. Enfin, là, ça ne voulait rien dire. Il faut savoir que cette version PS3 a donc des voix différentes, des, des ultis différents. Euh, euh, de temps, il y a Pucci qui est, il n'est pas en DLC parce qu'à l'époque, ça ne spoilait pas euh, la saison qui sortait. Je vois ta jaquette, là, ça me fait penser à Beautiful Joe. Tu te rappelles des Beautiful Joe oui, oui, Beautiful oh. Joe, bien sûr. Euh... Mais ça, c'est pas PlayStation, ça, frère. Ouais non Beautiful non il est sorti plus tard mais initialement il était chez Nintendo C'est tu vois tu vends mal les choses tu vends mal les choses ça parle mal dans votre décor je suis sûr que vous avez du merdier PlayStation parce que moi je suis juste allé dans mon salon pour trouver tout regarde j'ai un pack rigolo qu'est-ce que c'est juste ça. le slip de la, de la console, hein, c'est vide, ouais. hein, je pourrais pas porter une PS3 comme ça à bout de doigts. Euh... <laughs> J'avoue! Voilà, mais ça, ce pack-là, il est, il est pas fréquent, il date de l'époque où je travaillais chez Micromania. Euh, il y a longtemps. J'avais ah ouais. le pack avec les deux manettes et les deux jeux. Je l'avais payé, euh, je crois, 499. Euh, oh là, là, mais, mais mais donc mon salaire a, mensuel chez Micromania, ouais. <laughs> ouais. J'avais des prix. C'était le seul truc intéressant que j'ai pu avoir euh, en bossant chez Micromania. Je sais pas s'il y en a dans le, dans le chat qui y bossaient et qui ont droit aussi. Et la console, c'est celle qui est derrière moi, qui est là, là. Elle est toujours là. Bon, par contre, elle est morte hein, depuis. Elle me fait euh, le fameux e le mm. Yellow Light of Death. Euh... Ouais. Et ça, <laughs> voilà. ça se répare. ça. Et, là, et là, tu vois, Brice, dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de poser la question. Mais ça sert à quoi de réacheter une vieille PlayStation si on n'a pas de jeu dites Mais parce que ce ne sont pas des consoles que nous proposons aujourd'hui, mais des livres voilà. qui parlent de ces livres. consoles. C'est culturel, voilà. mon gars. C'est culturel. C'est la tout reconnaissance. Tout enfin, je dis bien enfin, mais tout le monde s'en fout du jeu vidéo sous forme d'art. <laughs> <laughs> Ce qui, est en véritable, oui. ce qui est en vérité totalement subjectif comme débat, ce qui sert donc absolument à rien, si tu veux. Voilà, C'est pour bon, ça. Par contre, on se souvient que sur la, une série Sony, qui était exclusive Sony à l'époque, c'était Killzone. Ouais. Euh, okay. Killzone euh, 2 sur euh, PlayStation 3, euh, voilà, ouais. <laughs> inexistant. Voilà, C'est ça, hein, c'était chaud. Pourtant, j'avais ouais. fait le Killzone sur PlayStation 2, moi, à l'époque. Oui, c'était puissant. Sur PS2, Le, le premier oui, le, le premier. Tu sais comment ils faisaient euh, le bruitage euh, des armes qui se rechargent Non, vas-y. Bah, il ils prenaient, euh, tu vois une comment s'appelle des euh, agrafeuses euh, Et donc ils ouvraient la grapheuse, Il l'ouvraient, il la refermaient, ça te faisait un bruit de truc <laughs> qui se recharge. C'est vraiment le clip TikTok. <laughs> tu sais du mec qui fait des rechargements avec des <laughs> objets qui veulent rien dire quoi. Enfin, ouais. oui, oui, ça, et, ça, et, il faisait les bruitages euh, rechargements comme ça. Allez, voilà. bien sûr, Allez, bien une petite, sûr, anecdote. Bien sûr. Une petite anecdote comme ça cadeau hein, je... Allez, on a eu la cadeau. chance, Allez, eu la chance quand même de vivre une sorte d'âge d'or aussi et notamment moi je pour moi l'âge d'or oui de Nintendo PlayStation 3 Xbox 36 avec la panique de la Kinect derrière et tout ce que tu veux. Pour moi, c'était un âge d'or parce qu'on se tapait des E3 chaque année et les E3 mmh. étaient tous des de barrés, ils avec étaient barrés les... de ouf, les mecs étaient sous cocaïne, ecstasy, pire que le peuple ah ouais. de Les gars étaient <laughs> tellement chargés que ils passaient le détecteur à l'aéroport, le truc explose, C'est <laughs> tu sais, comme dans Joe Bartim, tu vois. ils ne peuvent même pas le scanner. Les détecteurs, les détecteurs ils explosent au visage. Rien n'était tout était possible, tout était réalisable. Il n'y avait, avait aucune limite, tous les espoirs étaient permis. On se souvient du gars One Million Troops quand il parlait de Night Night 2. Ça voulait rien dire, enfin. Pouf, a, c était c était... Un comme ça. Les, les ah, vidéos ça. de présentation de Motor Storm aussi. <laughs> euh, vaste vaste <laughs> fumisterie quand tu mettais bah, euh, le. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Non, ça ne ressemblait pas à ça quand je l'ai vu il y a deux ans. Ah, même Killzone. Hein. <laughs> il euh, oui, y a oui, eu des oui. présentations de Killzone. Euh... C'est ouais, ça, ça, ça. Ou alors les, les, les présentations de jeux qui ne sont pas en temps réel. Après, tu vois qu'on avait compris que c'était des fausses cinématiques euh, où alors, tu vois là, le curseur qui se balade. Tu vois le curseur de souris qui se balade sur l'écran, ça veut plus rien dire. C'est quand même dingue parce que avant le 3, on, avait, on a grandi nous, et Air PlayStation, tu vois, Air PlayStation et PS2. On avait Peter Molineux. C'était un peu l'espèce de mec un peu mystique dans le game qui racontait des, des fadaises. Mais au final, les jeux qui sortaient étaient quand même bons. C'est que le mec nous les avait vendus comme des monts Olympiques et au final on se retrouve avec des, petits, avec des petites collines de Savoie. Tu vois, on est bien, Tu vois, finalement, colline de Savoie, c'est une belle randonnée, on s'amuse. Mais on nous a vendu des monts Olympiques et on n'y est pas. Mais le 3, pour moi, ça a été la démocratisation du Peter Molinisme où les mecs ont commencé à vendre des trucs absolument absurdes. On se souvient du gars qui présente la Wii qui fait sa batterie, qui était possédé. Enfin bref, tout le monde était, tout le ouais, était dans ouais. cette espèce d'effervescence et moi j'en suis content, tu vois. Pour moi, pour moi, le, la pire quand même qu'on qu'on nous ait faite, c'est Red Steel sur Wii quoi. Je sais pas si. vous oh Ah oui. Ah, oui, ah, oui Alors, après, mais le mais le mec était stylé. Le mec était stylé par contre. Mais il y croyait. Le, le, non mais le producteur était stylé vous vous souvenez ça. Pas Le mec il avait fait ça. Et, et, attends il faut, faut, faut retrouver le truc. Le, mec était mais stylé. le pire c'est qu'il y en a eu du récent hein, quand ils nous ont présenté Ghost of Tsushima il y a genre trois ans. Le mec il vient avec sa flûte euh, et il nous a tous <rire> fait rire. Mais après il jouait super bien. Ça devait être le seul être humain euh, sur la planète qui savait jouer de cet instrument à mon avis. <laughs> <laughs> mais nous amis millions, on s'y attendait tellement pas en fait, on s'y attendait tellement pas. Donc pour moi, je suis content que les que les que les comme s'appelle que ces espèces de, de kermesse ressortent. Là pour l'instant c'est ouais. timide avec la Summer Games Fest, ouais. mais euh, je suis sûr que je suis sûr que à un moment en fait on ne peut pas culturellement avoir cette hégémonie encore longtemps. Encore une fois je le redis, je suis persuadé que la Chine en plus dès qu'ils ont compris que ça va servir culturellement à influencer le reste du monde, euh, ils vont y mettre un budget de Fous furieux et des moyens, et on sait bien que les chinois, quand ils ouvrent les JO, ça déconne pas, tu vois. Enfin, ils... <laughs> ça ne déconne absolument pas. Donc je suis persuadé qu'on a encore beaucoup de dinguerie devant nous. On a des bonnes. On a des bonnes on a des bonnes années. Alors, Bob, ah, est-ce que tu peux demander à Jean-Charles si c'est la PS3 avec le Go PlayStation Pan ou avec le PlayStation vraiment en lettres plastique Donc la première gêne à 600 ah, euros. Dans mon pack, là, dans mon pack, c'est la c'est la première. C'est une 60 giga. C'est pour ça que tu disais que tu l'as eu à 450 balles, c'était miraculeux en fait. Ah oui, 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 c'est C'est en lettres plastiques ou c'est peint C'est ça la question. c'est un pack normal sur la console. non, mais le logo PlayStation, Sur la console, Bah c'est un. Mais c'est une PlayStation normale. Là, ça, là Oui. Ouais, le logo tu sais PlayStation en typo Spider-Man. Ça, eh ben, sur la console, c'était... <laughs> <laughs> oui, parce que c'est vraiment une question. Je veux pas qu'on parle d'atelier <laughs> Meruru plutôt, mec, parce que tu poses des questions, là. <laughs> euh, moi, de, de mémoire, là, je crois que c'est gravé sur une coque et après, il y a une autre coque. Ah, ouais, c'est ça, ça, ouais. euh, en fait, la version rare ouais sur la toutes les premières, 1, il est en plastique en relief MDR. Ah oui, d'accord, le mec était avant nous. Euh, il était avant Brice. Euh, c'est après ouais, Brice, il regardait le paquebot Xbox passé. Lui il était vraiment en train d'acheter la PS3, le gars. <rire> <rire> il était vraiment dans le... Attends, enfin, attends, allez, allez Alexis. Alexis Alex ou Alexis, en dessous. Bricot, Briclo. Alexis. Descend, Alexi. 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 descend sur l'image. Alexis, Briclo. On va voir sa tête, voilà, c'est pour ça. Laisse-nous lire un peu le truc. Voilà, il nous a mis 1000 zéros. Et ce mec dessine, il dessine depuis avant que nous on a commencé à jouer. Ça a rien dire, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, vous pouvez obtenir donc ces bouquins. Ce sont des livres sous forme des consoles qui iront très très bien dans votre étagère. Au milieu euh, de tous les livres précédents que je ne vais pas reciter, vous pouvez aussi choper le gigapack collector pour la somme Monique de... 150, 000. 000 euros. 150 balles, merci, parce que je n'ai pas sous les yeux là, donc je, je vous aime, mais... <laughs> Et pour ça, oh, 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 oh. donc en fait, bien. le pack collector, c'est vu qu'il y a 5 livres, ah, c'est ouais. la même pour tout le monde. Ah, oui, d'accord, donc il n'y a, de... a pas de baise en fait, il n'y a aucune baise. Ben non, non, ouais. il y a, vous avez une magnifique, euh, un magnifique coffret euh, tirage limité avec une, une lithographie qui sera totalement exclusive. Et, euh, et pour la peine, revoici le monsieur avec le slip. Voilà, <laughs> au, secours. <laughs> au secours, au secours. Mais du coup, tu as déjà ouais. dû te taper quelques pages pour les présenter, vu que là, là j'imagine c'est le mock-up, vous ne l'avez pas encore écrit le bouquin, vous ne l'avez pas encore terminé, il faut encore trouver les anecdotes. C'est bien avancé, hein. c'est bien avancé, on vrai. a eu une réunion éditoriale hier avec une bonne douzaine de, de, de rédacteurs, et, ouais. euh, et ils avancent très très bien, et ils sont très heureux de la façon dont ça se passe, ils ont plein d'infos exclusives, quand ouais, ça se passe, c'est Là, vous avez une partie de l'équipe. Hein. Vous avez Patrick Helio, Bruno Roca, Régis Monterrain, Aurélien Simon, Jérôme Joffard. Et, ou, et outre l'aspect ouais. historique des consoles, bien sûr, leur création, leur conception, les jeux qui sont sortis dessus ou quoi que ce soit, est-ce que tu as des, euh, des, 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 des explorations sur le contexte J'aime ah oui. pas dire socio-économico-politique, ça fait pas de sens, tu vois. Mais quand je dis politique, c'est dans la guerre des consoles ou dans leur, ouais. dans leur objectif, quoi que ça. Parce que, ça, tu vois, dans la euh, chronique Xbox qui devra sortir dans le futur, si tu veux, pour les 30 ans de la Xbox, il va falloir mentionner le paquebot. Si ça peut te rassurer, c'est effectivement notre ADN depuis maintenant qu'on existe c'est qu'on re, on recontextualise absolument tout. Il fut un temps où le rétro gaming c'était 1983 Famicom, 1990 Super Famicom, c'était ça l'histoire du jeu vidéo. Non, non oui. on n'en est plus là, hein. rassurez-vous. On... l'histoire du jeu vidéo elle avait 15 ans, donc tu n'avais pas besoin de contextualiser, c'était l'actualité. Ah, si on, on ne le faisait, faisait pas parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des recherches et, oui. euh, et on n'avait pas le réflexe d'aller voir, chercher les gens, essayer de les retrouver, les interviewer. Là maintenant, c'est ce qu'on fait. Donc on a, on a évidemment cette recontextualisation qui fait que les bouquins, ils se lisent comme des romans, quoi. Mmh. Ça doit être, À mon avis, c'est peut-être difficile de, de, de pousser les Japs, parce que j'imagine beaucoup les Japes, c'est Sony, surtout pour les intérieurs, les Japs à se confier là-dessus, parce que même si tu vas aller chercher dans leur petite fermette euh, au sud d'Osaka. Euh, 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 pour toquer à leur porte Et leur dire bon bonjour, énorme, euh, faut bonjour faut parler d'un <laughs> truc d'accord bonjour faut parler d'un truc d'il y a 30 ans euh, <laughs> est-ce que vous pouvez lâcher tous les dossiers je ne vois pas un japonais lâcher tous les dossiers en fait c'est pour ça ah, je ne sais je pas comment que... tu fais pour l'amadouer en fait bah, il faut, 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 faut avoir du tact Mmh. Voilà, il faut, tout, faut avoir bien. du tact et il faut le pousser à contourner les NDA qui doivent être jusqu'à sa génération future et ses <laughs> <petits> enfants <laughs> Sinon, enfants. Sony rentre chez eux et prend leur premier nez c'est ça en fait. Ça. Non mais tu sais Bob, après, il y a tellement de personnes qu'on peut interviewer. La, la preuve, tu vois, Brice nous a filé des anecdotes incroyables sur le lancement de la PS3, puisqu'il y était. Il était même à la PS2. Bon, bah, c'est tout con, mais en réalité, tu vas voir Brice quand tu as besoin d'infos aussi. Tu vois Attends, il était à la, à la PS2, Brice Quoi, oui, il était, ben, au, mais, il était au lancement, en lancement hein. de la PS2. Ah, t'as ah, fait oui. le Vietnam en fait. Ah, ben là, c'était le Vietnam. Hein. C'est vraiment le ce J'ai vu les gens se jeter sur les, sur les consoles. Ah oui, ça, je l'ai vu. Ça. Ah oui, Brice, ah, sans, ah, sans oui. ironie, Brice, c'est quelqu'un avec son. I've covered wars, you know. <laughs> des guerres, tu sais. Tu sais, <laughs> il peut dire ça sur les consoles. Parce que moi, je me souviens, euh, euh, le lancement PS2 ou quoi que ce soit, je crois que le truc aussi calamiteux que j'avais vu, c'était une Japan Expo où justement, ils avaient promis aux 100 premiers arrivés. Euh, 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 des consoles gratuites je ne sais plus je crois que c'était des PS4 un truc comme ça ah il ouais. y, y avait une phase comme ça il y a eu une Japan Expo où ils avaient promis qu'au 200 premiers peut-être un Call of Duty 200 premiers arrivés euh, ils auraient leur truc gratos et bien évidemment ça a créé une émeute euh, une, une émeute ouais. de, de fou mmh. furieuse surtout ouais. à tu fais pas ça ouais, en plus sûr. je sais que c'était un jeu prône à émeute genre c'était un FIFA ou un Call of bref tu, tu ouais. sens que ça va causer des problèmes parce que Bon, je suis sûr, tu vois, on aurait fait Atelier rue euh, on aurait eu 150 personnes, mais ils auraient été en rang. Oui. <laughs> c'est avec leur daki makura, <laughs> comme ça, dans les bras. <laughs> c'est pour bon, ça, j'avais un vague souvenir. Ouais, moi, je me souviens de ça. Donc, c'était clairement un, un, un massacre qui s'attendait. Donc, mm. euh, c'est euh, pour bon, ça. Mais la PS2, ça avait l'air d'une violence. Puis, c'est quelle année la sortie de la PS2 Putain, euh, 2000, ans. 2000. 2000 ans, je crois. Oh, 24 novembre oh. 2000. Jesus Christ. Ouais, ouais, ouais t'as pris, ouais. pris, euh, pris la masse. 24, il y a 24 ans, il a fait la... Hey, J'étais déjà là en 96, excuse-moi. Mais il ne fait pas, hein, parce qu'on croit qu il a 32 ans comme ça, mais... Euh... Hey. <laughs> ouais, là, il a une chambre cryogénique derrière. <laughs> non, la génétique, <laughs> mon gars, c'est la génétique. Il bon. se nourrit de votre argent, argent qui sera justement et adéquatement dépensé en, en obtenant vous-même une copie euh, d'un livre des 30 ans de la PlayStation avec chaque console qui est géré à l'intérieur qu'est-ce que est-ce qu'éventuellement tu veux bien nous spoiler d'un chapitre qui serait pour toi anecdotique, bizarre ou quelque chose, parce qu'on peut parler des jeux, on peut parler des relations des consoles avec les jeux, des de relations des développeurs avec la console, on peut parler de la console en elle-même, de sa création et de ses concepts-là, oui. on peut parler de son contexte socio, géopolitico, euh, guerre des oui. consoles OS ou tout le reste, mais est-ce qu'il y a un, un paragraphe qui parle de quelque chose de marrant auquel on ne s'attendrait pas dans ce genre de bouquin, puisque généralement vous êtes exhaustif oui. sur le sujet, et même... Vous êtes parfois inattendu, donc vas-y, sur Rome. Oui, bien sûr. Il y a par exemple Aurélien Simon qui travaille euh, comme un fou en ce moment pour euh, faire un listing des bandes-sons les plus emblématiques de chaque machine. Pas mal. Et, euh, euh, et, et pour rembours. ça, il, il se sort vraiment. Euh, euh, non, je ne vais pas aller plus loin. Pour essayer de retrouver. Les compositeurs euh, qui ont composé toutes ces. Donc, il a déjà interviewé euh, pas mal de personnes. Dire, il y en a, y en a bah, qui sont morts, donc. Euh... Mais tu parles de quel monde Des, des launch, des machines euh, Non, ah, de, non tu des, parles on, des... on parle plutôt des jeux, là. Mais, ah oui, d'accord, des mais, jeux. Ouais. Mais euh, il a fait une sélection de, de peut-être 30, je crois, par, par machine, mais c'est un boulot de monstre, quoi. Et, euh, et donc, il retrouve tous les compositeurs de ces bandes-sons pour leur poser des questions. Et ça, ça va être un chapitre assez inédit, puisqu'on parle très peu des musiques dans le, dans le jeu vidéo, mine de rien. Et là, pour cette opération, ben bah voilà, il y a. Alors, évidemment, c'est forcément un peu subjectif, hein, mais il va y avoir énormément, énormément de, de contenu que, que vous n'aurez jamais vu. Et surtout que la plupart de ces... Enfin, pas la plupart, mais j'ai le souvenir que les compositeurs musicaux, ce n'est pas ceux qui survivent le plus, tu vois, dans le métier. Moi, j'ai le souvenir d'en avoir vu plein mourir, là, durant les 20 dernières années. donc mmh. euh... Ça, me paraît... Ça me paraît chaud. Euh... Ça me paraît chaud à obtenir comme information, du moins ça me paraît terriblement spécifique. Parce que putain, déjà pour trouver le Jap qui a bossé sur un jeu, alors pour trouver celui qui a fait la musique, <laughs> le mec mais va voyager. En fait, ça, peut paraître, ça peut paraître étonnant, mais en réalité, trouver des musiciens, c'est plus simple que les réalisateurs. Ah. Pourquoi Parce qu'en en fait, en tout cas au Japon et dans le jeu rétro, les musiciens ont toujours été des personnes externes. Parce que la musique se compose beaucoup plus facilement que le jeu, donc ils n'ont pas besoin de payer un mec pendant 6 mois, 7 mois, alors qu'en réalité, euh, à l'époque, ils, ils composaient les musiques en deux semaines. Donc, euh, donc ils avaient une productivité qui était telle qu'ils qu préféraient filer un bifton, et les mecs, il n'est pas affilié. Et à l'époque, il ne signait pas de NDA, donc aujourd'hui, il est libre de parler mmh. de ce qu'il veut. C'est du miel. Interviewer des, des compositeurs, c'est souvent plus facile que les réalisateurs. Et ce qui doit être par contre dingue, c'est que moi j'ai déjà vu quelques interviews de compositeurs, mais là c'était européen, notamment des pays de l'Est pour les Heroes of Might and Magic, des trucs comme ça ou autre. Et mmh. rien que cela, déjà, avait des grosses anecdotes. Genre, ah mmh. oui, ils m'ont contacté deux semaines avant la sortie du jeu. Euh, mmh. Il leur dit il me faut une BO. Il me faut 150 tracks de 6 minutes chacune. Euh, je, je... Alors j'écoute ça euh, entre midi et deux, à la rachasse, avec deux chaussettes et un bruit d'oxylophone et, et ça fait des BO fantastiques parce que les mecs sont des génies. Il a sorti la voilà, c'est ça, ça. Mais il y, a des situations, voilà, mmh. il y a des situations où le mec était là, « Oh merde, faut que je rende les planches demain. <laughs> » Ils font ça en 4 heures. Donc, je, je ne sais pas si au Japon, c'est pareil, s'ils si ont cette culture de la procrastination, tu vois. Euh, J'ignore comment ils marchent, mais, mais je pense qu'il y a des belles dingueries ou des belles anecdotes… Euh... Euh, T'as un mec qui dit hein, mais un jour j'avais aucune inspi, je suis passé à côté d'un ruisseau et là j'ai fait 200 pistes, 400 heures d'audio de, de, juste pour ce jeu en une après-midi. D'accord. <laughs> est-ce est que est-ce que, est -ce que certains parmi vous euh, connaissent cette rumeur de Saddam Hussein ouais. qui aurait racheté des milliers de PS2 Ouais. Ouais. Alors euh, euh... il y a eu la, la même chose avec des PS3, euh, il me semble. Euh, C'est bullshit absolu. Hein. Pourquoi Pour. Eh, pourquoi bah, euh, il voulait faire des armes de destruction massive, non Exactement, ouais. Il y a des okay, gens qui ont ouais. ça, mais c'est du bullshit total, euh, c'est cool, avec, ouais. avec des puces de PS2. <laughs> ouais, ouais, c'est... Euh... Mais... Mais... C'est des bullshit, ouais. Mais c'est ouais. des conneries. Ouais. Euh... En plus, c'était le type de mec qui a acheté un objet, puis pour le plaquer or. Genre, il avait mmh. sa Klachnikov plaqué or, sa statue plaqué or, sa voiture plaqué or. Donc, il aurait acheté une PS2, il mmh. l'aurait plaqué or, et c'est mort. Hein. On serait au courant. Hein. Il l'aurait montré. Hein. <laughs> <Vous avez> la, <laughs> la, la reine d'Angleterre qui avait une Wii plaqué or aussi. Peut-être qu'ils sont de famille, il va savoir. C'est euh, rigole, 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 mais ça, je le sais de, 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 de fait que c'est une demande qui est faite assez souvent aux studios qui créent les, les trucs jeux vidéo chez Microsoft. En tout cas, c'est une monnaie courante. Il existe des Xbox, euh, j'appelle ça des Xbox Sex, mais c'est Xbox série X. Mais... bah ben oui, mais ça s'écrit comme ça. Ils disent S-E-X, Xbox Sex, mon gars. Comme ça. Bref, il les vendent et je sais que tu peux en trouver pour des 10 000 dollars, 12 000 dollars officiels. Euh, plaqué mmh. or direct avec les manettes plaqué or, euh, la totale. C'est pour les, les shakes, les mecs qui vivent dans les mondes pétroliers euh, qui veulent jouer mmh. à FIFA avec style. Donc, c'est vrai qu'en plus, la Xbox jurait au milieu de leur décor, si tu veux, t'as déjà vu la part à Donald Trump, ça va veut rien dire. Donc, faut se mettre à leur page, tu vois, ça veut plus rien dire. Donc, vraiment, le fait que, tu vois, certains puissent en a acheté une, je dis pas non, mais le fait qu'il en ait acheté 3000, ça me paraît suspect. Il fait quoi Il les offre à ses forces spéciales <laughs> C'est pas mal, hein Tu sais, t'es Black Ops et puis t'es Black Ops afghan et on offre une ps ah, ça bat, le, ça bat le ticket resto de chez McDo, c'est sûr. Euh, ça, bat la, ça, bat la, ça bat la soirée, euh, la soirée euh, carte organisée par l'entreprise une fois tous les cinq ans, si tu, si tu veux, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Enfin bon. Du coup, est-ce qu'on a encore bon, d'autres choses à eh faire bah... ou est-ce que vous voulez vous mettre à acheter ce putain de bouquin Je vais moi-même faire le geste économiquement. Ah là, voilà, j'ai la carte bleue qui est ici si présente. Je ne la montre pas à l'écran parce que... <laughs> parce que... <laughs> pour des raisons évidentes <laughs> bon, ça... <laughs> bon, je crois qu'on a tout dit. Ah. Euh, C'est parfait. Merci Bien. infiniment. Merci pour ce moment. moment. Bon. Et, euh, pour et un, je pour vous laisse. Coup, on, est monté, on est monté à 1200 personnes. Je crois que ça n'était jamais arrivé hein, sur des lives qu'on faisait. Bravo et, et des grand des félicitations. Rires. Merci infiniment à toute la communauté. En fait, je vais vous laisser spéculer sur l'âge réel de Brice. Puisqu'il euh, était déjà journaliste <laughs> en combien 95, t'as dit 96. 96, putain. C'est-à-dire, t'as commencé à 18 piges, à 20 ah non, putain, je... euh, On ne sait guère, on ne sait pas. On ne sait guère. Est-ce que tu as commencé à l'âge légal à l'époque, tu pouvais bosser avant. Hein, C'était moins restrictif. Hein. Il n'y avait pas de caméra dans les rues, frère. il ouais, 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 <laughs> y en a qui ont commencé très tôt. Il ah. y en a qui ont commencé mineur. Je laisse planer le doute. Tu vois. Le... Ouais, Mon ça, père est né en 97. Ça, ça tue. Ça, ah, mais ça, est... ça génétique est aussi dégueulasse, dégueulasse que celle d'une femme japonaise. Moi, ça me, ça me tue, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Ça, ça veut rien dire. À dire, mais c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Dans tous les cas, voilà. Euh, donc c'était les 30 ans ouais. de la PlayStation en stream. Merci infiniment Florent. Merci. merci Jean Charles, merci Brice de merci nous avoir, avoir accordé votre temps. N'hésitez pas vous-même à Bien saucer merci. complètement euh, euh, ces packs incroyables à défaut d'avoir une collection de jeux. Je suis la seule à l'avoir amené. regardez la déontologie, le travail. Oui, j'en ai, ai, hein. ai, ai, ai pris, <laughs> j'en ai pris que 5 parce que j'avais demandé un top 5. tu vois, je les ai pris juste ah, comme oui. ça. Ah, t'as mis Mais... The Last of Us Non, t'es un vendu. Non, je ne suis pas un vendu. T'es un vendu. <laughs> non, non, non. non. J'ai envie que tout le monde dans le chat. Bouh comme... <laughs> Alors que le, The Last of Us 1, The Last of Us 1, no joke, il est kido. Voilà, le jeu est excellent. Ah bah oui. euh, bah, ouais, c'est très, très, très bien. Voilà, c'est pour, pour une fois. Ouais. Remonte ton, ton top 5. T'as mis Azure As Wars dans le tas aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, regarde, j'ai dû, dû Azure As Wars évidemment, euh, qui est là. Euh, ça c'est intouchable. j'ai euh, du euh, Katamari Damacy alors ça c'est la version euh, japonaise qui s'appelle Tribute ça c'est excellent Katamari Damacy ça a commencé sur PS2 ça je me trompe pas oui absolument il ouais. euh, y a un épisode 360 aussi okay. euh, le MGS4 parce que MGS4 c'est la vie qu'est-ce euh, qu que j'ai d'autre Red, du, Dead, Redemption, euh, Red ouais. Dead Redemption Red Dead Redemption Red Dead Redemption qu'à l'époque ouais. il y avait pourtant tous les téléchargements les patchs ça, mais ils avaient quand même revendu le jeu avec le DLC zombie dedans Ouais. je crois pas je crois pas zombie sur PS3 Nightmare. que tu pouvais updater ton Red Dead Redemption pour le télécharger le, 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 le patch le DLC quoi et avoir le DLC zombie avec je ne suis pas sûr euh, de ça euh, je non, pense qu'on était non, non, à la limite euh... de l'époque où tu pouvais patcher, patcher tes jeux en achetant un DLC sur internet tu il y avait ouais, ça alors qu'Azuras Wraith Azuras Wraith c'était bien rodé déjà hein. les, les, les DLC sur internet c'était déjà bien rodé ils maîtrisaient ouais. bien le sujet ah là ouais, ils nous ont bien bien là-dessus Mmh, Il euh, bon, y avait plein d'autres jeux encore hein, que, que j'ai pas pris là, mais... Euh... Bien sûr, délice. C'est quoi le jeu les plus, le plus obscur que vous avez possédé sur PS3 Moi, je t'ai déjà montré Atelier je vais arrêter là-dessus. Hein. Euh... Quoique j'ai Hyper Dimension Neptunia, mon gars, MK2. Mmh... J'ai El Shaddai Non, j'ai oh, tout. Euh, tout euh, El, El Shaddai euh, euh, Shadow of the Metatron euh, euh, ouais. euh... Ou c'est Sword of the Metatron, je ne sais plus. Quelque chose of the Metatron. Ah, attendez, oh. attendez. Moi, j'aurais vérifié, chaballi. mais je crois, je crois que j'en ai un pas mal. Obscur de ouf, mon gars. Je n'ai rien habité ah. à El Chadaï. Je... Il y en a un que j'ai ah, adoré. Il faut, il, faut avoir, il faut avoir lu la Bible, frère. Ah, oui. Moi, <laughs> moi j'en ai un bon, c'est Iron Man. Oh. Iron Man. Oh la vache, j'avais Ça, ça c'était lourd, ça. Ça, ah, ça ouais, c'était lourd, ouais, c'est le cas de le dire. Ah ouais, Iron ça. Man Iron Man PS3, ça... Et toi, Flo ils n'avaient pas fait. Ils avaient pas fait un ah. jeu euh, Avengers aussi sur PS3 qui était dégueulasse. Genre vraiment euh, hein, sur PS3 non ça me dit rien. Il y a eu un Avengers sur PS3 je crois pas. Attends attends je regarde. Il est tort, mais il était dégueulasse aussi. Il bah, y a Lego il y Lego Avengers. Il y a Lego ah. Avengers. Ah. Avengers ah. c'est euh, Lego donc forcément il devait être bien. Mais euh... ah si attends je vois un Avengers. Là. Ah, J'ai souvenir est des, des Marvel euh, euh, Ultimate Alliance 1 et 2 qui ouais, étaient dégueulasses à l'infini. Ouais, ouais. ouais, ouais. dégueulasse, euh, Il y avait les ah, U, putain ouais. Ah c'était ouais. Lego, Lego Avengers. Euh, ouais. Par le contre, j'avoue c'est Iron Man et tu as bien alors Metatron enfin El Shaddai Shadow of the Metatron. El Shaddai, je vais retrouver ce que c'était. Ascension ouais. of the Metatron. Ascension of ça. the Metatron, exactement. Et, pour... et, y a et pourtant en... l'idée était Kino mais le mec, il est parti encore plus obscur que l'enfer de Dante si tu veux. L'enfer de Dante au moins oui. tu joues au jeu, c'est un c'est un God of War like mais tu comprends ouais. ce qui se passe, tu vois, c'est l'enfer de Dante ouais. donc ça va mais Ascension of the Metatron, mec, si t'as pas lu la Bible et les DLC, euh, les DLC tu de attends, la Bible, t'es es perdu. T'as pas lu la Bible avec un perso qui, qui se balade à moitié torse nu, bizarre, mais avec un jean Levis, tu vois. Il <laughs> oui. est chelou de ouf, le perso. Oui, mais parce que, que c'est un ange qui essaie de se regagner. Euh, bon, bref, je vais pas refaire le. Ah, j'ai le lore, j'ai le lore, ok. Là, tu si tu veux, il est ressorti il n'y a pas très très longtemps, je crois, Alors, le en, en version HD. Flo, euh, de... on sait que tu es Nintendo sexuel, mais toi aussi tu es une PS3. Euh, Dis-nous ce que tu veux. Oui. Tu... Alors, non, non, en fait, euh, j'ai eu cette immense chance de pouvoir euh, co-écrire la biographie officielle de Souda51. Euh, je ne sais pas ah, si vous voyez qui oui, ça, oui. Ah, est bah, monsieur Donc, et vu que j'allais passer une semaine dans son, dans son studio à lui poser des questions oui, matin, oui. midi et soir pendant des heures, j'ai fait tous ces jeux. Et j'ai adoré sur PS3, j'ai adoré Shadow of the Damned. Euh, mm. Un excellent jeu d'action et qui était surtout très drôle, parce que Souda 51, il a beaucoup d'humour. Ouais. Et j'ai adoré le Lipop Chainsaw, bien entendu. Voilà. Mm. Donc ça, c'est deux donc, jeux oubliés. Qui Shadow sont of the Damned qui a, a floppé de ouf. Oui, euh, mais comme beaucoup de jeux Souda, en fait, malheureusement. C'est pas parce que ton mec n'arrêtait pas de mourir de... constamment il me semble il y avait Non, ça. il n'était pas si dur que ça, mais c'était drôle. Il... C'était dans l'histoire. Dans l'histoire, ton mec était... Ah, oui, était ça, oui. Et il n'arrêtait pas de crever ouais. et tu perdais toujours des morceaux. Et, et, ouais. et, et ouais. c'était ça, je me souviens que c'était ça et c'était marrant. Et euh, que tu essayais de sauver une meuf qui était à moitié à poil sur la cover et que c'était la pire des salopes. Euh, euh, <laughs> euh, mais la, la pire des femmes méchantes, tu vois. C'est ça qui me faisait rire parce que c'est Sud A51, c'est-à-dire tu sauves une princesse pour qu'elle te mette une gifle. C'est ça le pic de son humour, si tu veux. Il adore parce faire ça dans ouais. tous ses jeux. Si euh... Lollipop Chenso ressort bientôt, moi je suis content. parce que c'est bah ouais, ouais, un ouais, ça sur Twitch, là. Il a été annoncé au Nintendo Direct. Ah bah c'est sûr. Sur, sur Switch Il <laughs> bah y a, il y est, il y, a, y a. Ah bah je suis passé ah bah, à côté, j'ai regardé, regardé, regardé le truc, les, mais... les vidéos de, de la chaîne euh, Jeux Vidéo Magazine animée par Momo et, et Tamalou, je crois que c'était. Euh... Eh oui, oui, tout à fait, exactement. Eh ouais, c'est ouais. bizarre. Vous avez une vidéo vidéos pour, euh... en live, le truc, mais bon, ok, je suis là. J'ai pas rêvé du truc hein, dans le chat, euh, dites-moi si non, euh... bien sûr. Par contre, il y a un autre jeu qui a été annoncé, désolé, on change complètement de sujet, mais je suis très content, c'est Fantasian de, de ah, mais Oui, oui j'étais heureux comme tout de le voir. Alors là les gars, c'est un jeu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était une exclusivité euh, Apple Arcade, donc c'est Apple qui avait financé le jeu, mais le jeu, il est incroyablement beau. Il a été fait en fait avec des maquettes, c'est-à-dire c'est des prises de vue de maquettes qui se sont fait chier à, à je ne sais plus combien il en a fait. Oh, à peu wow, près 200 ou 300 ouais. maquettes en taille euh, gigantesque. quoi et, euh, et ensuite, ils ont fait des plans. Et donc ça se, et, et les décors sont incroyables. Et le jeu, c'est un RPG avec un game system qui est vraiment cool. Donc, Fantasian, euh, regardez-le. Ça a été longtemps une exclusivité. Donc, il est passé totalement inaperçu. Parce que, voilà, euh, Apple Arcade, personne n'y joue. Mais Fantasian, c'est un excellent RPG. Allez-y. Je, je vais, euh, moi de mon côté, sortir un jeu qui n'est pas Atelier je... Meruru, euh, rassurez-vous. Euh, un jeu PS3 qui est obscur, il est dans mon dans mon dans mon dans mon meuble, il est même pas exposé tellement c'est obscur. C'est un RPG cool. The Last Rebellion. Je vous invite à chercher les images ah, sur mais... internet voilà, parce que Attends, The Last Rebellion c'est un RPG The... Oui oui, bien sûr. Oui, enfin tu joues un pas une équipe mais tu as un protagoniste et en fait, c'est un mec et tu switches, tu as le même corps avec une meuf donc tu switches constamment en mode en mode Charlotte Jonathan, Charlotte, Jonathan de, de, de de Portrait of ah, et... euh, l'un contrôle l'une contrôle la lumière, l'autre les ténèbres si tu veux et tu switches ouais. com complètement. Et en fait, tout le système de jeu fait que tu affrontes des monstres et tu peux choisir 10 morceaux de leur anatomie, la tête, l'épaule gauche, le bras gauche, la jambe gauche, la jambe droite, la tête, l'œil gauche, la tentacule euh, haute, la tentacule basse, bref, voilà. Et le but du jeu pour faire le plus de max de dégâts, c'est d'attaquer. Tu as le droit à 10 attaques par tour. Et il faut attaquer dans le bon ordre ces euh, organes pour lui faire le max de dégâts. Donc c'est un espèce de jeu de motus. Donc tu vois, ouais. tu fais une attaque sur moi, ça fait tu 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 ah ah il faut que j'inverse et enfin et là, tu 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 tu, 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 tu... Et là ouais, je et... le vois Tro... là voilà. et... sur 10 sur ce et... Game Cult ça, non, voilà 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 et il est obscur <laughs> et il a ch... et y a un truc par contre qui me faisait plaisir avec ce jeu c'est que tu pouvais comme dans Chrono Cross tu pouvais fuir n'importe quel combat même saut de le boss et les boss t'attendent et en fait il y a un truc c'est que tu peux te prébuff avant le combat et tu peux te prébuff il faut d'ailleurs c'est obligé il faut te prébuff d'absolument tous donc tu t as l'impression dans la scène de je sais plus comment ça s'appelle, avec le squelette nécromancien qui passe 15 minutes à se buffer avant de lancer le combat, si tu veux, parce que tu te faisais rétamer parce que ce jeu était pété de dur et totalement obscur. Voilà. Overlord, merci. Totalement obscur. The Last Rebellion. Un jour, peut-être, j'en ferai un stream parce que ce, ce jeu. En fait, ce n'est pas que ce jeu mérite d'être vu. Non, clairement pas. Mais il y a des jeux qui doivent exister pour qu'on se souvienne de pourquoi il fallait pas qu'ils existent. Il y a des choses comme ça qu'il fallait montrer. Et pour moi, c'est un jeu PS3, et c'est ça qui me surprend, c'est que sur PS3, on est atteint un tel niveau de technologie. Pourtant, c'est un jeu, il pulvérise tous les jeux PS2, hein, visuellement. C'est juste que... Okay. Pff, à quoi je joue quoi Enfin, ça ça veut rien dire. Mais le pire, c'est que chaque mob du jeu, je te dis, a 10 parties à attaquer, euh, sauf les plus simples, quand on en ont genre 6. Et le truc, c'est que ça ne change jamais si tu sais dans quel ordre il faut attaquer le géant de glace. Euh, tu peux le noter sur un bout de papier et ça y est, tu as l'ordre jusqu'à la fin de ton, ton jeu. Mais c'est pas enregistré nulle part dans ton jeu. Donc à côté de toi, tu as un calepin. Ouais, tu <laughs> noté euh, chaque mois. Tu noté. Ah, en vrai, tu es en 1873, tu es en train de vivre une exposition <laughs> en Sud-Amérique, en train de dessiner un, 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 un Pérou du Galapagos ou que si tu veux, un espèce de, de vieux piaf avec une plume bleue et tu dis alors la tête, l'œil gauche, la patte gauche, le... ça veut rien dire quoi, c'est obscur de coup. Le PlayStation All Stars. Ah, Kofi qui nous regarde. Merci infiniment, Kofi. Le PlayStation All Stars Battle Royale, le Smash Bros. de Sonic, complètement oublié. Mais oui, oui. je le aussi là-haut. C'est vrai que. Ouais. Oh, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Après, euh, ça, a pas autant... ça a presque autant flopé que Multiversus, la deuxième sortie. Hein. On y croit, on y croit. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. All Stars Battle, il y avait quoi dans All Stars Battle C'est plus rien. T'avais God of War, euh, t'avais. Euh, C'est à, à peu près Danon, tous dans euh... tout ce dont on se souvient. <laughs> ouais y avait, y avait Il voilà. y, 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 voilà. y avait God of War, il y avait Kratos. Il y avait God of War, il y avait une grosse princesse, il y avait Fat Princesse, euh... il ouais. <laughs> y avait le Sackboy, il y avait Nathan Gray, je, je m'en souviens. Et Cole, il y avait une fémousse aussi. Et il me semble il y a une fémousse. Y avait ouais, un c'était hein. je, je... <laughs> Mais bon, <laughs> le casting n'était pas ouf et le Ça me tue parce que Sony a tellement le plus. Thème, ouais, de... Et finalement, c'est s'appelle C'est Smash Bros qui a eu Cloud, et Zephyrus, Pardon, tu as quelle quelle discussion ouais, on est ouais. en train de tenir <laughs> <rend> ouais. <laughs> C'est Smash qu a vite, qui aussi. a eu Sora de Kingdom Hearts. <rire> <Ouais>. <rire> ça veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire enfin bon du coup j'imagine que vous êtes tous impatients d'aller vous coucher et de mettre fin à tout ceci je vous laisse conclure messieurs Ouh. promis je ferme ma gueule <laughs> ouais bon écoute euh, merci merci beaucoup à tous d'avoir ouais, suivi ce live euh, ouais. qui a débordé de deux heures et demie c'est parfait c'était vraiment cool merci pour ta présence Bob Brice merci pour toutes tes anecdotes et ta bonne humeur ouais. et, euh, et, je vous et vous on espère que ça vous a plu pour ceux qui sont sur le live en fait de, de Bob faut savoir que c'est lui qui nous host donc vous étonnez pas en fait c'est nous qui animons euh, euh, parce que en fait c'est pas notre chaîne on squatte la chaîne de Bobby on squatte, ouais, ouais. merci Bob ah non attends on est sur on est sur sur sur, sur YouTube aussi non Sur, sur oui. les nôtres aussi ouais, ouais. On, est attends, on est partout ouais, merci ouais parce que moi ouais, ouais. je streame stream pas sur YouTube je sais même pas si ça marche ouais. non mais je sais même pas comment ça marche <laughs> ça. les lives avec Bob ne débordent jamais voilà ça c'est <laughs> jamais je <laughs> vais jamais. Ouais. savoir <laughs> non, merci, merci pour tout n'hésitez pas à suivre l'opération elle est toujours en description euh, 30 ans de Playstation c'est un gros gros projet il reste encore euh, combien de jours il reste 25 jours On va le dire. 25 jours voilà ouais. n'hésitez pas les bouquins ne seront pas forcément disponibles après l'opération donc profitez-en en tout cas ouais, cette ouais. offre là ça euh, sera ouais donc il n'y aurait qu'une offre bisous à tous merci Bob un plaisir à un régal merci beaucoup Brice un dernier mot vite merci. fait bah, voilà. merci. Merci, merci pour ce moment. Non, non, c'était cool. Bah, cool. Bob, un dernier mot euh, euh, euh... <laughs> Il n'y a plus rien à dire. J'ai <laughs> <à rire> <exemple. rire> <laughs> <y a> <laughs> ça. Rien historique. À dire, ça ne veut rien dire, heureusement ça. C'est historique. Mais Moi, ça me fait rire, c'est la saga, la saga Petit Pied, la vallée des merveilles. C'est le truc qui ne mourra pas. On sera mort, il continuera à en sortir, ça me but. <laughs> <C 'est rire> Allez, à plus. Bonne soirée. A plus. Merci. Et bisous. Tchau! <fixen>